Il est bon ton lait, hein. Mec, j'entends des deux oreilles. Mais non, mais je te jure. Matinale, c'est la dernière, et oui, la dernière de l'année, déjà. One year, one world premiere. Alors, un an presque, hein, parce que bon, on arrondit un peu les fins de mois. On a commencé en septembre, on est au mois de juillet. Bon, on arrondit, en tout cas, on est très très content. Je suis éclaté. Oh là là, bébé, t'es éclaté, t'as dormi à 22h. Ça fait 2 ans que je dors pas. Il me faut au moins un mois de sommeil. Ok, les amis, on est très content d'être avec vous. 10h, 13h, évidemment, comme tous les jours. C'est la dernière de l'année, et ouais, on est triste. Oh. On est content de partir en vacances, on va pas se mentir. Ouais, je pars à qui? Je pars à Quiberon, donc bon. Tu vas voir Maxime Tchao à Quiberon? Bah, je vais tout faire pour pas le voir, mais. En tout cas, on va voir. Voilà, c'est la dernière dans cette émission, les amis. Restez là jusqu'au bout, déjà, parce que ça va être juste la folie. Sa séquence émotion, séquence souvenir, séquence lettre d'amour, séquence fun, séquence message privé, séquence message vidéo, séquence de tout. Ça va être juste fou, les gars. Il y a plein de surprises. Même moi, je ne sais pas. Bon, déjà, je sais pas ce qui se passe dans le conducteur. Encore plus. Je n'ai rien entendu. J'ai préparé quand même, comme la spéciale Noël, si vous en souvenez, j'ai préparé quand même un petit Jan Award. Pour quand même récompenser 3 petites catégories, rien de bien fou ou fun, mais quand même de se dire bon, faut mettre les bases. J'aime bien parce que ça commençait à 5 à la base, ouais. Et puis hier t'as fait, je vais en faire 3-4 finalement, et aujourd'hui c'est 3. Ce sera 3 finalement. Je suis nuto, je suis arrivé à 8h du mat pour bosser, et Jules me fait, tu sais quoi, fais-en que 3. On a trop de choses, il y a tellement de choses dans l'émission, il aurait fallu faire 4 heures d'émission. Mais on va rester à 3 parce qu'évidemment ça arrive. Il y a quoi après 13h là? Là il y a le lunch play juste après nous, comme d'hab. Oh là là, ben oui. Avec notre tocard là, le suceur de Jap là, comment il s'appelle? Ah, Bogard. Bogard, c'est ça. Bogard, fabuleux. On embrasse Ken Bogard parce que je crois qu'aujourd'hui c'est la dernière de toutes les émissions. La dernière. Ah bah aujourd'hui c'est la dernière, c'est le dernier jour. Dernière journée, ouais. Alors attention, hein, le stream va ouvrir quand même ses portes on va dire. Quelques jours pendant quelques les jours. Prochaines semaines, bien jours. Évidemment, pour couvrir toute conférence sur les jeux vidéo. Bien sûr, mais ça en sera là, mais les émissions plateau, le matin, le jeu, tout ça, c'est la fin en tout cas, c'est un grand plaisir. Avant de commencer l'émission, merci d'avoir été là. Bah, depuis le retour plateau, franchement, on a explosé les scores, ça fait plaisir. Ouais. On est 1000. Mais déjà. Oh là là. Mais non. Vous êtes déjà nombreux, franchement, vous avez été hyper nombreux déjà. Confinement, après confinement, retour plateau, franchement, vous étiez là et c'est la famille. Et vous êtes là aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est votre émission. Alors, c'est déjà votre émission de base, mais là, je peux vous dire, l'émission a été faite pour vous, les deux là. Les deux là, regarde, grand écart. Hop là, ils ont rien. Les deux là, jusqu'à 5h du mat, ils ont bossé, ils ont même dormi là. Vous avez vu, j'ai pris une photo de Rofelo, ce que je posterai tout à l'heure. C'est seul parce que je me suis réveillé avant Rofelo, j'aurais pu faire du reach avec Rofelo. Ouais, il y avait du reach gratuit. Et encore, il s'est réveillé avant, j'étais en train de lui mettre une statue sur la gueule. En train de lui déguiser. Je me réveille, je vois Norman dit comme ça. Ouais, j'allais le foutre sur le balcon. Je suis en train de préparer un truc, donc je peux vous dire, ils ont bossé, il y a une émission de feu aujourd'hui. J'ai hâte de voir ce qui va se passer et surtout on a des messages vidéo. Moi je veux de l'émotion. Les deux ils sont pas dormis. Si tu peux éviter de survendre le truc parce qu'avec Rof on a quand même notre carrière en jeu. Si c'est mauvais, on est viré. Tu sais quoi? Dis que c'est des extraits normaux que les gens vont apprécier. Et puis comme ça. Dis que c'est une émission de merde, quoi. Voilà. Franchement, dis la vérité. Votre carrière, c'est-à-dire. Même moi, les deux ils ont pas dormi à mon avis. L'alarme, elle va tomber. L'alarme Michoux. Hier, tu le sais, j'ai des problèmes de diction. Tu le sais. Et aujourd'hui, là, j'ai des lettres de viewers, si vous voulez tout savoir. Et hier, pour m'entraîner, je lis une lettre à Rofelos. Ouais. À la fin, je me mets à pleurer. Donc, j'étais fatigué. Donc, je peux vous dire que si vous me voyez pleurer, c'est parce que je suis fatigué. C'est pas parce que je suis... Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez? C'est la dernière. C'est la dernière. Une saison à appeler Norman Genius tous les jours. Saison à dire à Kiki que son petit déjeuner, en vrai, il est pas bon. Quoi? C'est vrai, Norman, faut tout dire. On dit la vérité dans cette émission. Norman, est-ce que tu as quelque chose à dire? C'est pas qu'il est pas bon. Tu sais quoi? Je retire ce que j'ai dit, Kiki. Je retire ce que j'ai dit. C'est pas qu'il est pas bon. Il est Il est filandreux. Il est différent. Il est filandreux. Il est solide.
Ah bah le cocktail de Kiki, c'était un pneu. Il y en a eu un une fois. Bah, ça restera dans les... Il était sponsorisé par Michelin. Poussu, non, c'est le seul dont tout le monde se rappellera sur toute la saison, celui qui était cimenté. J'avais trois poumons, je pouvais rester. il était coincé là, le truc fabuleux. Non mais je dis, ça va être fou. Et, mais ils sont tellement émus, tout à l'heure au Fellows, ils marchent, on lui demande l'heure, il se met à chialer. C'est trop bon. Comment ça, Louisette? Non, je te jure, l'émotion, c'est là, ça vous prend. En tout cas, je vais présenter quand même l'équipe, parce qu'il y a cette équipe-là, mais ça va tourner. Évidemment, on a essayé de rameuter le plus de gens possible. Il y en a qui sont déjà en vacances, donc on n'a pas pu avoir tout le monde. Mais on a quand même les grands génies qui ont été là tout au long de cette année. Ça va tourner au fur et à mesure de l'émission avec plein de surprises. Donc soyez là. Merci d'être déjà aussi nombreux. On va commencer. Bah voilà, celui-là, producteur, animateur, chroniqueur, réalisateur, cofondateur toujours de la marque Décathlon, Monsieur Bleu, l'homme en bleu. Il voit la vie en bleu, hein, parce que bon, c'est Décathlon. Propriétaire d'une gourde popcorn, hein, si je peux dire. Si je peux dire, c'est la gourde qui fait déborder le vase. Oh, elle est belle celle-là. Elle a été validée. Ouais. J'aurais dans un quart d'heure, mais ça. Mais c'est ouais, bien. Je l'ai testé à Dibou, il m'a dit c'est bon. Applaudissements pour le seul unique. Je tiens bon. Bravo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé. Ça c'est Rofellos. Non, j'aimerais remettre les pendules à l'heure. Il y a le producteur et puis il y a son sous-fils. Oh là. Oui, mon bon maître. Je vous assiste généralement. C'est un plaisir de vous assister gratuitement. Hier, il m'a fait un petit coup. Il m'a déçu, Rofellos. Comment ça? Il m'a déçu. Il a déçu beaucoup de gens hier. En gros, après, j'ai taclé tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Hier, je rentre chez moi. Je me dis, je vais au moins dîner. Je vais me changer, prendre quoi de me changer, etc. Je retourne à Webedia. Il est 23h. Mon badge, je n'ai d'ailleurs pas activé. J'appelle donc Rofellos, qui est en live et qui me dit clairement, je finis mon live et j'arrive. J'ai attendu 20 minutes dehors. Mais on a vu ton tweet incroyable. Ouais, j'ai attendu 20 minutes dehors et ce bâtard là, tout ça pour faire du reach là, et en plus il a fait 1500 viewers. Justement, j'aimerais revenir un peu sur cette truc. Il a fait 1500 viewers, mais il était unbed sur jeuxvideo.com. J'ai dit, c'est quand même, j'ai fait des stats qui étaient quand même pas mauvaises. Sylvain Trial qui me dit, oui, mais à mon avis c'était de l'embed. Je vais, bon, bah, c'était bien quand même. Pourquoi t'as fait 1500 tout seul? Quand on fait pas de magic, tu vois. Il y a pas de secret. Non, les tier list c'était pas mal en plus. C'était très bien. Il m'en veut de pas avoir laissé mon travail. Ouais. Évidemment, show must go on. Moi, j'ai même le meilleur des poteaux qui est à l'entrée, qui tape à la porte, qui fait Busan là. Je finis mon live. Profitez bien de Rofellos. C'est la dernière de la saison et même de l'année. De tout le monde. Et même de sa vie, non? Peut-être là où j'ai un petit peu abusé, c'est que j'ai quand même dit, attends, bon là, je viens de finir mon live. Je fais un petit tweet et j'arrive. Voilà. Il avait déjà attendu 20 minutes. C'est quoi 2 minutes de plus? Oui. Kyria, dans le froid. Dans le froid. Dans le froid, ça va. Dans le froid glacial de Levallois-Perret, Kyria. Ouais. On est fin juillet, de quel froid tu parles juillet, je parle du froid de Levallois-Perret, Kyria. Il est mordant. Elle femme au froid de Levallois-Perret. Non, man. Je m'ennuie déjà. On m'avait prévu une émission incroyable. Pour 10h08, je m'ennuie. Dans le froid, et je vous parle d'un froid que les moins de 23 ne peuvent pas connaître. J'étais à Webedia. Pour gagner de l'argent, je ne veux pas ça. Qu'est-ce que ça me regarde comme ça? Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Bon, c'est pas genre tu vas m'être regardé. Non mais Kiki, elle me regarde comme ça, je suis déboussolé. Ça va super. Il a bossé. Mais au-delà du boulot, ça me fait plaisir de faire cette dernière. Je suis un peu ému. Déjà presque un an. Une saison, 202 émissions. Incroyable. Émissions. Et tout à l'heure, quand on présentera l'animateur phare de cette émission, vous allez voir, on a déjà une petite surprise au moment des présentations normales, mais avant, je te laisse présenter le reste de l'équipe. Bien sûr. J'ai juste les autres, ils ne sont pas du tout encadrés. Ils ne regardent pas l'émission. Ça va. C'est plaisir. Il était avec nous, vous le savez. Je parlerai de lui tout à l'heure, mais c'est quelqu'un en qui je n'ai jamais cru. Dès le début de l'année, Maxilane de me l'a présenté, parce que j'avais fait un jeu de société avec lui, l'émission de société qui s'appelait Les Couleurs de Paris. Bien. Mon deuxième, hein, et mon dernier d'ailleurs. Ouais. Parce que le premier, c'était Excayart. Il m'a dégoûté à jamais de cette émission. C'est vrai. Fabuleux. Applaudissements pour le seul, l'unique, l'homme aux 1000 micro-ondes. Applaudissements pour Rofellos. Merci à vous, effectivement, je suis là au pied levé. Oh là, la pêche. La pêche. Je veux bien, William. Des petits inconnus, ils viennent quand ils veulent ici. Ah, ils veulent quand ils veulent. Ouais, parce que je l'ai vu là. J'arrive, je parle avec la femme de ménage que j'adore, la copine, la sœur. Elle me fait, dis donc. Y a pas ton copain qui dort dans le canapé? Je fais, mais non. Qui ça, Rolex? Et j'y vais, et je vois, il était comme ça. Tu sais, Titanic. Dessine-moi comme Rose, une femme française. Ouais, c'est ça. Écoute, il était nu avec son collier. Il m'a régalé. Il va très bien. Il a beaucoup bossé. Il a beaucoup bossé. Tête dans le guidon, oui. Alors après,
On peut aussi, enfin voilà, on fait les malins là en mode oui, c'est horrible, on a fini à 5h. Si on s'y était pris plus tôt, aussi, bah, on aurait alors, mais on est avec Jules. Tu sais quoi, si on s'y était pris plus tôt que dalle, il y a des gens qui vont venir tout à l'heure dans l'émission. Je parle notamment de Yannick Agnel. Oui, mais sans Yannick qui m'a envoyé ses extraits à 2h du matin. Hein, donc alors, au bout d'un moment, voilà. Mais sans chercher à se dédouaner, en fait, on est des gens comme ça. On aime bien tout le coup d'un moment et après. À la dernière minute, je peux te dire, je montais. Ouais. Moi, je suis comme ça, j'attends. Tu vois, hier, je devais bosser, j'ai quoi pour trouver la vidéo. Ouais. J'ai commencé à 13h, j'ai fini à 18h, j'ai trouvé une vidéo. Non, parce que je mets du temps d'y aller, mais quand j'y vais, tu vois, ça booste. Tu vois. Mais c'est... Yannick Agnel, tu peux pas le critiquer, il a la tête sous l'eau depuis 10 ans. Dans le sa boss. Tête, il est encore dans l'eau. Le boss. Dans l'eau, ben oui, elle est belle. Tu vois. Ah, elle est incroyable. Non, j'avais pas besoin de. Pas si folle que ça. J'ai pensé à une blague pour la Prescute. Je t'en prie. Je me disais, c'est la 202e. Ouais. D'accord. Moi, j'ai peur qu'on revienne pas à la rentrée. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que jamais 203. Ah. T'es fatigué. Jamais 203. Allez, oh. Jamais 203, parce que c'est la 202e. 203. Elle est j'ai pensé hier sur mon canapé. Ouais, c'est carton rouge. Bah, t'as ressortirais demain au meilleur moment. Bah non, j'ai pris le canapé. Ce que j'ai bien aimé, c'est que tu t'es décomposé à la fin de ta blague. Oui, oui, jamais 203. Parce que, encore une fois, les amis, si vous avez des conseils en humour, c'est un exemple flagrant pour montrer à quel point c'est pas la blague qui compte, c'est le contenu. Non, c'est content. Oui, franchement, c'est pas l'important. C'est la façon dont tu emmènes la blague. Ah, c'est ça, tu vois. Moi, j'aurais fait cette blague, triomphe. Tu vois, j'ai fait rire Marie-Arnaud dans le chat, je vais te dire, c'est le principal. Et femme qui rit à moitié dans son, je l'ai pas dit. Hop, sa femme qui rigole. Elle est avec nous. Vous le savez, elle est avec nous. Retour en plateau hier triomphant. Triomphant, elle a chanté devant la France entière. On a vu qu'elle avait une voix d'ange. Ouais. Une voix d'ange. Elle est pas avec ses chats, elle est un peu déboussolée, mais c'est pas grave. Ses chats sont devant Twitch comme ça, ils sont comme ça, il se passe le pâté. Ouais. Elle est bien. Hein. Bof, cette vanne, bof. Franchement, pas bien. Saint-Sulpice et Saint-Grenelle, évidemment, qui sont là. Vous les avez vus sur l'émission le matin, tout le confinement, parce que évidemment, c'était à la maison, elle était là, à droite, comme ça, elle caressait à droite, à gauche et tout. Mais aujourd'hui, elle est sans les chats, mais elle reste incroyable. Applaudissements pour Kyrie. Ouais, Kiki. Je crois que t'as plus présenté les chats que moi dans l'histoire. Mais de manière générale, depuis le confinement, il n'y avait que pour eux. Ouais, bah oui. Ouais. Kiki, en même temps, je te parle, t'es là, je te parle, t'es comme ça, le chat, il est machin, t'es ta truffe. Bon, t'es ta truffe. Voilà. T'es ta truffe. Ça va bien, Kiki? Oui, ça va. Eh. Et toi? Oui. Wouhou, on l'a eu. Oui. Tu l'attendais, hein? Ça va et toi? Non, ça va, Kyria. Ça va et toi? Kiki, Kyria, qu'on a vu pour la première fois dans le bureau, le studio. Bah, il y a environ un an, du coup. Ouais. Mathieu Alex Nassar, il y a Kyria qui arrive. Voilà, reçoit là, il essaie un petit peu de voir. C'était un petit peu l'entretien boulot, tu vois. On était là, il était avec sa petite trottinette, on discutait. Dis donc, comment ça va? Et t'as pas peur de y aller à fond? Sinon, au niveau blague, t'es comment? Parce qu'on va beaucoup en faire. Et du coup, pas de souci. Et là, je me suis dit, Kiki, putain, C'est devenue une sœur, hein. C'est comme ma fille. C'est quoi? C'est plus une sœur, t'es même ma fille. Alors, je vais quand même trouver un défaut. Quoi? Le sens de l'orientation, Kyria. Ah, pas que le sens de l'orientation, il y en a d'autres, des défauts. Ça va, elle sait pas chanter, moi, déjà. Moi, j'attendais à ce que Nadix arrive à 9h58, normal, tu vois. Là, je le vois arriver 9h15 et tout. Mais oui, putain, j'étais choqué. Qui c'est la dernière qui arrive en trottinette? C'est Kyria qui a dû faire parfois. J'ai prévenu que j'étais en train de me perdre. Moi, t'es au courant que tu te perds. Mais, attends, mais je me perds toujours. Mais ça fait un an que tu es ici. Je vois marqué. Non, j'étais déménagée il y a quelques semaines. Ah, il t'a changé d'appart. C'est pour ça que je ne sais pas du tout le trajet. L'appart, c'est grâce à moi qu'elle a eu. Hein, excuse-moi. Elle a vu un panneau Strasbourg de kilomètres. Ouais, ça doit être par là, quoi. Kiki, c'est une rêveuse. Tu vois, elle est comme ça, elle a des chats. Elle est comme ça. Oh, dis donc. Non, mais c'est facile. C'est toujours la direction opposée à celle que je veux prendre. Ouais, voilà. C'est pas compliqué que ça. Tu sais ça, t'arrives à ça va mieux. Si tu te trouvais dans la jungle avec toi, je serais quoi. La position inversée. On va à gauche, oui. En tout cas, Kiki, on est content de t'avoir. Je suis bien contente de venir aussi, ouais. Eh, la dernière. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, un an, t'as vu? Incroyable. Passe vite, hein. Ils sont émus, les chats? Oui, ça va. Ils sont émus, non? Norman. Ouais. Kyria, pour toi, c'est juste les chats. Oui, c'est ça. C'est plus où elle est, tu parles de ses chats. Non, j'ai parlé d'elle, mais à un moment, je parle aussi de ses chats. Voilà, de ses chats, d'elle et de re de ses chats. Bah, je reparlerai d'elle et de re de ses chats. Donc voilà, bon, Kiki, en tout cas, on est content de t'avoir. Et je suis fier que tu fasses partie de cette famille, évidemment. Il y a un an, là, avec la trottinette, maintenant. On rappelle que Kyria, évidemment. Je suis fier d'être là aussi. Multiple talent. Commencez pas. Attendez, pas pleurer tout de suite. On est trop marrant. C'est après qu'on pleure. C'est comme ça. Comment il va, lui? Les gens qui passent.
Il est avec nous, vous le savez. Alors lui aussi. Lui, j'ai cru en lui tout de suite parce que je le connaissais. Pourquoi ? Parce que je le regardais à la télévision. Sur Gongbase, non ? Sur Gongbase. Et il n'était jamais... pas avec son ex ? Il n'était pas avec son ex. Je crois que j'ai fait la meilleure promo de toute l'histoire pour la chaîne. C'est moi qui parle le plus de Gongbase. C'est une chaîne où il passe évidemment des dramas coréens, il passe de l'e-sport, il passe après-midi des animés un petit peu frétillants, si je peux dire. Et à un moment, je suis là, je zappe et tout, j'y vais et je vois... Bon, il n'y avait pas l'animé, mais il y avait lui. Je fais, c'est quoi ce bordel ? Déçu, dans un premier temps. C'est qu'il est mon animé, coquin. Et je vois, oula, je vois ce mec-là qui commence à commenter la Africa Lead. C'était l'Apex. Ouais, l'Apex, ouais, exactement. L'Africa, c'est une équipe. Ouais, exactement. Ouais, sur Overwatch. Oui. Et il était avec une fille. Et je lui dis, putain, ça marche bien, c'est cool, je regarde et tout. Et qu'est-ce que je vois après ? Il arrive et j'apprends que c'est un caster Overwatch et tout. Et depuis, émission incroyable, chronique beauté, massage des mains, massage des pieds, massage du front, chronique sur les balles de foot, comment qu'elles vont. Oui, c'est vrai. Chronique sur la vie, l'horoscope. Enfin, il nous a tout appris. C'est le nouveau Jamy. C'est le nouveau C'est pas sorcier. C'est vrai que c'est notre Jamy à nous. Hein. C'est le Jamy, ouais. C'est le Jamy Overwatch. Le Laurent Dutch, le Laurent Romeshko aussi, Laurent Romeshko, si vous voulez. Ça marche. Est-ce que tu aurais dû faire, Adi ? Tu aurais dû faire une petite interro surprise à Norman sur toutes tes chroniques scientifiques. Ah non, ça, c'est pas gentil. Tu as vu l'émission d'hier ou pas ? C'est pas gentil. Non, j'étais en train de me faire tatouer. On a fait, tu sais, il est là, il est là. Ouais, il est là. Si, si, mais je douille de fou, mais ouais, il est là. Ah ! Je peux le lécher ? Tu peux y aller ? Ah ben là, c'est le moment. C'est le moment. Et hier, on a parlé de toi, on a parlé du même, tu sais, du livre Vite qu'on a vu sur les réseaux sociaux. C'est Rofelos qui nous a proposé ça, et en fait, la légende, c'était Rofelos, la légende, c'était... C'était un truc du genre les chroniques scientifiques que Norman a retenues. Alors que t'as vu, et ça, je vais demander confirmation à Dibou, c'est bien une personne à chaque fois qui rebondit et qui demande des questions ? C'est toi ? Et c'est tout, il y a rien. Ça fait un peu des gens pas convaincus, mais là. Cette fois, je regardais sur le téléphone que voilà. Ah, il y avait un téléphone, je crois que c'était un tapis de souris. Tu fais quoi ? Je gratte mon tapis de souris. Sérieusement. C'est vrai, mais bon, c'était pas vrai à ce moment-là. Mais voilà, Dibou, franchement, il nous a intéressé, il nous a régalé. Moi, je l'adore, vous savez. Et objectivement, c'est un des meilleurs casteurs vraiment français de. T'es le meilleur. C'est vraiment le meilleur, moi, Dibou. Re-applaudissement pour Dibou. Merci. Il me fait plaisir d'être là. Alors, ouais, t'as eu mal alors là ? Ouais, honnêtement, ça n'a pas été le tatouage le plus long, puisqu'il a duré à peu près 5 heures, contrairement aux autres. Ah, c'est long quand même ! Il avait duré 7, je crois, celui-là 6, celui-là un peu moins de 5. Mais ouais, genre au niveau de la pliure du coude, et des extrémités là. Ça fait mal ici. Aïe, aïe. Putain, c'est beau ça. Et c'est quoi ? Ça représente quoi ? Tu peux expliquer ? Là, c'est un masque traditionnel japonais. Ça, c'est Demon Slayer pour le coup. Le masque, c'est directement le manga. Il est en train de saigner là, le monsieur là. Ah ouais, bah ça dégorge. Là, c'est le moment où l'encre se barre. Il y a des fleurs de cerisier. Il y a des cordelettes aussi traditionnelles. Et il va y avoir une cover. Donc, j'ai un tatouage aussi sur le bras. Mais qui me plaît pas forcément. Donc, il va y avoir un lien entre les deux. C'est ce qui s'appelle une cover en fait quand tu modifies un tatouage que tu possèdes déjà. Qui se fera dans quelques semaines / mois. Et quand ça sera fini, je pourrai enfin vous montrer tout le tatouage. Parce que la rose, je ne l'ai jamais montré ici. Mais quand il y aura le cover et que je serai content de tout ça, je pourrai vous montrer l'intégralité du bras sans problème. Voilà. Tu l'as ? 9h19 ? Cover 19. Oh ! Ah, waouh ! Elle est un peu trop au-dessus. C'est normal, elle est normale. Est-ce que tu peux redescendre ? T'es déjà là-haut et il faut qu'on t'en rejoigne. Jamais 203, ouais. Ouais, celle-ci, elle était peut-être un tout petit peu trop. On a déjà remarqué. Je me permets, on a Gobgégé dans le chat qui dit c'est pas enflé, c'est des muscles. Oh là. Gobi. Du coup, pour ton papier, pour dormir, ce que t'as. Non, du coup, il m'a dit laisse à l'air libre et mets pas de crème. Autant te dire que j'ai dormi 2 heures et je me suis réveillé en mode j'ai trop mal. Et du coup, j'ai dormi très très peu de temps ce soir parce que ça m'a. Enfin, hier, ça m'a éclaté. Est-ce que dans le métro comme ça, t'étais comme ça en filer des pistes ? Non, mais tu sais qu'en plus, je suis vraiment comme ça. Ah, merci, monsieur. Ça fait plaisir. Bon, en tout cas, moi, Dibou, un an, tu nous as régalé. En plus, je suis venu en cours de route, moi. Je suis pas venu d'office. C'est Jules qui m'a donné ma chance. Il est arrivé quand ? C'était pas en octobre, en novembre. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais peu de temps après le début, ouais. Ouais, mais je faisais pas partie des meubles. Et c'est Jules qui m'a dit, écoute, viens. Il a remplacé la First Team dans le crew des chroniqueurs. Parce qu'au début de la saison, la First Team était chroniqueur. Le problème, c'est qu'ils ne sont jamais venus 2 vendredis d'affilée. C'est des artistes, on critique pas la First Team. Et Thomas et Erwan, c'est des frères. Du coup, on leur a proposé autre chose, c'est de venir en invité de temps en temps. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, on va les revoir dans une des vidéos. Ouais. Ouais. Ça pas sous leur meilleur jour,
mais ça reste des frères. Est-ce que... Ils sont jamais sur la meilleure joue. Norman, est-ce que je peux me permettre de te dire qu'on est 1005 déjà? Déjà, oh, un applaudissement. Et ouais, surtout... Merci beaucoup à vous, la famille, sur le chat. Et surtout, je voulais... Le chat, la famille, je voulais vous présenter cet homme formidable qui anime cette émission. Ah ouais. Il est animateur à la Téloge depuis une dizaine d'années. Il vous a diverti tous les matins. Oh là là. Pendant quoi 202 émissions. Bon, il en a fait un peu moins. Mais en tout cas, c'est celui qu'on adore, c'est celui qui nous réveille, c'est celui qui nous file la banane et des ondes positives tous les matins. S'il vous plaît, applaudissements pour le seul, l'unique, l'inénitique, Il y a la mêle de l'eau, il y a la case. Ah, c'est bon, il y a les 10 cm. J'ai mes suites en l'air sur un bon maître. Le bon maître, je suis dans le noir. oui, non, moi j'étais le passe-plat cette saison. C'est vous les vedettes, là. Oh, man. Bon, enfin, il était le passe-plat, mais il prenait un petit peu à chaque fois. Il prenait une frite à chaque fois. Il était le passe-plat, mais t'as aussi fait plein de choses cette saison. Je sais pas si vous le savez, mais Norman, il a des petits tics de langage. Norman, il dit souvent, t'es le meilleur. Si peu. Tu m'as régalé. T'es un frère, de temps une sœur. Et donc voici le bilan des stats de Norman. Oh là là. Grosso merdo, Norman, tu as dit 7040 fois toutes ces phrases. Et en bas, on a des petites stats. Genius s'est trouvé 1039 frères et sœurs dans la saison. Genius a admis 314 fois à ses interlocuteurs qu'ils étaient les meilleurs. Genius s'est régalé, je n'arrive pas à lire 5, malheureusement. 5587. Grosso modo, il a fait une moyenne par émission, ça te fait 3 frères et sœurs par heure en émission, ça te fait 0,8 t'es le meilleur par émission et par heure. Heure ouais. Exactement, et ça te fait une moyenne par heure de 14,5 de tu m'as régalé. Ah ouais. Surtout, on peut dire Edouard qui nous a fait ce visuel et qui a compté toute la saison. C'est un boss, hein. Est-ce que t'as pas, est-ce que tu te demandes si t'en as pas fait un peu trop? Ça commence à se voir dans Mad Genius là. Je pense que je peux battre mon corps. Mais tu sais, vous savez ce qui est marrant, c'est que dans, bon, c'est vrai que bon, j'ai pas fait beaucoup de trucs, mais bon, vous savez que je suis chez Game One. J'avais usé au maximum les T'es génial, t'es le meilleur et tout. Ouais. Depuis que je suis arrivé chez Webedia, putain, j'ai tout fait. Je commence à user. J'attends ma prochaine société. J'attends le prochain endroit où je vais arriver pour dire putain, c'est drôle ce que tu dis, tout ça. Mais au bout d'un an, ils vont se dire, il dit tout le temps la même chose. Merci Doudou d'avoir compris. Ah, Doudou le boss. Putain, je n'en reviens pas, j'ai vraiment. Enfin, je change un peu. Ça te fait des belles stats là. C'est des belles stats. Et il a même compté le nombre d'heures d'émissions que t'as faites, etc. Il a tout compté, Edouard. Parce qu'il a compté les fois où t'étais pas là et que j'animais à ta place et donc du coup t'étais pas là. Il s'est fait chier à compter aussi. Tu sais, on a été une émission caravane pendant à peu près la fin de saison. On a pas arrêté de bouger. Une heure et demie d'émission, après on a fait 2 heures, après on a refait 3 heures, puis on est revenu à 2 heures, puis on est reparti à 3 heures. Et grosso merdo, il s'est fait chier à tout compter. Putain, pour savoir combien t'avais fait. Franchement, Edouard, gros jeu de la boss. Edouard Lapin. Tiens, dédicace à Rob de Pétasse. Il voulait que je lui fasse une dédicace, que j'oublie pas. Et bon anniversaire à. En retard, à BMOS. Non, à Berial. À Berial. Bon anniversaire, Berial, bon anniversaire en retard. Et Snake, franchement, c'est un frère, c'est notamment lui qui s'occupe de mes vignettes YouTube. Et il a reçu ma manette, hein. Et il a reçu ma manette, il se régale. 234 €. C'est important de le préciser quand même. Je suis pas du genre de mec qui parle des prix, mais quand même, toi, comme ça, regarde. En tout cas, les amis, merci d'être déjà aussi nombreux. Je vous le dis, voilà, on est 1008. On est 1008. Oh, applaudissements. Ah, putain. Je vous dis, dans cette émission, plein de surprises, des messages vidéo, des messages vidéo, des views, les meilleurs moments des émissions, tout ce qui s'est passé, on va rigoler. Et surtout, le changement, évidemment, on va accueillir aussi plein d'intervenants qui étaient là tout au long de l'année. Ça va régaler. Je vous propose de commencer avec cette partie 1, parce que j'ai pas de jingle. Il y a Jules qui fait « t'as qu'un jingle à lancer ». Je fais « mais quoi ? C'est quoi ce bordel, quoi ? T'as qu'un jingle ?» Du coup, on commence tout de suite avec... Il me parle à moi, là ? C'est qui, c'est à moi que tu parles, gros ? C'est pour des problèmes de gestes barrières et tout, il y a la régie est dispatchée dans différents lieux de Webedia. Ouais, non, mais... Là, tu viens d'entendre un des mecs. Je pense que t'as capté la fréquence de... Ouais, c'est la fréquence de police. J'ai l'intervenant, il est en train de voler une mandarine. En tout cas, les amis, il est 10h23. Merci d'être aussi nombreux. Ça va être une émission de fou. On est ensemble jusqu'à 13h. C'est parti pour la partie 1 de l'émission. Oula, quoi, déjà, c'est rapide. Bah, c'est rapide, c'est pas grave, est-ce qu'on est pressé? Est-ce que tu veux te relever et refaire le truc? On se fait une piscute. Allez, on est là, franchement, je fais plaisir. En tout cas, c'est vrai que depuis mardi, on le dit, parce que ceux qui viennent de nous rejoindre, depuis mardi, on est en plateau. C'est vrai qu'on a été, ça fait longtemps. Je vous dis, je l'ai redit. C'était comme si on avait envie de pisser depuis 3 mois.
Et mardi, on s'est soulagé, mais laisse tomber. Ah, mais... On en a mis partout. On a repeint le studio. Il est tout jaune. Et je vous dis, c'est cimetière indien, là, évidemment. Normalement, il y a le récap. Et on sent chaque vibe. Et du coup, chacun prend la personnalité de chacun, tu vois. Mais on sent quand même qu'ils essaient de nous tirer vers le bas, les ouais, attends, vas-y, compare qui. Vas-y, compare. Là, par exemple, Maxi Dan, il me tire le cul. Tu vois, comme ça, pour ces blagues, tu vois. À chaque fois, j'ai à deux doigts de parler d'un million. Là, c'est la place de Xari. Ouais, c'est vrai. T'as eu peur. Coup, t'es sur Corius. Hugo. T'as envie de chier tout le temps. Zoulou. Zoulou, embrasse. Est-ce que vous avez vu la dernière vidéo de natation? Zoulou, allez voir ses tweets, Zoulou. Franchement, il nous manque déjà. C'est un frérot. Donc, t'as pris la vie de la place de Zoulou. Mais bon, tu le connaissais bien. Après, j'ai fait. Alors, Yu-Gi-Oh, ça dégage. Ouais, ça dégage. Mec, t'as pris Magic. J'ai déchiré toutes les cartes qui restaient. Exactement. Là, dans le studio, et Kiki, bah, ça bouge un peu. C'est un coup épée, un coup. Il y a quoi? J'ai pas de personnalité fixe, quoi. Pas de personnalité fixe. Ça accroche à tout le monde. Ouais, Kiki, c'est ça. Kiki, c'est dans les jeux de Versus. Kiki, c'est un mélange de Faya, Junpei. Jiraya. C'est tout. T'es la boss victime. Incroyable. Est-ce que tu rends avec un bonnet, Kiria? Écoute, file-moi un bonnet, on verra ça. Ça fait un beau cosplay de Jiraya en vrai. Hein. Donc t'es ok pour un bonnet, par contre des lunettes? Ah oui, non, un bonnet, pas de soucis, mais lunettes, j'aime pas. Et bah, c'est t'as ça. J'ai jamais des lunettes. Et tu me verras jamais. Tu sais qu'elle part en vacances, c'est là, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Parce que faut savoir, Kiki, niveau bronzage, c'est pas non plus la folie. Elle me dit, je vais bronzer un peu. Elle dit, où c'est que tu pars là? Si tu peux le dire. Oui, je vais partir en Espagne. À l'Allemagne. Le mec, pas mal. Près de Berlin. Kiki, hein, avec les frontières et tout, on veut te revoir en août. Oui. J'ai testé ton niveau d'anglais hier, c'était pas mal. Puis non, c'est pas mon niveau d'espagnol, c'est pas une bonne idée. Oh, elle l'a pris toute. Kiria. Est-ce bien colaté del matin, del matinos? Ça veut rien dire. Si. Non, si elle fait si. Non. Moi j'avais zéro. Le tableau espagnol. J'ai eu 8 au bac d'espagnol. Bravo. Mais non, je le méritais même pas. Demande-moi. C'est ce qu'on me dit dans l'oreillette. Oui, effectivement, on me dit que tu ne le méritais pas. Demande-moi si je connais l'Espagne. Connaissais l'Espagne? Ouais. Non, mais en français. Oh, bah, voilà. Tu connais l'Espagne? Par-ci, par-là. Oh. Non, mais elle est très simple. Elle est très simple. Adibou, tu peux applaudir, hein, c'est pas interdit. Il a plus de bras, le mec. Les amis, on va commencer, c'est la partie numéro 1. Norman, tu sais ce que j'ai pour toi là tout de suite? Je vois dans le conduit, je vois quoi? Je vois surprise. Je vois surprise déjà. Première surprise pour Norman. Enfin, exactement, non, c'est pas mon anniversaire, c'est pour tout le monde. Pour le chat, la famille, bien évidemment. Est-ce que vous connaissez Emma? Oui, Emma, évidemment. Oui. Emma, c'est notre CM. D'ailleurs, on lui fait de gros bisous parce que Emma, elle nous a envoyé un petit message juste avant l'émission. Elle dit bonne dernière émission, plein de cœur sur vous. À la rentrée, on se voit. Vous me manquez. Voilà. J'adore. Emma, j'adore. Influenceuse, style de mode. Allez la suivre sur les réseaux sociaux. M. Verne, femme de Hugo aussi. On de Hugo. Mais elle n'est pas que la femme d'Hugo. Tu sais quoi? C'est Hugo qui est le mec. Exactement. Bien évidemment. Et Emma, elle nous a fait à sa façon. Elle voulait participer un peu à l'émission. Et vous savez, au début de l'année, elle faisait un peu de montage sur les réseaux sociaux, etc. Ouais. Elle nous a fait une sorte de petite compile qui résume bien, je crois, la saison. On regarde et puis on en parle juste après. Ouh là là. Un crème à raser et un hydratant qui va. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah non. J'ai mangé mon gommage. Feuille, ciseaux. Non. J'ai gagné. On se régale. Où est encore celui-là? Où est-ce qu'il est encore celui-là? Je sais pas où il est parti. Il est où? Ah mais t'es là. On se régale. Il y a une OPSP devant toi. Je suis le matin, je regarde mes mains, je prends le métro, je prends le bus. Putain. Le nouveau Pixar. Qui est ok, il sera pas en fait. Twitter. Il va bien, il va bien. Il va très bien, il se voit. Kiki. C'est plus Kiki, c'est Mimi. Mini Kiki. J'y suis jamais encore allé, j'espère y aller très prochainement. Oh, t'en viens. On parle de la transition est trouvée. On parle de Monopole, on parle de Disney. Et bien. Ah, c'est trop bien.
Oh, ça régale. Eh, franchement, incroyable. Il a des larmes, celui-là. Non, ça commence à monter. Bah, moi, c'est. C'est pas vrai du tout. Le mec, il pleure, c'est mais vraiment. Il convulse. En fait, j'étais en train de regarder, je trouvais ça hyper beau de revoir un peu tout ce. C'est et en plus, là, ça représente quoi? Un centième de tout ce qu'on a fait. Ah bah oui, c'est très très cut. Dieu qu'on a été con. Dieu qu'on a été con. Mais Dieu qu'on a rigolé. Dieu qu'on a rigolé. Franchement, mais qu'est-ce que c'était bon cette saison. Qu'est-ce que c'était bon. Vous avez vu, c'est déjà la première vidéo, on est déjà comme des fous. Et Emma qu'on embrasse, vraiment une Emma que j'adore, avec qui j'ai bossé cette année, qui est toujours là, qui est toujours dispo, qui est toujours volontaire, qui nous régale comme il se doit. Mais on me dit dans l'oreillette qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a toujours d'autres choses qui arrivent. Qu'est-ce qu'il en pense de cette vidéo? Moi, ça m'émeut. Je suis content de regarder. Il faut faire un pari. C'est lui qui craque. Les gars, moi, il m'en faut beaucoup. Moi, je vous le dis, je suis émotif comme garçon. C'est horrible. Genre, vraiment, il est possible que je chiale à la fin. À la fin du récap e-sport. Vous vous souvenez du récap e-sport? Avant la fin, je pense. La meilleure émission e-sport de le stream. T'avais pleuré? Ouais, j'avais pleuré. Avec Cochlara, à la fin. Avec Skipper, on avait pleuré. Putain, c'est beau. Ouais, c'était la bonne époque. C'était l'époque où. On avait des émissions e-sport de qualité sur la chaîne, moi. Oh, dis donc. Enchaîne, on va t'aller. Attends, en fait, il a toujours pas digéré. Regarde ce que j'ai. Je l'ai là. Je l'ai là. Ah, c'est une là. Ah non, c'est une crotte d'œil. apparemment, les amis, vous savez, pendant cette année, on a testé, évidemment, grâce à Olivier Ophelos, le prince des jeux de société, que des jeux de. Presque que des jeux de qualité. Il y a eu quoi? Franchement, je vais vous dire, de mémoire. Ouais. Il y a eu deux fautes. Vas-y. Lesquelles? Une faute qui va se passer là pour moi dans cet extrait, et une faute aussi pendant le confinement. Non. Exactement, il est là. Il est là. Non. Ça c'était pas pendant le confinement. Celui-là, il est bien celui-là. Ah maman, non, celui-là était bien, c'était sur mon frétillant. Ça c'était de la grosse merde. Et un autre qu'on a fait avec c'était avec Étoile. Tu m'as régalé. Non, c'est pas avec Étoile, c'était le jeu de Doc Seven, mais que j'avais mal amené. Mais c'est pas la mal amené. C'est très mal. C'est ma faute, c'est ma faute. Il m'a dégoûté. Dégoûté. J'ai eu des impairs. C'était de loin la pire chronique de la saison. Mais là ce qu'on a vu, et en plus dedans, il y a l'intervention de Daddy Bax, et je m'en souviens même ma femme. C'est ma femme. Elle a réagi deux fois dans sa vie dans l'émission. Le ballon qui se dégonfle. Non. Il est aussi là. Deux fois dans sa vie. Non, dans l'année, pardon. En plus, elle m'envoie quoi? Je parle de Nathalie Portman, je suis en train de bouffer. Oui. Oui. Et elle m'envoie un message. Sympa tes fantasmes sur Nathalie Portman. Ouais, ouais. Je me suis fait embrouiller. Non, deux fois. Donc, une fois sur Adibou qui fait ah, vous allez voir dans l'émission. Et l'autre fois où c'est pendant le confinement où elle a dit bonjour à. Oui. Adibou. Elle a dit merci Adibou. Je comprends pas. Ta femme, elle nous ghoste tous, mais elle a un truc avec elle. Il y a un truc avec elle. Elle adore Adibou, c'est comme ça. Mon Rofel. Est-ce qu'on puisse voir l'extrait s'il on peut passer le fameux Jungle Speed. Oh. Oh, Jungle qui évidemment est le jeu préféré de Adibou. C'est très et loin. Vous allez très voir, c'est on sera en full screen, on vous laisse déguster 2 minutes de pure de magie. C'est pas. Je vais faire à moi-même. À tu as 10 ans et moins, entre 11 et 15, entre 16 et 24. Ou à partir de 20. Quoi sur I ou quoi question. Les deux personnes y ont bossé 12 heures d'affilée. Dès le deuxième extrait. Et ben, c'est pas la bonne. Tu sais quoi, d'habitude, ça me vénérerait, là, j'en ai rien à faire. Ça fait un an qu'ils sont carrés. Là, ils ont bossé 12 heures. C'est pas vrai. Alors, ça, c'est un. Jungle Speed, c'est parti, le jeu de refaire. On en veut à personne. On en veut à personne, c'est la magie. À part à Denis un peu, quoi. Jungle Speed, le classique des classiques. C'est parti. Essaye de prendre ta deuxième main. Parce que je vois pas avec ta... Alors regardez ce qui vient de se fuck passer. Fuck. Oui. Hésité. Je déteste ce jeu, c'est de la merde. Putain. Le crack. Regarde le piège. C'est le putain jeu du monde. Mettez pas d'entre cartes parce que ça fait un superposé. Mais c'est faux que ça soit superposé. Ouais, mais... Moi je vois pas bien. Quoi. Non mais en fait on est obligé du coup. Le Jungle Speed versus Genius. J'en peux plus. Il y a mille duels. Je te kiffe, bro. Ah, j'en ai kiffé. C'est horrible. Putain, j'en retiens de rire. Je retiens de rire parce que c'est trop horrible. Je veux changer de place. Ça réagit. C'est trop horrible. Je suis mort. J'ai chaud. Je suis mort. 3, 2, 1. Mais remets le. Non! Non! T'es nul! Non! T'es nul! On dirait vraiment des mecs bourrés. T'es nul! T'es nul! En fait, il a fait la même chose!
Quand c'est comme ça, faut regarder les 4, c'est chaud. C'est pas grave. Bah oui, mais c'est le principe du jeu. Je sais, mais c'est chaud. Bah yesh, gros. Mais bah yesh, j'en ai chier. Mais vas-y. Non, mais c'est chaud d'avoir les 4. C'est chaud. Avant le temps, ça fait 2 ans que j'ai pas joué Jungle Speed, je regrette pas. C'est la meilleure partie que j'ai faite de ma vie. Tu sais quoi, on continue, on fera mon tu préfères. Vas-y, on continue. C'est la meilleure. Ok, donc du coup, c'est toi qui recommence. C'est parti. Allez. C'est à qui ? C'est à toi. Oui. Ah oui. Il est valide. Il marche. T'es plus grand. Il y a eu. Non. Les deux mères. Il croit que jouer, c'est que quand il pose sa carte, putain. En fait, avant, je faisais ça, et après, c'était eux deux. Non, mais putain, les gars. Je t'adore. C'est parti. Non! T'es nul! C'est qu'ils font! C'est pas les mêmes, c'est pas loin, c'est cadeau. Jungle Speed, le clap. Oh putain. Hey. On aurait dû le ramener. Hein. Ah, il aurait dit, hey, on l'a pas refait. On l'avait refait après. Ouais, on l'avait refait après. C'était sans Anix, c'était moins bien. J'allais le dire, on l'a pas fait en confinement, mais c'est compliqué. Ah, du coup, tu l'as pas raté, toujours pas compris. J'arrive pas. Le mec, il brûle. Non, mais Adi, t'es nul. C'est l'enfant. Eh, franchement, Adi, on s'est. Il repleure encore. Ah, mec, quelle barre. Quelle bonne barre. Non, mais je déteste ce jeu. Hein. En vrai, je. Et du coup, merci de me l'avoir offert. Je lui ai offert, du coup, à Noël. Il a servi beaucoup. En tant que décoration, c'est une ça. Une fois, je crois, avec K.O. Ah ouais, ah ouais. Rentabilisé. Ouais. Ah, mais après l'émission. Ouais, après l'émission. Après l'émission, ouais. Noël, ils avaient fait un Jungle Speed à deux. Voilà. Et donc, depuis qu'il est chez toi, il... Je crois que je l'ai donné à ma douce. Ah. Parce qu'elle, elle aime bien. Je lui dis que ça serait plus utile, peut-être, si c'est toi qui l'avais. Ouais. Qu'on embrasse, Amélie. On a fait des gros bisous, elle était avec nous au salon de l'agriculture. Elle est nulle, la sœurette. En tout cas, franchement, voilà, c'était un extrait. Ah, t'étais vénère, toi, hein. Ah, des fois j'ai envie de gagner, donc non, toujours, j'avais envie de. Il y a l'esprit compétitif, oui. Et ça me. Et tu vois, j'étais entre les deux, j'ai l'esprit compétitif, vous avez vu, c'est la petite sueur, tu sais, quand, quand tu te rends, mais tu sais que t'as chaud. Tu sais, te rappelles pas en classe quand t'as envie d'y aller, tu vois, t'étais comme ça, t'essayais d'écouter, tu sais, t'as chaud. Tu sais, ça, j'étais un peu comme ça. Mais bon, ça, ce n'est qu'un extrait, évidemment. Toute l'année, Refus nous a régalé de ces jeux incroyables et a dit. Du coup, ma femme, elle m'a rappelé le coup de t'es nul. Ah, t'es nul, ouais. Du coup, l'enfant, quoi. T'es nul. À chaque fois qu'on se voit, il me dit toujours un t'es nul. À un moment dans la phrase, il y a un t'es nul qui part. Toujours. Oula. Qu'est-ce que on le rigole, t'as pris l'air sérieux. On a rigolé dans cette émission beaucoup, mais il y a eu des moments un petit peu crève-cœur. Des moments qui m'ont bouleversé, des moments où je me rappelle d'ailleurs ce moment-là, j'ai mis bien quoi, 2-3 jours normal. Ouais, je pense. Hein. J'ai dû évidemment me retirer en Alsace, dans ma maison faite foraine. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un moment incroyable avec Kaya qui s'est mal passé et moi ça m'a. Pour une fois que c'était réussi. Rien que d'en parler, j'ai. Comment ça ? Non, non, non. Fin de la question. Non, il est en train de s'effondrer. Mais oui. Un gâteau. Le gâteau, il meurt. Non. Ce gâteau. C'est non, mais il fait trop de la peine. Je vais au soleil. Qui a fait ce gâteau avec son chat. Son chat qui lui-même a participé. Ouais. Je vais le ranger. Je vais le protéger. Il va le protéger. Pauvre gâteau. Vous le faites à la voilà, l'applaudissement Kiki est pas encore pensé. Mais c'était ton gâteau d'anniversaire en je plus. Je sais, c'est pour ça que Kiki ça m'a. Il était bon. Hein. Ah, il était bien. Non, il était super. Il était franchement, je me rappelle ce gâteau, il était excellent. La vérité. Ah non, moi je suis assez dur au niveau gâteau. Franchement, celui-là il était peut-être un poil sucré. Comment ça, c'est la vérité? T'as pas aimé toi, Jules? T'as encore l'arrière-coup dans la bouche, non? J'étais pas là ce jour-là. Ouais. J'étais pas là ce jour-là pour cet extrait-là. Oui, c'est vrai, je vois Maxime Girassi qui était là. Tu sais que t'étais. Bisous. Bah, j'étais en jour de repos. En jour de repos, c'est ça. Exactement. Et c'était qui m'avait remplacé sur le fil du rasoir? C'était pas toi, Rof? Ah, c'était Vince peut-être. Oh, peut-être. En tout cas, on s'est régalé. Et Kiki, t'as vu, moi, ça m'a foutu en l'air. Je te jure, j'ai vu mon gâteau en train de s'écrouler. J'étais. Non. C'est content, le truc qui tombe et tout. Kiki, lui en faut. Attention, soyez gentil avec Kiki, parce que vous avez vu. Hein, ça peut... Et t'as vraiment pris ton gâteau. Mon cœur s'est brisé sur le gâteau. J'ai mis Prad. J'ai pris le jour là où ça s'est passé. J'ai du mal. J'ai pris mes billets. T'as eu les 5 étapes du deuil. J'ai pris mes billets sur la SNCF. En Alsace, j'ai fait un feu de cheminée. Je suis brûlé. C'est le moment où t'as coupé internet et tout. Et que tu t'es. Tout, j'ai dû vraiment. Après, je suis revenu. Plus jamais ça qui.
Jamais une histoire de gâteau. Je l'ai supporté une fois, je ne pourrais pas. Les amis, vous savez, il y a eu des crues incroyables. Il y a des chroniques travaillées toute l'année. Moi-même, j'ai évidemment chaque semaine essayé de vous faire. Hier, j'ai travaillé. Ouais, franchement, je tenais à féliciter Norman parce que cette dernière semaine, à partir de mardi, il a quand même bossé presque tous les jours. Alors, c'était pas nickel tous les jours. C'est loin d'être nickel, mais c'est vraiment bien, Norman. Hey. Franchement, je pense qu'on peut t'applaudir pour ça. Parce que je peux vous dire un truc, Norman. Travailler, c'est compliqué. Et là, on sait qu'il le fait parce qu'il a envie de vous faire kiffer le chat. C'est beau, ça, c'est beau. Ça. Il a envie de faire kiffer le chat. Si je peux me permettre, il y a quand même eu des fois où tu étais un petit peu en dessous. Il y a quand même eu des fois où c'était peut-être préparé un petit peu au dernier moment. Ouais. Non, c'est vrai. Moi, un des moments qui m'a fait le plus rire cette année, et vraiment, et c'est pas du jeu, quoi. Vraiment, je vous allez pleurais. Voir, ouais. Je pleurais. Ouais. C'est le meilleur quiz de Norman Jenny. De l'histoire. À moi-même. Tu as 10 ans et moins, entre 11 et 15, entre 16 et 24, ou à partir de 20. C'est crescendo. Pourquoi question ? Mais parce que. À partir de 20. Il n'a pas vérifié son quiz, hein, tous les coups. Alors, tout le monde peut répondre. Tu vis, 1 dans un appartement, 2 dans une maison, 3 dans une c'est villa. De la merde. Autre réponse, c'est joint un château. Il est bon. Quel cadeau n'aimerais-tu pas recevoir ? Ah, là, on est dans un truc un peu. Ah, voilà. Ça y est. Jusqu'à maintenant, c'était un recensement pour la un poste radio, un rouge à lèvres, autre choix. Quel métier aimes-tu ou exerces-tu parmi les choix ci-dessous ? Maître nageur sauveteur, kinésithérapeute, de musical, autre réponse. Ça rend de la bien, c'est cool. Ça n'a aucun sens. Ouais, maître nageur, tu sais que ça me plaît, parce que moi j'aime beaucoup la natation, j'aime beaucoup nager. Je sais plus quoi penser de. Continue. Je te laisse. Sachez, j'ai calculé quand même. Je dois préparer chaque semaine 5 jeux et 5 débats de fin d'émission. Ça fait quand même. Attends, et Maxime et moi, tu crois qu'on est en touriste ici? C'est le métier. Quel âge auras-tu lors de ton prochain anniversaire? Entre 1 et 10 ans, entre 11 et 14 ans. C'est un bon quiz. Excellent ton quiz, normal. Alors, je veux savoir le résultat, s'il te plaît. Alors, moi, mon résultat, on va voir ce que j'ai. Un simulateur de conduite, comme 10% des joueurs. Si tu comptes, la réponse qui veut rien dire. Si tu comptes passer le permis, alors c'est simulateur pour toi. Entraîne-toi et tu auras plus de chances de l'obtenir. Bon, allez. Allez, putain. Tout est incroyable. Raphaël, déjà, je l'ai rarement vu à terre comme ça. Regard de tout qui est. Qui vraiment. C'est plein de dédains. C'est pas possible. Tu sais quoi ? En fait, j'en parlais hier avec Prof quand on a dérouché ce moment-là. Je me disais, c'est con parce qu'à ce moment-là, gros, je me souviens, j'étais en mode, il a pas bossé, c'est quand même. C'est son anniversaire, il bosse pas. Et en fait, je revois la séquence et je suis en mode, mais Norman, je t'aime. Ta gueule, Norman Genius, les 5G. Mais j'ai pris ce quiz-là, je sais même pas, en revoyant, qu'est-ce que c'était que ce truc. Ça parle à ton permis entre 15 et 25. Mais moi, je sais comment c'est passé. Quiz. Norman, on est attendu en plateau en 30 secondes. Quiz anniversaire. En plus, comme on a internet, dans le truc, comme ça je le fais en direct. Et à Dibou pendant la séquence, c'est de la merde. Mais non, mais il me semble qu'en plus, ce matin-là. Je crois qu'en plus, j'étais venue, t'étais en train de chercher ton quiz, et de base, celui que tu voulais prendre, c'était celui que j'avais déjà choisi. Et du coup, t'en as repris un autre en urgence. Déjà, celui-là, tu l'as pris en urgence 5 minutes avant l'émission. T'en as recherché un autre en catastrophe, du coup. Kiki, c'est pas la mémoire, ça ? Vous avez vu ça ? Et ça, je me rappelle ça, putain, c'est vrai. Oui. Elle a une bonne mémoire, là. Et le pire, c'est qu'on n'a pas vu parce que ça s'est coupé à la fin, mais la dernière phrase, c'est allez, on a bien bossé. Allez, on y va. Putain, je me rappelle, c'était mon pire. Je pense que c'est la pire chronique Sur une web TV. Je pense sur une web TV, pas que le matin. Franchement, tous médias confondus. Il a bien rigolé, celui-là. C'est pire. Les amis, c'est Chatrier. J'ai un truc pour vous. Moi, je veux de l'émotion là. Vous savez ce qui s'est passé hier ? J'étais tranquille, j'étais comme ça. Je passe devant Arthur. Vous savez, le mec du courrier. Et qu'est-ce que je reçois ? Un courrier d'un viewer. Pas du tout. Un pigeon qui débarque. C'est ça. La lettre. Signé ici. Il a dit : je vais te faire une énigme. Si tu l'as. Mon premier est un cul. Premier. C'est ma. Dédicace à toi. Tu l'avais dit en émission, c'est pour ça. Ah, c'est pour tout le monde, celle-là. Ok, j'ai reçu un petit courrier de Captain Ichiro. Est-ce que vous vous souvenez de qui est Captain Ichiro ? C'est un novio, un membre de la famille, souvent, évidemment, dans le chat. Exactement, et donc je vous propose un peu, il a voulu, si vous voulez bien, vous rendre hommage à travers un petit message. Si vous voulez, je vous le lis, et puis après on en parle rapidement.
Vous le savez, les amis, si vous regardez l'émission souvent, j'ai des petits problèmes de diction. Je vais faire mon possible. Oh là là. Si jamais c'est pas le cas, bah, je vous emmerde, mais c'est pas grave. Un ami. C'est long, faire la lettre, c'est quoi ? Oh, ça va. Ça va, ça va. Ça va, c'est pour toi, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour toi. Hello Jules, voici un petit message pour l'équipe. Pour être tout à fait honnête, je vous ai découvert sur le tard durant le confinement. Errant sur les internets, je tombe alors sur un tweet indiquant que Julien Chiez serait votre invité. Et le connaissant bien, je me dis, tiens, je vais aller mater ce petit live. Alors bien sûr, j'en avais déjà entendu parler de loin, mais je n'avais jamais pris la peine de m'y intéresser. Déjà, je suis agréablement surpris d'y voir des têtes que je connais et que j'apprécie clairement. En l'occurrence, Maxime Chao et Adibou. Bien sûr, j'avais entendu parler de l'incroyable, que dis-je, l'inéligible Norman Genius, mais je le connaissais uniquement par son palmarès et non par son statut d'animateur. C'est plaisir, ça. C'est bien. Et puis, de toute façon, ce jour-là, Genius n'était pas là, sûrement en pleine OPSP le bougre. C'est vrai, j'ai eu un chien, ça a été dégoûté. Bref, je découvre alors une équipe attachante, amusante et une émission menée ce jour-là par une main de maître, par un certain Jules Thiébaud. C'est moi. Je découvre également pour la première fois Rofelos et Kyria. Et le lendemain, rebelote, et cette fois-ci, Norman et K.O. font leur apparition. Et depuis, bah, j'ai raté aucun épisode. Alors, je peux que rarement vous regarder en live, alors je rembobine Twitch et je vous regarde le soir. Du coup, c'est plus vraiment le matin pour moi, mais c'est la nuit. Et vous voir bouffer des tartines à minuit, je dois l'avouer, c'est un concept. Sincèrement, vous incarnez une vraie petite famille du web, avec chacun une personnalité qui lui est propre. Non, Olivier Rofelos, je te vois venir et manger un steak au micro-ondes n'est pas une qualité. Au final, j'ai follow tout le monde sur Twitch, et même ceux qui font pas vraiment partie de l'équipe. J'ai même follow Marie Arnold, qui fait également de super lives. Cerise sur le gâteau, je me suis abonné à la chaîne de Jules, mais pour l'instant, ça manque clairement de contenu. Ça viendra. En septembre. En septembre. Ça en fait des personnes. Et si un jour Jules devait en un 1v1 me demander qui serait mon préféré dans l'équipe, je crois que je serais incapable d'y répondre. Il me reste donc qu'à vous féliciter pour ce que vous faites. Vous dire que vous me régalez et que j'ai hâte de vous retrouver à la rentrée. Des bisous à toute l'équipe. PS, je mettrai un bon 8 sur 10 au charme de Norman Genius. Oh là là. C'est trop mignon. La jauge de larmes, elle est pas loin là. Elle est moins loupée. Madame Doubert, elle va être contente, ouais. L'orthophoniste. Hein. T'es assuré, mec. Hein. T'es bien là. Franchement. T'as vu, ça valait le coup de s'entraîner hier. Il en pouvait plus, il m'écoutait jusqu'à 5h du matin. Alors. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il a plus aucune émotion en attendant, il a entendu 15 fois. Tu sais, quand on est fatigué, on est un peu plus cool down. Ouais. Tu vois, et du coup, tu ralentis le truc et c'est peut-être ça. Cool down. Si je peux dire, mais c'est un peu plus, tu sais, en compétences. En temps de recharge de compétences, on a un cool down. On est plus. Non, mais franchement, ça fait vraiment plaisir. Il y en aura d'autres dans l'émission, mais je me dis, je dirai un petit mot pour les viewers, la famille évidemment. Bien évidemment, Captain Ishiro, il va remarquer que j'ai coupé quelques-uns des moments. Il a envoyé un roman, je suis obligé de cuter quelques-uns de vos extraits, les amis. Sinon, on n'aura pas le temps de finir l'émission, vraiment, je vous le dis. Ouais, franchement. Mais merci beaucoup pour merci, on rapplaudit Captain Ishiro. Norman Captain Ishiro. Oui. Il y a une séquence de l'année cette année. Est-ce que tu te souviens de la séquence de l'année? Est-ce qu'on remercierait pas avant des gens? Pas bête. Il est imprimé. C'est moi qui l'ai fait. Tu vois, je te dis que ça te dirait que je bosse. Bon. Non, j'aimerais remercier Kiki et Adi d'avoir été là. Vous êtes là. Vous revenez tout à l'heure là. Évidemment. Oui. Ça fait plaisir. On se voit tout à l'heure. Vous êtes là. Vous êtes en forme. Ils sont contents. Non, on repart. On n'a plus envie de revenir. C'est les vacances. Restez là parce que j'ai ouï dire que Yannick est régalé après. Je reste. Et le restaurant, il peut pas refuser parce que c'est Nick pour lui. Donc merci les amis. Et franchement, et tout de suite, du coup. La séquence de l'année. Est-ce que tu te rappelles de la séquence de l'année? Est-ce que vous vous rappelez? The sequence of the year. Est-ce que vous vous rappelez de la séquence de l'année? Moi, je me rappelle. Il y a Thibaut avant de partir, ça vous dit un truc? Il y en a eu trop. Il y en a eu trop. C'est tous les jours. Il y en a une qui a été teasée comme étant la séquence de l'année. Il y en a une qui a été teasée comme la séquence de l'année. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous n'étiez pas là à ce moment-là. Peut-être pas plus mal que vous soyez pas exactement, là. Exactement. On va avoir la surprise. Moi, j'aime bien ce genre d'événement. En fait, j'aurais bien voulu être là. Pour le coup. Ouais. Ben, t'auras eu un souvenir olfactif qui te reste marqué à vie. Des fois, tu sens des trucs et il y a comme une envie de reviens-y. Là, t'avais pas envie de. Là, une envie vraiment de se tuer. Non, c'était même pas amusant. c'était de la souffrance pure, je m'en rappelle. Bah, du coup, séquence de l'année, c'est parti, les amis, on balance. À tout de suite, les amis. Entre 9h et 10h, là où il y aura le plus de monde. Séquence de l'année garantie. C'est la lavande. Vas-y, sans toi. Moi, je dis lavande. Oui, c'est lavande. Ouais, lavande de ouf. 100%, ça sent d'ici. Lavande marche. C'est la séquence de l'année, hein, les gars. Tu trouves pas? Anus, vas-y. Je peux faire d'anus. Sans toi. Attends. Ça sent un peu le purin. Vas-y, dis-le moi ce que c'est. Ouf! Ah! 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 Oh putain!
Alors. C'est atroce. Je sais ce que c'est. Ça sent un peu ça. C'est quoi? C'est quoi? C'est du fumier. C'est pas. Non. C'est fumier purin, t'as atroce. Vu, pas long. Non, c'est pas atroce. C'est un rouge. Ah, c'est atroce. J'en ai mis sur mon nez, putain. C'est du popper. Non, non, non. Non. C'est atroce. Pas non. Non, je vais vomir. Je vais vomir. Je vais gerber. Ça sent le cheval un peu. Oui, ça sent le cheval. Oui, ça sent le purin. Que ça sent le cheval. Non, non, cheval, j'adore ça, moi. Ça fout la gerbe. Mec, on me verse ça sur la tête, mais je vais me faire fondre et remouler. Franchement, je vais faire un bain au ciment, mec. C'est un bain au ciment. L'urine de coyote. L'urine de coyote. Putain, mais où est-ce que... Mais putain, j'envoie chercher un pain au chocolat. Il tombe sur Julien Lepers, il va nous ramener de l'huile de coyote. Mais... Regarde, c'est le joker. Pensez à mettre de l'huile. Attends, non mais la question c'est à quoi ça sert? C'est un répulsif pour pour animaux. Attends, mais tiens. Ça. Arrête, putain, c'est immonde. Oh, ça me monte à la gueule, putain. C'est insupportable. Maxime, alors, c'est insupportable. Cette idée-là, c'est insupportable. C'est Olivier Boyer qui me l'a. C'est les directeurs qui nous font ça, mais Olivier, tu fais sentir à Guillaume, je prends la caméra. Vas-y, respire. Vas-y. C'est horrible. C'est horrible. Tu lui tiens la tête. Attends, viens, je m'en résiste, je m'en résiste. Ils se sont enfermés. Ils sont fermés. Non, 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 mais ça fait quoi ou quoi? Garde. Attends, attends, j'ai le badge. Attends, mais mets-toi bien sous le nez. Zoltan, viens, tiens, viens. Tiens. Ça va, montre-nous que tu es un orc ici de l'Alliance et que tu n'as pas peur. Un orc de l'Alliance. Lui, c'est la Horde. Flair. C'est quoi ta merde? Erwan, viens. Erwan, donne-moi un micro, donne-moi un micro. Monsieur, fais le malin là. Bouge pas. Transpide. Non, non, c'est de, je sais ce que c'est du white spirit, non, du desktop. Non, 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 non. C'est du white spirit. Non. C'est du white spirit. Non, c'est un truc animal, mon petit. T'as vu, c'est horrible. Fumier, fumier, mec. Fumier. Non, ouais, c'est pas du fumier, c'est de la pisse de coyote, mec. Un plaisir. Ah, est-ce qu'on n'applaudirait pas la séquence de l'année 2020? Ah, eh ben, tu sais quoi? Chapeau. Dans la conve, demain j'ai une séquence à vous. Bravo. franchement, bon, avant de parler de la séquence, applaudissements pour Kevin Enix. Qui ont survécu, ils ont survécu. Franchement, ils vont bien déjà ces deux-là, là. Non, j'ai perdu une narine à quoi. Il était à l'heure ce matin, Enix. Il était en avance. Il était 5 minutes à l'avance. Qui je vois, on a rendez-vous à 9h15. Et qui je vois à 9h10 débarquer comme un flagrant luron. Flagrant luron. Du coup, je propose qu'on applaudisse. Ouais, toi, t'as un truc à dire à Enix, toi. Oula. Toi, t'as un truc à dire à Enix, Rofelos. Hier, j'ai été un petit peu caustique. Rapidement. Il se peut que j'ai pas été totalement attentif. Je peux même employer le terme très désagréable. Ouais. Non, ceci ma séquence. Je peux dire les choses. J'ai été blessé meurtri dans ma chair, vraiment. Alors, je sais pas quel connard pour raconter sur le foot, mais en tout cas, je tiens à m'excuser. Ah. Mais je t'ai déjà excusé plus ou moins hier, en fait. Je sais pas pourquoi. Non. Pourquoi on fait l'os? Parce que j'ai vu des commentaires qui t'insultaient comme si vous étiez amis. Alors que vous adorez tous les deux. C'est quoi hier? Vous savez quoi, pas de geste barrière, faites-vous un bisou tout de suite, là, comme ça. Ah non, non, t'es fou. Pas le temps de niaiser. Hier, t'es trouvé un petit peu senti forcé, là, je sens que ça vient vraiment du cœur, quoi. Y a pas de consigne. Quand il est fatigué, il est sympathique. Je casse ma barrière méchante, tu vois, il reste plus que. On parle de KO? KO à côté. Personne n'a été méchant avec moi, c'est bon. Personne n'est jamais méchant. Elle a tenu avec à se mettre à côté de moi, elle m'a dit. Ouais, elle a tenu, etc. Rappelle KO Rofilo. Je me suis senti forcé. Il avait un KO. C'est quoi le nom des deux là? KO Olivier. Ouais, c'est bon. C'est le KO. Juste pour revenir, vous savez, des fois, bon, il y a des odeurs, des fois, bon. On surjoue jamais, hein. Vraiment, je dis, c'est des fois, c'est dur. On surjoue quelques fois, mais là, c'est très vraiment, moi, je vous dis, j'ai pas pris de plaisir du tout. C'était tellement ignoble. Je pense que j'ai jamais ressenti ou senti quelque chose d'aussi affreux que ça. Et d'ailleurs, il y a un viewer qui a pu en profiter. Oui, il y a un viewer qui a pu en profiter, qui l'a reçu, mais surtout, enfin, c'est ce que je disais. On était tous
en PLS, on était tous dans la même merde. Non, mais c'était horrible. Et on embrasse Erwan et Thomas, la famille, évidemment. Ouais, et Guillaume, Roméo, et Guillaume, et Jane, et on les remercie tout le temps. Jane qui est venue nous voir. Jane qui est là, non, qui on se posera toujours la question de savoir si c'est de l'urine de cut. Tu sais quoi, que vaut l'autre. Moi, je pense qu'il a masqué. Moi, je pense qu'il a masqué. En plus, Maxime Thiaw, le rire diabolique. Il m'éclate. Il est tellement heureux. Moi, je pense qu'il couvre. Moi, je pense que c'est sa propre pisse. Moi, je pense qu'il a mis un truc coyote. Non, il l'a dit parce que quand il l'a mis dans la fiole, il s'est aux toilettes. Ah, ouais, t'as pas tort, t'as pas tort. Ouais, heureusement que l'étui est pas trop grand. Maxime Chao, il chie dans la gourde. Moitié journaliste, moitié coyote. Du coup. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Les amis, il y a une année incroyable. Et vous savez que la dernière émission de Noël, j'avais fait un petit peu mes Jan Awards. Ah oh, oui, c'est oh, vrai. Bien. Jutier m'a dit, on fait un Jan Awards. Bon, j'en fais 5. J'ai dit, c'était un peu long. Ce matin, il fait, c'est quoi, il y a trop d'émissions. Une émission trop longue, fais-en 3. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'en fais 2 tout de suite. Ouais, j'en fais 2. Je suis venu là ce matin, j'ai bossé un petit peu. C'est rapidement fait, mais je devais un petit peu décerner des prix un petit peu emblématiques. Du coup, musique Oscar, musique un petit peu cérémonie. Ouais. C'est Jan Awards 2019-2020 de Genius. D'accord, ok, mon Norman. Il n'a pas du tout été prévenu. C'est juste la musique. D'accord, ok. Il va trouver une musique, t'inquiète pas, mon Norman. Quelles sont les catégories cette année, mon Norman? Je commence rien sans la musique. Okay, pas de soucis. Peut-être si tu avais mis dans le runner musique Oscar. Ouais, j'ai rien prévenu là. J'ai aucune excuse parce qu'il n'y a rien de ce qui est marqué du jeu. Je veux bien. Avec Rof, essayer de tanker jusqu'à 5h du matin, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire, si je peux me permettre. Ah, ah, le télésiège, la vie de victoire. Pécale, qui pécale, sera sur le télésiège? Qui sera? Ah, il s'en souvient, ça se vient. Dans la vie, il y en a qui montent, il y en a qui montent. Certains descendent. C'est maintenant, les Jan Awards. Il n'y en a que 3, c'est pas du tout travaillé, ça ira vite. Vous inquiétez, vous inquiétez pas. Il y a un Stropole, un truc comme ça? Il y a un Stropole, on n'est même pas obligé. On peut le faire, on peut le faire localement. On peut le faire à l'oreille. Faisons-le à l'oreille. Avec la seule qui marche. Voilà, exactement. Oula. Révélation 2019-2020 sont nommés. Maxime Thiaw, l'homme qui était chiant dans le jeu actu et qui dans le matin était chiant mais qui mangeait beaucoup. Du coup voilà, ça nous régalait. Applaudissements. Son nom est Kyria, narcoleptique, psychologue et aventure dans la forêt avec un droïde. Ceux qui ont suivi. Rofelos. Rofelos. Que j'ai découvert dans l'émission de jeux de société, que j'ai cru chiant et qu'il est toujours autant. Voilà. Merci. On m'applaudit. Il dit les termes, moi ça me va. Un peu plus fort, Nani, un peu plus fort. Jules Thibault, que j'ai connu sur Binisport, en qui j'ai toujours cru et qui s'est avéré un animateur raisonnable. Oui, pas mal. Okay. Raisonnable. Applaudissements. Applaudissements. Oui, raisonnable. Non, j'ai pas fini. Tu peux pas me mettre dans la révélation de l'année et me dire raisonnable. Il était moyen, quoi. Oui, mais j'ai commencé à mettre. Mais t'étais moyen, mais peut-être au-dessus de la moyenne. T'as peur pour la classe. Tout à l'heure, il y a le conseil de classe. Il y a un viewer qui a fait conseil de classe. Tu vas voir. Les nominations sont biaisées, c'est un tricheur, la révélation de l'année, c'est scandaleux. Non, vous allez voir, avec la musique, c'est vraiment les Oscars. C'est Jean-Pierre Foucault, Miss France 2002. Si je gagne pas, je vais essayer d'avoir la même réaction que ceux qui gagnent. Et pas. Le dernier nommé, Yannick Agnel, je suis sorti de l'eau et je vous fais rêver. Oh. Et la meilleure révélation 2019-2020 est attribuée à. J'ai pas les résultats. Yannick Agnel, applaudissements. Je sais que c'est pas préparé, mais il y a quand même dans toutes tes cités, il y a une seule personne qui est sur le plateau. Non, il y en a deux. Oui, voilà, c'est ça. Essaye de le remettre au moins à une personne présente. Quoi. Non, j'ai voulu parce que c'est vrai que ça a été un champion pendant 10 ans. Il est resté dans l'eau et je me suis dit, comment il va être en chroniqueur? Il a été incroyable, il nous a fait rêver, il nous a fait découvrir des sorties, des musiques. Il nage plus vite que l'ombre. C'est Yannick Agnel. On rappelle Yannick Agnel. C'est révélation. T'es le meilleur. Je suis un poil dégoûté. Moi, je m'en fous. C'est je pas pense un vrai que c'est pas hein. Tout mérité, mais. Quand même, c'est la seule personne qu'on a reçue en invité et qui s'est transformée en chroniqueur derrière. Mais c'est justement, il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Qui l'a? C'est pas une ref. Non, c'est pas une ref. À chaque fois, non. C'est juste que K.O. veut faire une phrase. Non, c'était juste, oui, il n'a pas eu peur de revenir en tant que chroniqueur. Alors Et du coup, dans le chat, je suis sûr qu'ils sont d'accord parce que Yannick Agnel, franchement, il a régalé. Ah oui, complètement, par contre. Non, ils sont tous là. Non, c'est Jules, la révélation de l'année, Norman. Franchement, on n'a pas le. Tu connais rien, t'es un con. Attention, deuxième catégorie, musique. Ça commence doucement. Il l'a écrit. Ça me régale. Les aliens sont venus. On va leur montrer de quel point on se chauffe. Independence Day. C'est le 4 juillet. Pour l'Amérique. L'Amérique. Attention. Pire chronique de l'année. Norman Genius. Son nom. Son nom est. Olivier Rofelos. Yes. Saumon frétillant. Yes.
un jeu inoubliable, un jeu où je me suis fait chier, un jeu que j'ai pas pu voir en rediff et qui a cassé la tête à tout le monde. Non, Pépé, il a adoré. Pépé Garcia, qui est dans le chat, on a toujours fait de gros bisous. Pépé qu'on embrasse. Son nom est Zoltan pour sa chronique manette, la pire chronique jamais faite sur une TV. Une chronique absolument sans aucun sens, sans intérêt, avec des manettes qu'on avait vues depuis des années. Il était venu avec des tu sais, les trucs de Nintendo Switch en disant regardez ces manettes. Je peux vous dire, Norman, il a pas beaucoup de chroniques travaillées. Mais alors les manettes, vous n'allez pas les manettes, ça m'a fait tellement mal que je me suis dit, mais sur les Warcraft, il est incroyable. Oui, c'est vrai. Son nom est K.O. pour sa première chronique voyage qui était absolument à chier. Ah bah, je suis désolé, mon vélo. J'espère que je serai... Elle nous a fait des PowerPoint avec là c'est en Grèce, là c'est machin, je me suis emmerdé, mais d'une force. Et c'était la première fois en plus que je faisais des montages vidéo. C'est vrai, excuse-moi. Oh, je te sors de la catégorie. Je crois que c'est une des rares fois, c'est une des rares fois où j'ai préféré partir moi-même en voyage. Ouais, c'est ça. C'est vous exactement. Dire. Et son nom est Genus pour toutes ces chroniques de l'année. Yes. Il y a un favori qui se dégage quand même. Ah oui, les amis, ça a été très difficile, le vôtre entre Maître Galibert et Maître Huissier de Justax. Le grand vainqueur à 51,2% de cette chronique pour la pire chronique de l'année est... Zoltan. C'est tellement pas bossé. C'est quoi cette chronique? Je la mettrais dedans. C'est le mec qui part comme ça chez lui, il fait ouais. Attends, je vais prendre ça. Attends, je vais prendre ça. Je le mets. Continue, le ballon. Je le vois, tu sais, je vois sa tête, il est en train d'improviser, il sait pas qui va gagner, il est là. Quand t'allais jusqu'au bout. Par contre, ça fait quand même deux fois que tu dis quelqu'un qui est pas sur le plateau, ça va. Ouais, grave. Ouais. Mais c'est normal, c'est pour les, ceux qui sont pas sur le plateau, les rendre hommage aussi. Bah oui, je pense. Ils viendront après. Mais leur hommage, c'est comme s'ils venaient pas du tout. Voilà, et 51%, tu sais qui était 49? Non. C'était KO, non, j'ai quand même. Non, c'était moi. Il y a eu zéro vote. C'est vrai. Généralement, quand ils sont pas là, on a une petite incrustation. Non, c'est ça, incrustation en blanc. On remercie l'audio. C'est ça, l'audio. Je ne suis pas être présent. Zoltan, bah, Zoltan, t'as gagné, il me fait un doigt d'honneur. Zoltan, bravo, t'as un trophée. Dernière catégorie musique, incroyable des Oscars. Oula. De musique de ce... T'inquiète pas, Pierre, il est toujours... Est-ce qu'il t'a lâché une seule fois, Pierre, en une seule Les aliens sont venus chez nous. C'est le moment de montrer le président des États-Unis. Dépendance Day, quoi. Dépendance Day. Mais ça fait un moment, il fait vraiment ça. On a l'air que c'est une causerie très gênante. Ouais, c'est très gênant. Mais bon, Dépendance Day, on peut craquer. La catégorie meilleur animateur chroniqueur de l'émission de l'année. Oula. Oh, Julie, c'est retourné, genre. C'est moi qu'on parle. C'est moi qu'on parle, ouais. Son nom, c'est marrant, Genius. Ça va être Genius. Norman Genius. Voilà. Genius Norman. Genius. Le petit-fils de Philippe Chaffrier. Et les résultats. Applaudissements pour celui qui n'avait pas le froid aux yeux, qui l'a quand même fait, carrière tout le monde. Applaudissements pour Norman Genius. Ouais, ouais. Oh là là. Là, en fait, il a créé la catégorie, il s'est mis dedans, il s'est auto-cité. Là, bon, là, en venir. Fait, j'ai vraiment voulu mettre les autres venir. Et j'ai pas eu le courage. Je me suis dit, voilà, c'est mon Jenny Watts. C'était moins bien travaillé que la première fois, et déjà la première fois, c'était pas fou. Moi, c'était rigolo. Moi, c'était très bien. Moi, c'est pourquoi le talent d'écriture et d'improvisation, surtout. Bravo, Norman. Vous savez pourquoi j'ai pas fait... C'est pourquoi j'en ai pas fait une sérieuse. Parce que tout le monde est au même niveau pour moi. Excuse, oui, sans, on la connaît, Chaffrier. Pas moi. Tout le monde est au même niveau. Ta gueule, ta gueule. Non, parce que je peux pas me permettre de dire qui est le meilleur animateur ou pas, ou le meilleur chronique, parce que franchement, tout le monde était excellent et je peux pas faire ça. Est-ce qu'on applaudit Norman pour cette chronique? On l'applaudit. Attends, je me remets sur le chat pour savoir ce qu'il pense quand même, les gens. L'escroc, le meilleur tout court à Jules. Pourquoi tu lui donnes pas? T'es le meilleur escroc, Norman. Norman qui s'est enlevé des côtes comme Marilyn. Bon, ça, c'est tout le monde est excellent. C'est ça. Belle référence. Oui, alors tu le sais, on a reçu des invités cette saison, des invités parfois prestigieux, parfois moins prestigieux, des amis, des gens. Qui va la chute? On veut des noms. On veut des noms. Commence par un T, ça finit par homme. J'ai rien contre lui. J'adore ce mec-là. Non. C'est pas Tom Tom. Rien à voir avec Tom Tom. Non, je sais qui te va dire. Je vais dire. Non. Je vais pas dire. Mais c'est gratuit, ce que je dis. C'est horrible. J'y suis pas encore. Vous savez, Michael du Desert Bus. Oui. Ah oui. Bah ouais. Mais t'es un salopard. Je croyais que c'était hier qu'on tirait par le réel. En fait, aujourd'hui, c'est ça.
Je me faites pas dire, vous êtes des bâtards, vous devriez me soutenir. Vous m'aviez tous engueulé ce jour-là parce que c'était lui l'invité, je m'en souviens. On trouve que tous les invités étaient exceptionnels, n'est-ce pas, non? Bah, en fait, je croyais qu'il y avait quelqu'un de la maison, donc j'aurais pu vanner, mais là, ça m'a choqué. Non, bon, très bien, j'ai compris. Non, mais on est tous pas. Mais c'était pas. Non, mais je sais, on rigole. Joueur du grenier, machin. Bon, bref, de Mika Newton, c'est Mika Newton son prénom. Newton. Mais en plus, je sais, on a parlé et tout. Ouais, je sais, mais j'adore. Que j'embrasse d'ailleurs, franchement. Il reviendra l'année prochaine pour parler du Deezer Plus. Le chat est outré. Hein. Le chat est. Alors, après cet extrait, reviendra. Mais vous êtes des bâtards. Des gens se désabonnent. Le filet de sécurité, merde. Ouais, je suis à deux doigts de me lever et quitter le plateau. Ouais, bon, c'est pourquoi. Tu, personne, tu sais pourquoi? Parce qu'il a la place de Xari, il se doit d'être méchant. C'est vrai, c'est vrai. C'est Pierre Indien, c'est Pierre Indien, tu vois, ça rentre. Mais grave. C'est Pierre Indien. Du coup, c'est le siège. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, c'est toi qui rigole comme une porte qui grince. Ouais, une porte qui grince, un ballon qui se dégonfle. C'est incroyable. On a découvert ce rire hier. Ouais, ça fait 200 émissions que t'arrives à le cacher. C'est mon rire de quand je rigole de bon cœur et surtout quand je suis fatigué, j'arrive pas. Au départ, j'ai cru que j'avais des acouphènes. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Pépé. Quel est ce squatteur de licence, Norman? On a eu des invités prestigieux toute la saison, mon Norman, et il y a un invité qui voulait nous laisser un message. Je vous laisse regarder, invité surprise, mon Norman, regarde ça. Alors, j'ai hâte. Les amis, les amis de la team de la grasse mat du matin, je sais même plus comment il faut vous appeler, les mecs, vous vous déclinez en plein de sortes, je comprends plus rien moi. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je vous kiffe, sachez-le. Apparemment, c'est la dernière, c'est le petit Jules qui me l'a dit, le petit Jules qui a quand même bien grandi, hein. Je pense qu'il faut arrêter de dire le petit Jules. En tout cas, je voulais vous souhaiter une très très bonne dernière. J'espère que vous vous êtes bien amusés tout au long de cette saison et que vous allez bien vous reposer aussi parce qu'on a besoin de bien se réveiller le matin. Donc voilà, revenez avec les forces qu'il faut. Là, je suis en train d'aller en stream, donc bon, je fais pas le mec qui va vous baser. voilà, je vous fais ça vraiment avec le cœur et merci en tout cas encore une fois pour les invitations. J'ai vraiment apprécié mon moment quand je suis venu chez vous. Salut les amis, bisous bisous. Le frérot Braque. Moi, je vous dis à chaque fois, je dis souvent, ouais, j'aime ci, j'aime ça, mais ça. Bon, j'aime beaucoup de gens. Mais Braque, c'est une des personnes pour qui j'ai plus, franchement, de tendresse, j'ai le plus d'amour. Ce mec-là, c'est un des mecs les plus généreux, les plus sympathiques qu'on peut rencontrer. Franchement, il me régale. Merci mon Braque, hein, et tu reviens quand tu veux. Alors. Je parlais de révélation, mais pour moi, en termes d'animation, Braque, c'est une révélation. Ouais, franchement, une révélation. Fabuleux. Il y a le duo, évidemment, Bruce Granek, oui. Braque, c'est Braque, l'animateur, il est fabuleux. Il est vraiment fort. Braque sur Bein, il est extraordinaire. Il est excellent. Il commente parfois même mieux que certains vrais animateurs. Et j'ai envie de dire, je pense qu'il pourrait commenter autre chose que du sport. Ouais, Braque, mais une année, il avait hosté les LC, pas les LCS, tu te rappelles la deuxième, le Change France. Il s'était occupé de hoster le Change France. Il était trop fort alors que League of Legends, il connaît rien. Vraiment, il a super. Non, il a tout. Il est bon. Il a le côté hyper sympathique et c'est un mec. Franchement, je smile. Oui. C'est qui? Non, c'est pas vrai. Vraiment? Ah oui, peut-être que t'es pas au courant. Si, on l'avait reçu et tout, enfin, y a pas de problème. Ouais. C'est mon côté. C'est ton côté, ouais. Non, mais il a raison. Qui me tire? Bah, peut-être. Je te jure, j'étais en mode genre, mais frère, on en a parlé hier de Braque. Pour ceux qui connaissent pas, parce que peut-être tout le monde le connaît pas, il y a Bruce et Braque, c'est les spécialistes FIFA, les plus gros spécialistes français de FIFA, et Carsen, donc voilà, et des amours de mecs, pour citer. Monsieur Anne. Ah, c'est les patrons. Hein. Ah, c'est les patrons absolus. Elle a fait plaisir cette vidéo, putain, merde. Mais je vous dis. Alors là, les amis, il y a des messages d'amour, évidemment. On va repasser un extrait de ce qui s'est passé cette année, avec un message qui n'était pas un message d'amour, parce que vous savez, des fois, on a appelé plein de gens dans l'émission, on a appelé. J'avais le téléphone à côté de moi, j'y allais, le forfait, il a explosé. Et à un moment, je me suis dit, tiens. Comme c'est un ami, Enalix, quelqu'un que j'adore et quelqu'un de gentil, je me suis dit, il ne peut être dans la vie avec quelqu'un que de sympathique. Oh mon Dieu. Je me suis fait envoyer dans le yonf, mais un truc. La femme de Enalix, elle m'a mis, Jean-Claude Van Damme, elle m'a mis l'empreinte comme ça, elle m'a mis le coup d'yep. Elle a été infecte. Mais ne spoil pas la chronique, ne spoil pas la chronique. Qui regarde. Hein. Elle est. Mais en même temps, j'ai mais en même temps. Mais là, elle est en BLS, ouais. En train de regarder. Vanessa, moi, je l'ai re-eu au téléphone depuis. Ouais. Ouais. Adorable avec moi. Hein. Je pense que c'est et le contexte toi. A bien évidemment été retenu. Oui. Mais voilà. Elle était migraineuse, elle s'est élevée tôt pour les enfants. Bon, on passe à la séquence. Non, mais explique-moi, on débrief après. Passe à la séquence. Oh, je sais. Ça va être. Appel. Oh là là. On va appeler quelqu'un dans ton répertoire si tu veux me donner ton téléphone GSM, comme on dit. D'accord. D'ailleurs, j'embrasse bien. Appel Vanessa. À Vanessa. Ah, j'espère qu'on va tomber sur Vanessa. J'embrasse toutes celles et ceux qui nous regardent à l'étranger, évidemment. Laura, Nanou. Chine. C'est bien. Nanou, c'est ta femme? C'est bien. Allez, c'est parti. Allô Allô, Vanessa?
Bonjour, je ne vous réveille pas. C'est normal, j'ai lu ça. Du lac. Oui. Bah, c'était pour faire un bisou. Je me réveille peut-être, je vous sens fatigué. Non, 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 non. Ah bon, bah voilà, bah écoutez. On est à l'école, donc non, je ne dors pas. Ah oui, non, c'est vrai, bien joué. Petite réflexion, passe. Non, mais écoutez, bah, c'était pour dire que vous avez un mari incroyable. Et puis voilà quoi. Donc, bon, bah, Vanessa, on vous embrasse, ouais, on vous embrasse. Des on bisous, vous embrasse. Des bisous, Vanessa, et puis bonne chance avec les petits, hein, évidemment. Une bonne chance avec la vie, voilà. Sinon. Vanessa? Oui, oui, je suis là. Bon, bah, bonne journée. Au revoir. Cette séquence. Chaleureuse, hein. Chaleureuse. Ah, c'est tendu, hein. Chaleureuse. Ah, c'est tendu. Je vous ai rien dit exprès, je peux vous dire. On est sur une personne. Chaleureuse dame. Je peux vous dire, on est sur une personne un peu sauvage. Eh, un peu. Eh, le cœur sur la main. Vraiment, avenante, alors, avenante, c'est le mot. Alors, faut savoir que cette séquence, je l'ai fait réécouter il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, ouais. Elle était pétée de rire en me disant. C'est vrai. Oh putain, j'étais vraiment comme ça. Ouais. Elle me dit, vous la rejouerez pas là. Donc là, c'est pas un truc. Non, non. Des bisous, Nanou. T'embrasse, Vanessa. Mais non, moi, ça m'a fait rire. Ce mur de béton. Non, mais... Ce mur de béton. T'es encore là, tu sais. Oui. Oui, oui, oui. 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 Répondez pas. Et sinon, on vous aime beaucoup. Oui, oui, je vais apporter jamais mes enfants à l'école. Bon, bah, je savais pas quoi dire. Ça t'avait marqué, hein. Ça t'avait marqué. J'étais pas bien. J'étais pas bien parce que tu sais, quand même, je suis très sympathique. Oui, c'est le matin. Tout le temps, n'importe quelle heure, je suis très sympathique. Et quand elle s'en a dit, je me dis, elle va être sympathique. Mais bon, tu sais quoi ? Faut pas juger sur l'impression. Elle est sympathique, elle était faite. Mais d'ailleurs, on l'avait rappelé une autre fois, je crois, où il y avait eu un truc. Apparemment. Non, ouais. Non c'était quand t'étais en confinement, je crois. Non, c'était mon fils. Et ton fils. Non, alors ton oui, fils. Ton fils avait aussi. Il avait dit, Norman, il est très sympa, mais il fait pas toujours des blagues toujours très drôles. Voilà, c'est ça. À la famille. Franchement, j'aurais dû dire, il est habitué avec son papa. Mais j'ai. Non, c'était une vanne. Pas toi. Non, pas moi. Dis donc. On me dit qu'il y a un petit conseil de room. C'est pas moi que tu dois regarder, c'est Laurent Fellos. Dis donc, voilà. Dis donc. On me dit qu'il y a un conseil de room. Apparemment, il a débriefé. Apparemment, il a des choses à dire, ce con-là. Tu veux le runner, là tu veux je découvre qu'effectivement, ouais. On va passer au conseil de classe. Voilà. C'est le conseil de classe. On va voir s'il a un peu plus travaillé que ta chronique. Je pense que c'est pas la première fois que t'as quelque chose à lire là. Ouais. C'est la première. Elle est jalouse que KO à chaque fois dans ses chroniques, elle a des pavés. Elle se dit, je suis le seul. Je suis la seule. C'est le conseil de classe d'un. Ouais. Wow. Qui s'appelle Cacahuète. Mais cacahuète. Non. Pirouette. Cacahuète. Je vois ça. Disclaimer, les propos suivants ne sont que le reflet de mes impressions personnelles. Ouf. Je ne veux en aucun cas être vexant. Tout est dit avec bienveillance et bien sûr. Parcimonie, toi tu l'avais. Le début de me plaît pas. Ouh là là. Contrairement à Danix, oui. Et sa femme, je préfère, tu vois, te prévenir. Ouais. Genius. Il est 11. C'est que j'ai diable la minute. Ok, très bien. C'est parti. Très bien. Il était le leader incontesté de cette émission. Il était. Ouais. Était. Était. Moins vrai en cette fin de saison, suite à la montée en puissance d'un autre animateur. Il donne le tempo. Il a brillé, il a brillé. Il donne le tempo à l'émission. Talent à l'état pur, il s'adapte à toutes les situations. Il n'est pas fait pour bosser en amont, c'est un mec de l'impro. Il n'a pas tort. Oui. Ça va aller, ça va bien se passer. Genre sur la musique. D'accord. Il travaille mieux sous la pression. Il faut pas trop le laisser en roue libre, car il a la couverture facile. C'est un vétéran et ça se voit. Il est très à l'aise devant la caméra. Il est le bruit blanc de l'émission. Oh. C'est quand il n'est pas là qu'on remarque le plus ce qu'il apporte à l'émission. Elle est belle. Elle est bien formée. Elle est en fait, elle est. Non, on peut. C'est positif. C'est positif. C'est positif. On peut le sous-estimer. Lui, par contre, ne se sous-estime pas. C'est bon. Et c'est vrai. C'est beau, c'est vrai. Non, c'est la confiance. Ça va jusqu'à là, ça va. Ça m'en fait. C'est mec, c'est bon. On passe maintenant à Maxime Chao. C'était tout. Mais c'est le meilleur, ma fasta. Maxime Chao. Avec Nadi. Attention, conseil de classe. Conseil de classe, non, c'est bien. Ça rigole, ça. C'est bien aussi de ne pas que s'auto-congratuler. Oui, mais de toute façon, non, il peut le faire lui-même. Donc. Bah, là-bas, je déteste de parler de moi. Je déteste ça. Ah ouais. Ah bon. Et t'es au courant depuis le début de la saison ou pas? Mais je me suis regardé, c'est vrai. Alors, Maxime Chao, si on embrasse, qui est dans le Morbihan. Ouais, tout à fait, exactement. On embrasse. C'est mon préféré. Oh. Je vais arrêter là parce que. Je vois pas cette lettre, n'a aucun sens. C'est mon préféré, il est le daron de l'émission. Oui. La force tranquille, la ménagère l'adore, le peuple l'adule, il est l'idole des jeunes. Les news de Max, c'est ma chronique préférée. ER, perdu. Pour un zoomer, comme moi qui n'a plus de télé, zoomer c'est l'inverse de boomer. De boomer, bien sûr. Être informé de ce qui se passe est indispensable. Mais c'est aussi sa rareté qui fait sa qualité.
C'est par les petites touches, ces petites interventions, qu'il brille. Oh là là, c'est vrai. Attention cependant à ne pas trop en mettre, au risque de trop diluer son impact sur l'émission. Je n'ai pas trop compris, mais ça devait être un compliqué. C'est compliqué cette phrase, non ? Compliqué, ça veut dire quoi ? Jules ! Bravo. La révélation de l'émission. Oh, là, donc c'était, voilà. Ça, bah, il était nommé, Il dit rien sur Annie Cadel, hein. From Bernardo to Zorro. Pas mal ça. Ah, oh, c'est pas mal. Je suis pas d'accord avec son analyse. Ouais. Bernardo, bon bah. Oui, ça rappelle, c'est évidemment l'escuyer de Zorro, évidemment. Ouais. Qui soit. Il est pas muet à la base. Il est sourd et muet, moi je suis juste sourd. Au début de la saison. C'est violent. Tu étais un homme de / dans l'ombre de Genius. Donc techniquement. Je te permets pas. Techniquement, il n'y a qu'une ombre ici. Je suis l'ombre de l'ombre de Kayane. C'est exactement. Donc techniquement, c'est dur. Kayane aussi. C'est dur. On voyait que tu faisais un boulot monstrueux en coulisses, mais que tu étais effacé / stressé devant la caméra, un peu trop bloqué sur le runner. C'est vrai. Au fil des émissions, on t'a vu progresser à vue d'œil, lâcher prise sur le runner, être de plus en plus à l'aise, si bien qu'à la fin, tu gérais la régie d'une main, de l'autre, tu gérais Tinder. Wink, wink. Un œil sur le runner, l'autre, on embrasse. L'autre sur le Tinder. Un œil sur le runner. C'est fini, hein, Tinder. L'autre qui surveillait. Elle regarde ma meuf actuellement. Oui, oui. Que... L'autre qui surveillait si Genius regardait trop son tel et une oreille sur ce qu'il se disait. Le tout en restant pertinent, drôle et à l'aise, un peu en sort des fois quand même. Le retour en plateau a confirmé ton niveau. Je serais curieux de revoir les premiers épisodes de la saison pour voir le contraste. Ton parcours dans cette saison, c'est un shonen. Tu es celui qui a le plus step-up devant la caméra. Je suis vraiment curieux de voir la suite de ta carrière, au-delà même de cette émission. Bravo à toi, vive Décathlon. J'avais oublié tous ces compliments. Mais la raison, c'est un truc, c'est qu'au début de la saison, j'étais un petit stressé quand même. Ouais, je pense que j'ai détendu un peu mon string. Oui, mais t'apprends à relâcher un peu plus. Tu fais ta confiance en avec les gens. Belle analyse, belle analyse. Olivier Ruffolos. Ça va ? Moi ? Ouais. Bah, c'est mon boulot aussi de donner, tu vois. Comme ça, tu. From Bernardo. Tu grimpes. From Bernardo, tu zéro. Prof, tu récupères la. Tu veux pas que quelqu'un te lise pour toi ? Là. Ok. Ah, il y a écrit détester, on peut s'arrêter là ? C'est vrai que c'est le cas de Ruffolos là. Okay. C'est mon conseil. Okay, d'accord. Olivier Ruffolos, le boomer que l'on adore détester. Oh. Il a mis du temps à trouver sa place. Ça, c'est dit. Oh, pardon. Oui, il y a quelques okay, oui. Il a mis du temps à trouver sa place dans la dynamique. Il est devenu l'antagoniste de l'émission. Depuis le Covid, il est monté en puissance doucement dans l'ombre, tel un seigneur Sith. C'est vrai. Ça. Bon, je vais être honnête. Il y a des jeux apéro meilleurs que d'autres. Oh. Never forget le gloup 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 truc. Il y a le truc poète poète machin. Jamais. Mais il a aussi de très bonnes surprises, bonnes chroniques, ludiques et intéressantes. Attention à ne pas devenir une parodie de soi-même. Attention à ça. Ouais, attention à ne pas devenir une parodie de soi-même en poussant trop le côté boomer et de prendre trop la confiance. C'est marrant, c'est très vrai. I am Michel de Bourgogne. C'est devenu c'est un peu... Qu'est-ce que je disais déjà Ah mais attendez il vient de le dire. Le pauvre Nanix pendant sa chronique, c'était pas cool. Parcimonie et bienveillance. La tête de Nanix. Je me suis excusé. Ouais, tu t'es excusé. Et ouais. Curieux de ne pas te revoir dans la saison 2. Succès. Bah, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est bon ça. C'est quoi ? J'ai signé là. C'est quoi ? Non, mais c'est parce qu'en fait. Garde la paix. C'est parce qu'en fait, tu l'as fait un tweet avec le livre là, Empty, et a dit le nombre de démissions d'Olivier Ruffolos l'année prochaine. Ouais. Mais non, ça va. Oui, c'est ça. Non, il est là, il sera là. Oui, non, mais t'inquiète pas, j'ai modifié. Tu seras pas là, tu seras pas là. Ah, on a quel. Ben, je te dis, on a besoin de. Curieux de le revoir pour la saison 2. Voilà. C'est quoi ça ? Ah, c'est quoi ça ? Et bah, pour la peine. KO, reine de la glisse. Oh là là. Très bon début de saison. Il a vu l'émission, lui. Attends, quoi ? Pardon. Elle a su s'adapter à la situation du Covid, due au Covid. Du Covid. Du Covid. Elle reste parfois un peu passive pendant les émissions à la maison. Elle est à l'aise devant la caméra. Attention aux glissades. C'est fou, c'est on dirait la direction qui écrit ça. Signé Alex Nassar, / quelqu'un. Francis, oh, Francis. Ah, elle est studieuse et ne manque pas de répondants. Dommage pour les ateliers de KO. Symbole, Samuel est triste. Oh. Hello, la team. C'est votre. Non, c'est bon, c'est fini. C'était fini. Bravo. Il n'y a pas Nanix, bien évidemment, parce qu'en fait, juste après, il a écrit « Bon, maintenant, je vais me coucher. » Très belles analyses, franchement. Pas mal, c'est hein. Quoi et c'est les cacahuètes qui nous ont envoyé. Cacahuètes, ouais, franchement, pirouettes de cacahuètes. Et c'est, franchement, c'est vrai. C'est assez vrai dans l'ensemble, franchement. Donc, je trouve que c'était très bien écrit. À deux, trois détails près sur certains entre vous. On lui parlait de ses égarements. Mec, il paraît que son préféré, c'est Maxime Thuram. Ça, c'est une autre histoire. Non, mais je pense qu'il a raison sur un truc. C'est que mardi, on a vu à quel point... Tu étais en forme en studio et tu étais un homme différent à la maison et en studio. J'étais en forme à la maison aussi. Ruffolos. C'est excellent. Un petit peu moins. En fait, oui, mais en fait, c'est pas parce que t'es légendaire dans un endroit.
Non, c'est vrai. Après, j'ai tout fait pour 3 heures essayer de vous divertir à chaque fois. C'est pas évident en caméra. En tout cas, merci Cacahuète, tu nous as régalé le conseil de classe. Ouais. Tout est vrai. Et c'est même très vrai. Hein. Même écoutez, Boomer qui pousse là. Ça, attention à ne pas être la caricature. Keonans, je vous dis à tout à l'heure. Évidemment, vous nous avez régalé de votre présence et de votre magie, de votre parcimonie. Et en attendant, on va lancer un extrait des collègues, feu collègues, oui, qui ont eu l'idée évidemment de lancer une matinale il y a quelques temps, mais qui se sont dit ah, finalement, c'est pas si facile que ça. Non, on se lève, qu'on embrasse, que j'aime beaucoup, McFay et Carlito. Évidemment. Il désamorce. Je désamorce. Ça veut dire qu'il leur manquait du talent, c'est ça? Il manquait beaucoup de choses. Ils avaient lancé ça le mercredi, donc tous les mercredis, ils avaient commencé une matinale après nous, pas en début d'année. Oh, c'est arrivé assez rapidement. Un mois et demi, on avait un concurrent le mercredi face à nous. Un concurrent de la maison. Un concurrent de la maison qui nous piquait notre régie quand même, si je peux nous me permettre. Nous piquait notre régie, nos idées, nos roues, beaucoup de choses. Mais non, voilà. Et du coup, vous avez piqué la guitare. Voilà. Vous allez voir que. Et du coup, on a envoyé évidemment l'homme le plus sans gêne de France, évidemment l'homme qui n'a plus rien à prouver et n'est plus rien à perdre non plus. Oui. Maxime Chao, et à côté de lui, l'homme un peu plus en retenue. Oui, juste beau, je me suis dit, les gars, allez-y. J'ai perdu mes couilles. Voilà, moi, parce que. Oui, c'est vrai, les couilles étaient restées dans le vestiaire. Non, non. Et moi, bon, comme je suis animateur et que je suis bien vu du 5e, autant rester là. Envoyer tes émissaires. Voilà, ceux qui ne risquent rien. Donc c'était le moment où Maxime Chao et Jules Thiébaud sont allés rendre visite à McFay Carlito en pleine émission. C'est parti l'extrait. Moment même, voilà, il y a des concurrents, des petits youtubeurs débutants qui s'appellent McFly et Carlito qui sont très sympathiques. J'ai décidé d'envoyer Maxime Chao et Jules avec l'affiche du matin. Les amis, alors soit vous y allez en mode on assume, on casse tout, soit vous allez en mode bonjour, on est Maxime. Je crois qu'on va venir en mode bonjour. Alors Maxime Chao. Moi je veux tout casser moi. Toi t'as des couilles, c'est pour ça que je t'ai fait. On va leur faire ça pour leur décor. Ouais. C'est genre, voilà, c'est sympa. C'est, Frérot, profite, fais la pub. Hein. D'ailleurs, offre-leur ça. Ouais. Les deux. On est chez Talent Web. Ça y est, ils sont là. J'ai peur pour les amis. C'est haut, mais c'est loin. S'ils se font prendre, je rappelle. Oui, je sais, mais en fait, on voulait justement leur dire bonjour. Allez, soyez sympa, vas-y. Maintenant, il a perdu. Pour le matin, en fait, au premier étage. Allez. On voulait dire bonjour à Carlito McFly. Allez. Ça va pas déranger. Un petit bonjour. Il est fort, Maxime. Elle a dit non, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Elle a dit vaut mieux pas y aller. Alors après, c'est notre responsable. C'est notre responsabilité. Bon, mais Maxime, il est là maintenant, il va pas laisser faire. Maxime, ciao. Allez, mec. Ah, ciao, ciao. J'aimerais pas être à leur place, on est en train d'assister en direct à deux licenciements, c'est tellement beau. Oh, il me régale. Oh la vache, il me régale. Ah, il frappe. Oh non, putain, on va se faire tuer, les mecs. On va se faire tuer. J'étais ravi d'avoir présenté ce matin, je suis ravi de faire ça avec vous. Vas-y, Max. Bonjour, bonjour. Nous, on a personne ce matin, mais c'est juste parce que vous êtes là. Voilà, c'est ça. Vous avez complètement cannibalisé toute l'émission. Mais effectivement, il y a des gens qui se lèvent avec nous, qui partent au travail, qui rencontrent nous. C'est magnifique. Donc, en fait, il y a des vagues. Mais vous êtes là tous les jours de la semaine. Tous les jours. Ne le faites pas le mercredi. Alors, on vient avec vous. Vous venez. Mais à partir de demain, on commence à 56. Ok, on commence à 54. Je vais faire maintenant.
Il se laisse pas faire, Julien. Ils sont hyper forts. Bravo, les mecs. Non, c'est hyper important. C'est hyper bien. Bon, on changera un peu les infos. On mettra Good Morning YouTube. Allez voir sur Twitter. On a fait le montage. On a récupéré votre. On a mis vos têtes à la place. Laissez les bosser, les gars. Laissez les bosser, là. Sur Twitch, il y a aussi Stamletto, je crois. Il y en a un peu d'autres. Non, mais il y en a un peu d'autres. On leur fait des vidéos. On vous envoie tous, tous les teams qui se réveillent le matin. On s'unit en force. Et d'ailleurs, on a un message qui donne la part de notre ingé son Pierre, que tu connais très bien, sur Pierre. Il a dit « Je t'emmerde ». Voilà, c'est ça. Il a dit « Tu lui fais un bisou ». En tout cas, les gars, merci beaucoup, franchement. Bisous sur le stream. Bravo, les gars, bravo. Franchement, merci, merci beaucoup. Des amours, des amours de mec. Allez, je vais voir, s'il vous plaît, revenez. Ouais, je vais. Il est très fort. Maxime, il est très fort. Il est viré, mais lui. Petite question. Il entend besoin de la guitare. Ouais, merde. Vous avez encore besoin de la guitare. On a un guitariste en bas qui voulait faire un petit morceau. Allez, mec. Merci, les gars. Ils volent même dans la tosse. Ouais, bien sûr. Tu sais quoi, on va faire un truc en live. Merci. Je suis content, ouais, super. Bon, les gars, ça s'est super bien passé, franchement. Bravo. Hey, dans le chat, mais il faut absolument te déchirer pour les gars. C'est des boss. Bravo, bravo. C'est des boss. C'est des boss. Et Maxime, Jules, ils ont assuré, franchement, on va les accueillir comme des rois. Ah. Et merci à McFly Carito d'avoir joué le jeu, franchement, c'est tellement, tellement, tellement sympa. Ça partait mal. Hein. Ou que ça partait mal. Ou que ça partait mal, à mon avis, je me suis dit, oh là là, ça sent la séquence mais de c'est gros. Sans... Il y a quelque chose qui va. Maxime, tiens, mais c'est pour ça que je l'aime, c'est l'homme le plus sans gêne de l'histoire de l'humanité. Tu peux prendre la guitare ? Lui, à côté de Napoléon, ce truc, rien à voir, c'est franchement. Il y a un message dans le chat là. Alors, c'est pas Maxime Chao, ouais. C'est des amis à nous, c'est les produits laitiers qui viennent de se resub pour le 5e mois et qui sont 5 mois avec vous déjà oh, avec putain. Un cœur. On embrasse. Évidemment. On voit, c'est Adrien et compagnie. Franchement, et encore bravo à Maxime Chao, mais il me régale. Quel sans gêne, quelle magie. Il arrive avec la guitare. Il a eu le trophée. Ouais, les amis, d'ailleurs, en parlant de Maxime Chao, il est en duplex avec nous. Juste en attendant, je tiens à applaudir et accueillir nos deux. Nous arrivons. Applaudissements pour Yuna et Yannick Agnel. Yuna Agnel, ça y a Y. Ça va, Yuyu? Ça va et toi? Comment va la joueuse de Valolo et de Call of? Ça va. Valolo et de Valolo. Bah ça va bien, écoute, hein, contente d'être ici. Ça faisait longtemps. Bah, la pauvre Yuna, elle est venue une fois. Je suis venue pour la première fois et là pour la dernière. Hein, ouais. C'est super. On a quand même deux invités spéciaux. On a un invité qui est passé chroniqueur et une chroniqueuse qui est venue moins de fois que les invités. Ouais. C'est parti. C'est fort. En plus, les gens, t'avais adoré, ouais, t'avais fait une chronique e-sport, tu m'avais régalé. Et d'un côté, non, la révélation de l'année, applaudissements. Alors, c'est pas la statuette. Je parie que tu n'écoutais même pas l'émission. Ouais, elle écoutait. T'as été élu révélation de l'année. Découvrir. Hein? T'as été élu révélation de l'année. Ah, franchement, ça fait plaisir. Sur ma vie, ça fait plaisir. Champion olympique. Ouais. Quand même. C'est vrai qu'il est le champion du monde olympique, mais le champion olympique. Il a entendu la marche. Je vais mettre ça sur le CV. Yannick Agnel est un nageur né en 1900 machin. Il a été élu révélation de l'année. Dans le matin, tu sais. Wikipédia. Attends. Ça sera le cas. Et on va la changer. On va changer. Il change la page. Merci en tout cas à vous d'être là, les amis. Vous nous régalez. Juste, je suis obligé d'enchaîner parce qu'on est en duplex. L'homme le plus sans gêne de l'histoire et celui qu'on adore. Maxime Chao est avec nous apparemment en direct du Morbihan. Maxime ! Oh ! Il y a le raisin qui pousse. Oh, tu me tues, putain ! Oui, voilà, t'es belle. Elle est belle, elle est belle. Et... Voilà, tranquillement. D'accord, tu me feras du bon vin hein, pour ce midi, d'accord ? Merci beaucoup. Hein. Bravo, Maxime, bravo. On rappelle, Maxime Chao avait dit, il adorait évidemment contempler les fruits. Mon Maxou, tu nous manques, comment ça va? Il fait beau cette histoire, n'aie pas peur de parler fort. Ouais, vous m'entendez bien ou pas déjà? C'était en régie. Nous en plateau, on t'entend, mais pas très bien. Ah, c'est bon, vas-y, top. C'est bon, ouais, magnifique. Comment il va? Alors? Eh ben, génial. Bah, je vais très bien, hein. Les vacances, c'est toujours super, hein, vous le savez. Regardez le ciel, comment il est bleu. Il n'y a pas un pet de nuages, c'est super cool. T'es pas dans le Morbihan, c'est en Bretagne là. T'es en Espagne. Pas... Attends. Non. Je suis sur l'île de Ré en fait. Je ne suis pas encore en Bretagne. T'es sur l'île de Ré. J'y serai dans une semaine en Bretagne. Non, pas l'île de Ré. L'île de Ré. L'île de. Si, je suis. Ouais, l'île de Ré. Faire un bisou à Lionel Jospin là. Absolument, absolument. Mais en fait.
Tu sais, Norman nous a toujours raconté plein d'histoires, comme quoi il rencontrait des gens, il a fait du cheval avec la fille de Bruce Springsteen. Tu vois, un petit peu, d'avoir un peu ce côté un peu fame. Et je sais que sur l'île de Ré, il y a beaucoup de personnalités qui ont une maison secondaire ici. Vous avez parlé de Lionel Jospin, évidemment, donc je suis un peu en train de chercher ça. Mais il n'y a pas que lui, en fait. Vous savez qu'il y a aussi Orlando Bloom. Mais non, ben, sérieux souvent. T'as pas d'interview, ouais, tu peux te choper en interview. Écoute, là, tu vois, je suis en train de, j'ai quitté les vignes, là, je suis en train de marcher dans les ruelles. Si je trouve quelqu'un, je lui demande justement s'il connaît pas la maison d'Orlando Bloom. Il y a aussi Katy Perry qui vient souvent. Et puis après, t'as du Chantal Goya, t'as du tout ça, enfin, t'as tous des boomers, quoi. Mais Maxime, juste un petit mot. Déjà, t'es pas là, sache que tu nous manques évidemment énormément. Tu nous manques beaucoup, Maxime. Ouais. On est en train de passer les meilleurs moments. Vous manquez de ouf. Mais est-ce que de tête là, t'as un meilleur moment, un truc qui t'a marqué? On a passé ta piste de Coyote, ce qui nous a marqué nous, évidemment. Horriblement. Ah bah oui, bah la piste de Coyote, effectivement, ça a été un grand moment parce que je l'avais préparé depuis longtemps, je l'avais oublié dans mon sac, en plus, tu sais, c'était un flacon que j'avais oublié dans mon sac à dos, littéralement. Le moment où franchement, où je me suis le plus peut-être régalé, ça a été le coup avec Carlito et McFly que vous venez de diffuser, je pense que ça, c'était vraiment bon. Quelque chose d'assez fou. T'as été extraordinaire, Maxou, moi j'avais perdu mes couilles, toi t'as été extraordinaire. Mais vous savez, de toutes les manières, toute cette saison, alors évidemment, hors confinement, ça a été extraordinaire. Je crois que chaque émission en plateau était vraiment différente. On a su trouver nos marques, on a su trouver aussi, je pense, une formule qui était vraiment très pétillante. On est une équipe vraiment bien soudée. Et c'est vrai qu'en voyant tous ces extraits, on constate qu'effectivement, c'était une super belle saison et on a hâte de revoir une deuxième, quoi. Bah écoute, mon Max, vas-y. T'as pas une news à nous passer là? Ouais. Si, attendez, je vais demander. C'est un truc sur les Goonies. Direct sur Twitch à la télé. Je cherche la maison de Lionel Jospin. Est-ce que vous savez où est-ce qu'elle est? Non, pas du tout. Vous êtes pas là. Mais c'est lui, non? Il a pas pris un coup dans la gueule. Je vais peut-être demander à la dame là-bas, d'accord. Merci beaucoup. Vas-y, chante-nous Lionel Jospin et voir s'il va se réélire. Il va se représenter en 2000. Attendez, je vais demander. Bonjour madame, excusez-moi de vous importuner. Vous êtes en direct là sur la télé sur Twitch. Est-ce que vous savez où est-ce que je peux trouver la maison de Lionel Jospin? Vous savez où est-ce qu'elle est? Arx. Ah, elle est à Arx? Donc c'est plus dans le nord. Ah d'accord, bah écoutez, merci beaucoup, je vais prendre ma voiture. Il est là en ce moment? Là. Vous savez pas? Il m'a pas. Hein, d'accord. Il m'a pas dit. Et Orlando Bloom. Il est en centre-ville. Orlando Bloom. En face de la mairie, je crois. De la dernière mairie? Oui. D'accord, d'accord. Voilà, demande Katy Perry. Il est là. Demande Katy Perry. Il me tue. Intime de Lionel Jospin. Ah, vous n'êtes pas intime de Lionel Jospin. Et Katy Perry, vous connaissez Katy Perry? Allez. Ouais, merci Max. Maxime. Non, merci beaucoup. Tranquille. Un peu d'espoir. Ça a été trop pour toi, Max. Max, déjà, j'aimerais déjà te remercier pour cette année, te dire, tu sais, comme je te dis, franchement, c'était un plaisir de faire cette émission avec toi. Tu sais, moi, je t'ai connu dans Jeux Actu. Je me suis dit, il va être le mec sérieux, tout ça, machin. Et en fait, tu m'as régalé et tu nous as régalé. Profite bien de tes vacances, Merci. Franchement, et ramène-nous des petits raisins, des petits trucs, là. Ramène-nous du bon vin, quelque chose, là. Ah, c'est prévu. J'ai une petite bouteille de rosé d'olive dorée, là. Ça va être sympa. Voilà, putain, c'est un peu du sport pour Maxime. Ciao. Bravo, tu nous manques. Merci, tout le monde. On te fait des bisous. Merci. Ah, il est bon. La Maxime, il est bon. Après, il y a le choix entre demander où est Lionel Jospin et où est Katy Perry. Ouais. Mais je pense peut-être la dame connaît plus Lionel Jospin. Tu me sens, tu vois. Katy. Il est pas bon ce Maxime, Yannick là. Il est quand même extraordinaire. Il y a plus un qui peut faire ça. Bah oui. Toi, Yuna, il était là. Qu'est-ce que t'as pensé Maxime Thierry en émission? Bah, il est très gentil. Bon, plus qu'il manque. Yuna, il est très gentil. Elle nous a fait une carrière. Ouais, c'est bien. Ça va et toi? Ça va et toi, normal. Au plaisir de les voir ces cons-là. Ouais, ça fait plaisir. Ah, super, ouais. Et où, ça a twitché à gogo, lui. Il a fait quoi? Il a nagé pendant ce temps-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais rien du tout. Je sais. J'ai contemplé la vie. Il a contemplé la vie. En fait, il a dit qu'il ne nage plus et il a bien. T'as gagné assez de médailles, ça suffit. Les amis, apparemment, il y a une vidéo d'invité. Exactement, comme tu sais, on a eu des invités et même on a eu pas mal d'invités cette saison. On a eu du Donald Reynoux, on a eu du Bruce Granek, on a eu du Max Hildan, on a eu du Jiraya, on a eu du. Peut-être pas tous les pertes, on a eu. Etc. Mais on a aussi un parrain dans l'émission. Est-ce que tu sais qui est le parrain de l'émission? Non, c'est pas Luthi. Cyprien? Non. Tu sais, mec, il sort. C'est une personne qu'on entend tous les jours. En quatre lettres. Ah, Padge. Ouais. Je fais dire Squeezie. Je tenais à te passer un coup à sa façon. Ça reste Padge, on le rappelle, comédien et tout. C'est un peu old school. Un ami, grand comédien. Allez, on se mate ça. Bonjour.
tous, je me présente Pierre-Alain de Garrigue-Dipé-ADG. Je suis venu aujourd'hui pour témoigner. J'ai vu les débuts du stream le 12 juin 1923 à 10h57. En ce temps-là, Norman et Genius venaient de terminer le deuxième étage de la Tour Eiffel et Jules Thieb faisait de la contrebande de topinambour avec les Prussiens. La première émission fut consacrée à l'intégration d'un petit nouveau, Maxime Tchao, qui en ce temps-là était ministre des informations radiophoniques de la lointaine Cochinchine. Ma mémoire ne me permet pas de me rappeler de tous les collaborateurs qui depuis parsèment l'émission, mais je viens ici encore une fois témoigner de l'excellence de cet amusement pour les masses laborieuses. Je terminerai par ce fameux proverbe « Qui se la joue, qui se la frime, ne reviendra jamais dans le stream ». Qui se la joue, qui se la frime, ne reviendra jamais dans le stream. Qui se la joue, qui se la frime, ne reviendra jamais dans le stream. Putain, hey. Il est bon. Hey, il est bon. Hein. Il est quel bon. Comédien, rappel, viens pas de grand comédien, grand acteur, grand doubleur. Et oh, plein de. Dans oh là là. Bizarre, c'était l'aubergiste à une époque. Padge, ah, ça régale. Franchement, et c'était aussi la voix off de tous nos jingles cette année. La voix de presse. Tous nos jingles, il nous a fait ça pour quoi 15 000 euros TTC cette année. Franchement, même pas. Il nous a fait surtout ça gratuitement. Ouais, et, ouais. Et on l'embrasse. Allez vous abonner à la chaîne Twitch, à la chaîne Twitch et YouTube de Padge. De Padge, franchement, il régale. Padge que j'aime beaucoup, que j'avais rencontré, j'avais dit sur Canal Plus. On peut dire une OP, je l'ai rencontré sur Canal+, que lui bossait en bas, et je l'avais invité du coup dans l'émission, et on a sympathisé, franchement c'est quelqu'un, grand respect pour sa carrière, et franchement, comme tu dis, il est venu souvent, il reviendra l'année prochaine évidemment, avec grand plaisir. Dis donc. J'ai une question pour Yuna, mon Norman. Youyoux. Ouais, Youyoux. Oui. Est-ce que tu te rappelles de comment Norman t'avait mis à l'aise lors de ta première émission avec nous? Oh oui, bah il a fait ça pendant toute l'émission, donc. J'ai fait moi. Moi, un petit peu tendu. Ça a été là pour. Ah ben je suis toujours là pour mettre à l'aise. Moi, c'est ma devise. Je ne fais jamais une émission. Je veux que tout le monde soit à l'aise. Moi, je vous pose juste une question. Imaginez, les amis, vous rejoignez un groupe d'amis qui se connaissent depuis bientôt 6 mois. Vous ne savez rien de ces gens-là. Vous, par contre, vous êtes quand même une superbe chroniqueuse, vous passez un bon moment avec nous. Mais imaginez qu'on vous accueille comme ça. C'est Norman Genius qui sait mettre à l'aise ses chroniqueurs. Putain, merde. Bon, sauf si t'insistes. Ah, il a besoin de ça. Norman, en fait. Je trouve que t'es excellent, mieux que Maxime. T'es le meilleur, Norman. Oh, mais évidemment, la question ne se pose même pas. Yuna. Avec ses petits yeux. Elle est sur Twitch comme ça. On s'est rencontrés sur PUBG. Elle se fait voler. Voler son petit scooter. Tu vois, même quand t'es fatigué, t'es le meilleur. Ouais, quand tu fais le crabe. Le crabe, le bon maître. Le Yuna. Ça mélange bon maître et crabe. Putain, qu'on embrasse le bon maître. C'est longtemps que je préfère un bon maître. Vas-y, refais. Tu peux le faire aussi. Un bon maître. Un petit bon maître. Ah, yeah, bon. Régale le chat, vas-y. Par de là-bas. On a Zoltan qui est fan de Warcraft, évidemment. Une fois, il s'est pété le dos, donc il faisait un peu le bossu. Et comme il joue à Warcraft, j'ai mélangé l'orc et l'homme qui a Zoltan. L'orc qui a Zoltan, tu vois. Et Quasimodo un peu. Mec, tu nous mets un truc, c'est ah, ça le fait, moi. Vas-y, tu arrives. On dirait c'est du trio un peu, non? C'est Gypsy. On dirait les frères, là, quoi, des La Vega. Ouais. J'ai pas le ticket de métro. C'est rappel. Auberge, je crois. C'est pas le bossu de Notre-Dame, ça? Bonsoir. C'est bien ce que je pensais, c'est l'auberge. Bonsoir. Aujourd'hui, présentation de Yuna. Yuna, c'est de PUBG. Elle est florissante comme un bouquet de fleurs. J'ai été bien accueilli, hein, tu vois. Ah, est-ce c'était... que tu t'es pas dit, il est un peu chelou quand même. Je suis désolé. Non, parce que en fait, t'avais déjà regardé les émissions avant. Oui, j'avais déjà regardé, mais il est gentil aussi, comme c'est Maxime. C'est Yuna. Yuna, elle s'est fait voler. À côté, elle est sidérée. Tu sais, Yuna, tu sens, elle est comme ça tout le truc. Yuna. Je me rappelais plus du tout. On s'est rencontrés. C'est pas grave, hein, c'est sur PUBG. C'est vrai. Là, j'ai rencontré Ponce et Yuna et elle s'était fait voler le scooter par moment. Ouais. Je leur dis encore. Là, merci de le rappeler tous les jours. Tout le temps quand on se voit, il me le rappelle. Comment tu vas? Le scooter que t'as pas eu, il va bien. Ça, merci beaucoup, normalement. C'est vrai. Norman, on l'a vu, t'as fait le bon maître ici, mais c'est tu voulais aussi revoir cet extrait, c'est toi qui l'as choisi cet extrait-là. Oui, tout à fait. C'est une imitation, on reste dans le même domaine, le domaine du bon maître. Je peux me permettre, c'était à la bonne époque où il y avait
une émission, une introduction. Voilà. Extrêmement bien travaillé de Norman Jennings. Ah bah chaque matin, je devinais qu'est-ce que j'allais faire pendant. J'ai tenu 5 mois. 5 mois tous les matins, une introduction différente. Il y en a eu beaucoup. Franchement, c'était beau. C'est pas mal, c'était pas mal. Sur la fin, peut-être un petit peu léger. Bah au bout de 5 mois, je commençais à perdre l'idée. Il faut avec Jules, on cherchait à chaque fois les trucs. On a utilisé, je crois, tous les objets possibles. Voilà. On va voir. Il y a pas mal. Elle est belle. Elle est belle. Celle-là, elle est belle. Mon bon mec, mon bon mec. Aujourd'hui, mon bon mec, Roferus, le jeu Péro, mon bon mec, il va nous régaler. Le Zoltan est là, Zoltan, mon maître, la pièce de mon Zoltan. Zoltan qui nous parle des cadeaux de Noël. Il va nous régaler les bons plans pour Noël, Zoltan. Ensuite, Maxime Chao, le bon maître. Il est là, mais il est là, Maxime Chao. Et Dina, mon maître, elle va danser comme ça, elle va danser. On l'embrasse, Dieu que c'est beau, il est pas là, on va se régaler. Mon maître, le matin c'est pas stylé, mon bon maître. Tu l'as vu chercher tout ça. Je l'ai pas vu jusqu'au bout. Imagine, là. Imagine, il est 6h59 du matin, tu allumes Twitch et tu tombes sur ça. Le bon maître. En plus, on fait ça à Zoltan, évidemment, c'est caricaturé. Hein. J'extrapole le physique. Là. Parce qu'évidemment, le bon maître, c'est évidemment l'orc un petit peu comme ça. Et Zoltan, c'est le début de la saison, il était un peu bossu. Il s'était cassé le dos, il était comme ça. Et du coup, j'ai associé les deux. You, je l'ai regardé. Il n'y a pas eu de perso You. Je regarde You, elle est comme ça. C'est génial, elle est en mode. Je te juge un peu. Je te juge un peu là. Ouais, non, mais t'as bien raison. Mais j'en suis fier, c'est ce personnage. Yannick, le bon maître. J'adore. Mais j'ai une pensée pour les mecs qui sont pas français. Oui. Et qui arrivent sur ce stream-là et qui se disent eh, les français, c'est vraiment. C'est particulier, quand même. Ils ont une matinale incroyable. Franchement, ça me régale. Dis donc, on a eu l'émotion tout à l'heure. Ouais. Moi, je reveux de l'émotion encore une fois. Apparemment, avec une autre lettre d'un autre viewer qui s'appelle, attention, Diniel, Jérôme Diniel. C'est, oui, effectivement. Pas Diniel. Et Niel. Attention, séquence émotion. Oh putain. Hello la team. Ah, du coup, c'est bien, vous avez chacun l'idée. T'as vu, on a travaillé un peu. Non, c'est trop beau. C'est très beau. Hello la team. C'est votre loyal viewer et fils adopté de Genius depuis SOS Viewer. Je pense que tu te rappelles pas. Mais... Si, de Dina, si, bien sûr. Daniel ou Trudux ou Diniel. Oui, j'ai du mal à me fixer. Un seul pseudo. Mais fixer quoi ? Du continent interdit, l'Australie. Mais oui ! Le nope, c'est le truc que tu veux. Ah oui. Déjà, moi j'aime pas voyager, mais l'Australie, mais même moi, est-ce qu'il n'y a pas de miroir ? Trop loin. Mais je me rappelle très bien quand on avait parlé d'Australie, je me rappelle très bien. Ceci est un message de remerciement pour toute l'équipe du matin. Et avant de passer au remerciement, j'aimerais d'abord vous défoncer. J'aimerais d'abord défendre mon pays. Dans quelques émissions, l'Australie a été mentionnée comme un pays monstrueux avec des araignées mutantes se promenant au plein milieu de la ville. C'est faux. Faisant leurs courses. Je vais prendre un peu de choc à pique. Elle voit les grosses chauves-souris. Ouais. Salut. T'attends le bus. Attends, Yuna, Yannick, Australie. T'es déjà allé pour nager bon. Jamais. Tu sais que la natation, c'est le sport phare de l'Australie. Bah oui. Ah oui. Michael, ouais. Michael Torps, non. Ah oui, Yann Torps, c'est ça. Michael Phelps, je vais manger que toi. Pardon, vas-y. C'est faux. Cela fait 5 ans que j'y vis en ville et je n'ai jamais croisé d'araignée mutante ou autre. Mais il est en ville. Oui, il est en ville. D'abord, va pas à la frontière, mec. Voilà. Ok. Certes, il y en a, mais c'est majoritairement en forêt ou endroit isolé. Je croise peut-être des kangourous, Shredded, la T-Bone Shape en combattant quoi contre des koalas mutants à 6 bras en gare du Nord, mais bon, c'est normal en Australie. C'est dédicace à Shredded, là, une vidéo de T-Bone Shape. Ouais, bon. Donc ne vous inquiétez pas, les arachnophobes du matin, n'hésitez pas à venir un jour à Sydney, je serai votre guide. Ça donne envie d'y aller ? Oh, ça donne envie. C'est un peu cher. Pas du tout. C'est un peu Covid. 24 heures de vol, merci. Fin de la parenthèse. Voici mon message de remerciement. Allez. Oh. Merci d'avoir été présent tout ce temps. Vous aviez vraiment fait mon année 2019 qui aurait été ennuyante sans votre émission quotidienne. Oh. Non. Horaire parfaite pour moi. Animateur excellent et des fous rires qui surgissent à tout moment. Regarde-le. Il a le petit. Regardez-moi. Il vient de faire. Refais-le, ça dit animateur excellent. Il a fait comme ça, il fait. Non, je me suis mis un truc. Ouais, c'est bon. Ça, je te connais. Mais bon, c'est pas ça. Ce qui est clair, c'est que la direction regarde. Le matin, qui a aussi propulsé des talents amateurs, qui se sont vraiment améliorés au fur et à mesure des émissions. Tels que Kyria, Rof, K.O. Évidemment, tous les autres, ils les citent pas, mais je vous mets dedans. Surtout K.O. Comment ça ? Surtout K.O. Qui n'avait rien à voir entre sa première apparition, qui, désolé K.O., m'avait pas du tout convaincu. Mais, au fur et à mesure, elle s'est améliorée pour devenir ma chroniqueuse préférée du matin, après Norman. En fait, c'est ma chroniqueuse préférée, mais chut,
On va avec c'est normal. Oh, c'est coquin. Le talent, là je cite. Le talent, ça s'épanouit. L'instinct, ça se perfectionne. Ma citation préférée qui définit très bien l'évolution de Chaos. Je comprends pas. Merci à Jules d'avoir organisé des 1v1 extraordinaires et qui est mon exemple à ne pas suivre concernant l'alcool. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Ouais, bah, le sol de Yannick s'en souvient. Ouais, non, je vois pas du tout. C'est un verre, toi, hein, toujours. Merci à Maxime Chao de m'avoir mis au courant des dernières news et de me rappeler chaque jour que manger, c'est la vie. Voilà. Merci à Kyria de me faire sourire avec sa positivité. Tu es un peu le Zoulou du matin. C'est vrai. Oui, c'est un compliment. Et merci de m'avoir appris à préparer des smoothies en béton pour étouffer mes amis. Oh. Merci à Rof. Il n'y a pas de Zef. Je t'en veux pas. De m'avoir fait découvrir autant de jeux de société qui ont ruiné mon portefeuille et de m'avoir appris que même en étant un déchet humain qui ne cuisine pas, qui ne sort pas et qui n'apprécie rien, on peut quand même être aimé. Je rigole bien sûr, ou pas, t'es un boss, cœur. Je sais pas trop comment je... Merci à Dibou, le beau gosse, pour ses chroniques beauté hyper instructives slash intéressantes et de me faire changer de bord à chaque fois que je le vois. Et là, il y a D-Wink. Yeah. Bon. Ouais. Hey, Adi et Daniel. Merci à Vince d'être juste un boss en fait et d'être la preuve que les chauffeurs Uber ne sont pas sans talent. Merci à Kao de juste être là. Encore merci à Kao, ça va. Merci de juste être là en fait. Rien que de savoir que tu seras présent sur le matin éblouit ma journée et me fait fendre le cœur. Mais ouais, ouais. Dis donc. Ouais, attends, ouais, il est sur Adi ou il est sur ouais, Kao? Je sais pas. Il a pas un petit billet en première place là, pour Kao. Et pour tous les animateurs que je n'ai pas cités. Ben, fallait être là plus souvent. C'est chaud. Ok, c'est bientôt fini. Et bien sûr, le meilleur pour la fin. La personne sans qui cette émission n'existerait pas. Merci, Norman Genius, alias Papa, d'être l'animateur star et d'éblouir mes journées de son humour et son talent. Et pour finir, Jules pose souvent cette question de qui tu sauverais dans un immeuble en feu entre deux personnes. Pour ma part, si Norman et KO, mais de chou de l'émission, étaient dans un immeuble en feu, qui sauverais-je? Si possible, essaye de faire deviner aux personnes présentes quelle serait ma réponse avant de lire la suite. J'ai cru comprendre qui saurait KO. Moi aussi, je pense qu'il saurait KO. C'est bon, c'est son partenaire KO. Non, c'est pas KO, c'est pas Norman. Ah, toi, tu t'es spoilé. Ma réponse serait, ces deux choix ne me conviennent pas, donc je créerai une troisième voie où je sauverai Norman et KO. Et si on me dit que je n'ai pas le choix et que je dois en choisir qu'un, je répondrai, on a toujours le choix. Cela conclut ma dissertation. Je vous remercie tous, profond de mon cœur. Bonnes vacances et longue vie. Au matin. Oh, bravo. Vous, c'était mignon. Ah, ça commence. C'est vrai qu'il a des yeux qui brillent. Ouais, t'as vu, là, j'attends que ça, dis donc, 11h45, faut se manier. Si vous voulez pleurer, dis donc, j'ai cru qu'il allait dire si j'ai pas le choix, je laisse les deux brûler. Oui, pareil. Il y a dit qu'il s'est dit pareil. C'est beau ce qu'il dit. C'est beau. Ouais. Mais est-ce qu'il a cité les araignées, mais il n'y a pas que ça dans le pays. Les araignées, les méduses, les requins, les serpents, les trucs qui volent, les machins. Non, non, et puis les 24 heures d'avion. Mais on dit évidemment, on rigole, l'Australie, c'est un très beau pays. Et évidemment, il nous régale comme il se doit, bien sûr, Daniel. Tu vis dans un instant dans la mer, c'est mon Oscar. Tu m'as fait penser à ça. C'est pas de générique. Ouais. Je savais pas. On embrasse Bob Éponge et Patrick. Et toi, je vais remercier ma Yuyu et mon Yannick évidemment d'avoir été là parce qu'ils m'ont régalé. Yuna, dis donc, qu'est-ce que tu fais en ce moment? T'as des petits projets pour septembre? Des trucs cachés? Non, j'ai rien. Je... Si. Je veux que t'aies quelque chose. Mais non, mais j'ai rien. Tu peux rappeler les horaires de Twitch? Que tu Twitches beaucoup. Ah, mais je continuerai de Twitch à la rentrée. Sur quelle chaîne on peut te retrouver? Bah, Yuna. Yuna. Tout simplement. Tu viendras nous voir à la rentrée, que tu sois en tant qu'invité ou chroniqueuse. Bah, bien sûr. Ou n'importe quoi. Oui, bien oui, sûr. Parce que j'ai pas eu l'occasion de venir beaucoup. Ouais, c'est vrai. Effectivement. Ouais, mais ça, je te dis, les gens t'avaient adoré, t'avais marqué, t'as été super. Et d'ailleurs, si t'es là aujourd'hui et qu'on t'a invité, c'est aussi parce qu'on te kiffe. Bah ouais. Donc, tu sais, je vais te dire, vaut mieux une fois très bien que certains d'entre eux ici. J'allais dire. Un an. Et très médiocre. Toi, t'as été bien 100% de l'émission. Dans un ratio. On va voir Zoltan tout à l'heure. Latine, comment il y a du Cagnos là, qu'est-ce qu'il raconte? Mais écoute, cet été il se repose et septembre des petits projets? Ouais, beaucoup de projets, beaucoup. Bon là ça a mis un coup d'arrêt quand même pas mal parce que toutes les compétitions elles ont été repoussées à l'année prochaine. Ouais, bien sûr. Donc c'est un peu compliqué, mais ouais, écoute, pas mal de projets. Là je vends un scooter avec un pot ninja. Ah, ouais, vends la Gouda. J'en profite. Parce que là, elle a perdu pour le. Tu m'es PVG, tu es. Tu trouves toujours les pas bonnes en vraiment. Ça me rappelle, tu fais beaucoup de conférences, tu voyages et tout, beaucoup pas mal. C'est MCES là, c'est comment là?
Ouais, bah écoute, vu que l'e-sport, ça s'est pas du tout arrêté, ouais. Là, c'est plus le télésiège, là, c'est les œufs, c'est la totalité de la montagne. Il y a la LFL qui reprend. Dans un petit moment. Là, c'est la division 2 pour l'instant. Il y a beaucoup de LOL online, tout ça, etc., mais ça va reprendre, évidemment. Et l'année prochaine, tu viendras pour parler de ton titre de champion du monde à Shanghai. Allez. Je sais, je l'ai vu. les amis, merci encore. Oui. Il semblait que tu avais dit que tu régalais juste après l'émission. Oui. Eh bien, écoute, on est toujours là-dessus, mais il faut être là, il faut être dispo. Mais c'est pour toi, pour toi. Allez. C'est le truc que je veux savoir. Ça tombe bien que tu poses la question. Ouais. Non, je peux pas m'inviter parce que je sentais que pour Noël j'avais invité un Jap. Hier je rentre du Jap avec Norman et Rof et Norman fait bon demain c'est Yannick qui régale, on est d'accord. Rof lui dit bah je sais pas en vrai j'ai l'impression que c'est lui qui régale mais c'est pas très explicite et ils ont pas arrêté c'est de pas... théorie crafter sur le fait de... Est-ce que c'est au resto qu'on connaît ou est-ce que c'est à Levallois, est-ce qu'il faut prendre le bus, comment ça se passe? Non, c'est au resto qu'on connaît, c'est moi qui régale, c'est moi qui vous invite. Je vous l'avais promis en tout début de saison. Vous avez équipé ça et puis on va Je l'avais promis en tout début de saison, donc ça sera le cas. Ah, Yannick, il y avait une question pour toi. Tu te rappelles hier, c'était à 5h que tu as eu l'idée de la question, mais tu voulais savoir pourquoi il avait rejoint l'équipe? C'est vrai. En fait, c'est donc tu es le seul invité qu'on a finalement après eu en chroniqueur. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Est-ce que tu connaissais l'émission avant? J'ai envie de savoir en fait pourquoi tu as voulu rejoindre l'équipe, parce qu'il y en a plein qui ont adoré, qui sont venus ici, qui ont bien aimé l'émission. Je pense que la plupart des invités on les a régalés. Mais pourquoi aller jusque là, Yannick? Écoute, c'est une bonne question. Je connaissais absolument pas le matin avant, et je sais plus qui m'a envoyé. C'est toi, c'est Julius qui m'a envoyé un message, qui m'a proposé. Et en fait, on s'est tellement régalé que derrière, je sais pas, on est resté en contact. On a eu, pendant l'émission, on a eu un délire du style « tu veux pas revenir ?» Ouais. Et le soir même, vers 23h, je reçois un texto de Yannick qui dit « en vrai, gros, je suis chaud de revenir. » C'est quoi, Yannick? Je vais dire un petit peu comme t'es, ce que j'ai analysé. Mais c'est... T'es un mec. C'est quoi, c'est 72 euros ouais, c'est... Non, mais c'est un bon truc. Je pense qu'il y a Yannick Agnel, il est comme ça, il va pas me contredire. C'est quelqu'un, tu vois, qui a fait sa carrière, qui s'est longtemps privé de beaucoup de choses, qui a tout gagné. Aujourd'hui, il vit le jour le jour, il profite de tout ce qui arrive, et je pense que c'était une opportunité de faire quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai ou pas vrai? En fait, j'ai la chance d'avoir... Non, mais j'ai la chance d'avoir une vie... Il y a un autre champion de piscine dans le chat, il y a Zoulou dans le chat. Mon Zoulou, le frérot. Ouais, excuse-moi. En fait, j'ai la chance maintenant d'avoir terminé ma carrière et d'avoir l'opportunité de faire tout ce que je veux et des choses avec des gens que j'apprécie énormément et qui sortent de l'ordinaire, quoi. Donc on s'est super bien entendu dès le départ, c'est la famille, c'est voilà quoi. Bah non, c'est beau, mais en tout cas on est content, on est fiers de t'avoir mon Yannick, et encore une fois, applaudissements pour Yuna Yannick, franchement. Et bon, oh là là, et le gang des Y. Ah bah, et Zouzou qu'on embrasse évidemment, Zouzou, abonnement, chaîne Twitch, don, donnez tout pour Zouzou. Moi-même j'ai donné... Mais peut-être attendez que l'émission soit finie pour aller sur Oui, bien sûr, bien sûr. dis donc, il y a quelqu'un qui a maquillé quelqu'un. Quelqu'un qui a maquillé quelqu'un, c'est bien expliqué ça. Qui a pas maquillé quelqu'un, qui a maquillé deux personnes. Oui, mais bon, là, oui, dont moi évidemment. C'est évidemment Soso, la cosplayer championne du monde, évidemment, qui a maquillé Maxime Tchao. Oh oui. Et on s'est régalé, on va revoir l'extrait, vous allez, on va débriefer après. C'était... C'est quoi? Oui. Il n'y a pas que Maxime Tchao qui l'a maquillé. J'essaie de te le dire. C'est écrit. Oui, dans le runner, il y a marqué Maxime Tchao parce qu'à la base, c'était la séquence préférée de. Aucune idée. On s'en fout. Ça n'a pas été supprimé. Ah, c'est Sam Vostok. Et ben, ça n'a pas été supprimé cette émission. J'ai fait les bons gars. On l'a revu hier. On sait pourquoi. Pas un mot, ça reste entre nous. Le ça chat. Passe bien. Alors là, bien. Aujourd'hui, l'émission, elle est royale. Cap sur l'élégance, je rappelle. Cap sur l'élégance, je suis capitaine, il y a les icebergs de la disgrâce. Mais de temps, on tourne. Extrait, c'est parti. Vas-y, on dirait quoi? On dirait une autre personne. On dirait un chanteur de hard. Franchement, t'es pas mal. Franchement, ouais. Hein. Quand même. Applaudissements quand même. Bravo. Mais comment tu veux qu'on le prenne au sérieux, quoi? T'imagines? C'est vrai qu'il fait très petit longtemps. Le bon maître, la bonne maîtresse. Je vais te passer la perruque. Le chat se régale. Et vas-y, attrape-la. Prends cette pomme, j'accepte. Attrape ici. T'inquiète. Tu la tires un petit peu. Et t'as 2 km d'ici. Non, je ne pourrai pas avoir le temps. Les portes seront fermées après. La ressemblance est troublante. Hop, non, tu sais qui tu ressembles un peu? Voilà. À Kayane.
Incroyable. Putain, incroyable. La mèche, je sais pas si elle est exactement. Mais t'es pas dégueu, mon con. Mais c'est qu'il est pas dégueu. Alors, par contre, on va faire les applis de Vince, mais que tu vas rester comme ça. Et tout de suite, c'est quoi? Eh bien, c'est le lunch play avec monsieur Ken Bogard. Ken, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me reçois? Est-ce que tu me reconnais surtout? C'est Maxime ou Diva, comme tu veux. Allez, donne-la, Ken. Bientôt, à demain. Hop, je te Ah, il est ignoble. À demain, bisous. Il est ignoble, il est ignoble. Ah là là, franchement, il faut savoir déjà, et encore une fois, bravo à Cineris qui est franchement qui fait ça. Elle a fait ça en 10 minutes, ouais, les gars, vous vous rendez pas compte, c'est absolument, absolument fou. T'as vu qu'il y en a sur le plateau, on a le mec de Sobium. Avant, je disais, la meuf de Zoltan, maintenant, je disais, c'est le mec de Sonia. Applaudissements pour Zoltan et Vince. Zoltan Vince, c'est le Zoltan Vince. On a un magicios, il va bien celui-là? Ah, oh, il va super bien. Longtemps que j'ai pas eu mon con. Bah ouais, je suis tellement heureux d'être là, quoi, ouais, de tous vous revoir. Mais il est trop meilleur. Manqué. Alors, mais trop manqué. On va revenir sur toi, tu vas nous régaler évidemment, incroyable. Et Vince, il vit pas. Et Zoltan, que je vois de temps en temps, parce qu'il vient pour parler des audiences. Et pour parler de manette, non? Pour parler de manette? Non, non, j'ai surjoué. J'ai surjoué. Non, Zoti, mais... une réaction? Aucun commentaire. Non, non. Tu vois, c'est qu'il le prend bien. Blanche... Chaque moisson, la rafale. T'as dit quoi, le crachat n'atteint pas la blanche colombe, c'est ça? Ouais, voilà. Non, c'est on ça. S'est vu tout à l'heure, on s'adore. Mais bien sûr. Voilà. C'est trois ans. Vous avez fait des vidéos tous les deux ensemble. Eh oui. Mission. J'ai vu ça. Là, et vous êtes beau là. Mais on s'adore, on s'adore. Norman Genius. Ouais. Vince. Ophelos. Junchebax. J'ai un. Encore une vidéo d'un invité. Ah, surprise, j'aime bien les vidéos surprises. Exactement, un invité qui était avec nous cette saison. Juste remercier aussi la famille, on est 2006, juste voilà. Oh. Merci à vous. Merci beaucoup d'être la dernière du matin. Et vous allez voir, invité un peu particulier, si je peux me permettre, et contexte un peu particulier. Non. On m'a demandé de ne pas réagir sur le contexte, on va quand même le faire parce que c'est assez bon. Très bien. Littéralement pour que j'envoie cette vidéo et je suis quand même en retard. Je suis dans mon bain là actuellement et je tiens à vous féliciter l'équipe du matin. Bravo pour cette saison incroyable, votre bonne humeur, votre dynamisme dès le matin comme ça. Oh là c'est enchanteur, on est hyper bien accueillis chez vous. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, à très très j'ai bien. Compris. Faut savoir que je m'a harcelé. Il a coupé la fin. Sauf que je lui m'a harcelé. Alors on réagit pas sur le contexte, mais... Merci à Marie Palot que j'aime beaucoup. Ça, Marie, j'ai commencé la télé pratiquement en même temps qu'elle. Elle était sur T1 et moi Game One et j'ai beaucoup d'affinités. Je trouve que c'est quelqu'un en plateau à chaque fois qui est top. Moi je trouve qu'en vrai, je sais pas, mais je trouve vraiment que c'est une chroniqueuse incroyable. Elle est top. Puis parce que dans le récap, tu vois, elle fait aussi des talks sur d'autres chaînes. Ouais, ouais, Enfin, franchement, je la trouve formidable. Vitality. Et puis aussi, tu sais, le mardi soir, parfois, elle fait des. La vidéo, elle a coûté cher. En gros. Enfin, merci Marie, je sais que je t'adore. Elle est en plateau, elle est toujours incroyable. Et donc, et ce petit cosplay de bain, de fille dans un bain, c'est incroyable. C'était Marie Palot. Oh, du dos. Il est bon. Il est bon. Après un an, ça se réveille. Je vais faire chialer. Il est bon. Dis donc. Elle fait des tours de magie avec ses masques, avec machin, etc. Mais donc, on a un spécialiste tour de magie. Un mec qui, pendant un an, à chaque fois, je me suis dit, mais je ne comprends pas. Pourtant, j'étais à 2 cm. Les mains allaient là. C'est vrai. Moi, j'étais comme ça. En fait, j'étais comme ça. Je regardais. J'ai jamais compris. Vinsos, apparemment, tu as un tour de magie à nous faire. Et ouais, je vous ai préparé un petit truc sympa pour la dernière de la saison. Et on va se régaler. C'est vrai qu'on a eu une année formidable avec des beaux effets. Celui-ci est un petit peu spécial. On va essayer de marquer le coup. Alors, je vous explique le jeu que l'on va faire ensemble. Faire des tours de magie en ce moment, en mode ouais, bah pas oui. Forcément trop... j'ai vu que tu faisais des trucs... J'ai vu que tu avais lancé quelque chose en vidéo pour pouvoir. Ouais. Ben, on va en parler tout à l'heure. Je vais vous donner quelques petits détails croustillants. Je me suis régalé. Le temps n'a pas été. Il met la vidéo sur lui. Il a la manette, il a la télécommande, évidemment. Il peut diriger la caméra. Il fait ce qu'il veut. Il y avait notamment un tour avec Maxime Chao où tu fusionnais des cartes. Ouais. Alors, tout de suite. Non, mais regardez les rediffs de matin à l'année. Il y a des trucs, je vous dis, c'est on n'a jamais rien compris. C'est incroyable. Ouais, là, il y a un gros plan. Ouais, normalement, vous ne pouvez rien rater. Ok. On voit bien le raisin. Alors, je vous explique le jeu. J'ai ramené un jeu de cartes sur lequel j'ai écrit les noms des chroniqueurs du matin ainsi que les invités que nous avons reçus. Alors, je vais vous montrer... Les invités Tous. Un jeu de 52 cartes, c'est pas possible. Là, il y a 52 cartes, il y a quoi faire. OK. Donc, évidemment, on a Norman, Rofello. Vous savez, il n'y a qu'un F. Hein. Ah, ça, c'est cadeau. Je me suis appliqué, je suis allé voir sur Internet. Très bien. Zoltan, Sonia, Adibax, Jane, Pierre Lecoul, Alex Nassar, Big Boss d'entre nous, bien sûr. Et tout le monde est là. Il y a même Marcus, que j'adore, Sam Vostok. Vous allez voir, il y a le tout, Junpei, Ken Bogart. Et j'ai pas oublié, il y a Trunks, Bitten, Gastronogeek, Marie Palot, évidemment. Merci à toi. Il y a tout le monde qui est juste ici. On va faire une expérience un petit peu spéciale. Une expérience avec
Suspense. Deux dames que je vais laisser juste ici. Alors, je vais peut-être les où est-ce que je vais les mettre pour qu'on les voit. Regarde. Deux dames. Avec la dame de cœur et la dame de pique. En fait, j'ai créé une expérience pour tester l'intuition. Est-ce que vous avez de l'intuition? Moi, j'en ai énormément. Ah oui, je sais. Bah, non, je m'avance pas, mais t'as vu ce qu'on est, le feeling, l'intuition, main game. Alors, on va voir comment ça se passe. Non, mais pense-moi. Je vais retirer les deux jokers, on n'en aura pas besoin. Le matin, le stream, on va les laisser juste ici. Et je vous explique l'expérience que l'on va faire ensemble. Je vais faire participer quelques personnes. Le but du jeu, on va faire avec Rof. Oh là là, dis donc. Okay. Il chouchou aujourd'hui. C'est à toi comme la sardine est à l'huile. Bah, merci. Quel poucous. Il me tue. Rof, le jeu est très simple. Je vais distribuer. Rof, ça va, t'as l'air épuisé, gros. Les deux, faut savoir, ils sont couchés à 5h, ils sont au bout du sel. Moi, je me suis couché à 22, les mecs. Je suis en patate. C'est la dernière heure. Dernière ligne droite. Ouais. Ça passe trop vite, les mecs. Le jeu est très simple. Je vais distribuer les cartes sur la table et c'est toi qui me diras stop exactement où tu as envie qu'on s'arrête. Il n'y a aucune influence possible. On y va. On a dit la troisième. Distribue les cartes comme ceci. Et on voit les prénoms. Stop ici. Ouais. Ok. Je sais pas, c'était sur qui? C'est sur Zoltan. Ouais, tu vois. Comme par hasard. Ok. On met la dame de cœur ici. On referme tout. Maintenant, je vais demander à Norman. Tiens. La même chose. Je fais distribuer les cartes comme ceci. Tu me dis stop ou tu as envie. J'attends un peu. Oh. Continue à attendre. Et puis c'est stop. Ok. Je pose celci ou pas? Non, tu la poses. Je la pose. Très bien. On est d'accord que le choix est totalement libre. Je mets la dame de pique juste là. Ok. Je vous explique ce qu'on va faire ensemble. C'est donc une expérience pour l'intuition. Vous vous êtes arrêté librement au nombre, mais vous ne savez pas le nombre de cartes que vous avez. En fait, ce n'est pas très important. Ce qui nous importe ici, c'est de prendre les cartes qui sont juste à côté de là où vous vous êtes arrêté. Kyria et Kao. Kyria et Kao, comme par hasard. Oh, et mais non. C'est marrant, les sorciamoises. Les sorciamoises. Ok. Alors, on va regarder ce qui se passe ici exactement là où vous vous êtes arrêté. La dame de cœur, la dame de pique. On va regarder les dos des cartes. Ici, Kyria. Mais non. Ouais. T'es sérieux là? Coup de bol. Mais non. Coup de bol. C'est le mot, c'est le mot qu'on a prononcé le plus. Kyria, la dame de cœur. Oui, cadeau. Tout à fait. Ah ouais. La dame de pique. Qui c'est qui pique? Ah bah c'est marrant. Mais non. Putain, mais il a pas fait ça. Arrête un peu. Mais putain. Chaos. Ah ouais. Sorcier. Sorcier. Obuché. Sorcier. Merci. C'est pas terminé, les amis. C'est pas terminé. Mais déjà, quand je vous parlais, donne au chapeau, tu vois. Et celui qui a de la chance, tu fais dame de trèfle. Je vous parlais d'intuition, effectivement. Vous saviez qu'ici, on avait bien la dame de pique. Ah, quel boss. Et on a aussi ici sa jumelle, la dame de trèfle. C'est vrai. Okay. Et si on a ici la dame de cœur, on a ici aussi forcément la dame de carreau, sa jumelle. Okay. Donc l'intuition est plutôt pas mal. Mais en fait, ce qui est le plus extraordinaire, c'est que parmi toutes les possibilités possibles, vous êtes arrêté précisément là où il le fallait. Il n'y avait aucun autre choix possible parce que toutes les cartes que nous avons ici sont toutes. Mais quel. C'est le roi de trèfle. C'est le bûcher. Le roi de trèfle. C'est quoi, ça m'a fait un frisson de. Sorcier. Je suis en sorcier, Vince. Au bûcher. Je vais employer un mot que j'emploie rarement, je suis circonspect. Il est vrai, ça. Moi aussi, je suis circonspect. On va brûler au bûcher. Et voilà, les amis, on se régale. J'ai même pas compris. Comment vous appelez-vous? J'ai même pas compris comment c'est possible. C'est là. Il a un autre jeu de cartes. Non, il avait rien. Je pense que c'est le mec, tu veux pas jouer au poker avec lui parce qu'il va faire. Non, mec. Ah bah j'ai 5. Je bats ton carré. Il y a 4 rois dans le jeu, mais j'en ai 5. Applaudissements pour Vince. Merci les amis, merci beaucoup. Le chat veut te cramer comme d'habitude pour Vince. J'espère que ça t'a manqué le chat qui veut te mettre au feu tous les mardis. J'adore. Moi, c'est le running gag que je préfère. Je suis un peu frileux. Et là, pour le leader, on surjoue pas. À chaque fois, il fait des trucs fabuleux et on est vraiment pour le coup à 5 cm. Là, il y a le Covid. On peut loin. Ouais, bon, moi, des fois même je prends sa main, je tape et lâche, tout. Lâche, les cartes qui sortent. Ouais. Et franchement, fabuleux, en Vince. C'est une activité démoniaque, il faut brûler cette personne. Allez, des bons merci, mon Pierrot. Enchaînons vite parce que là, mon esprit est ailleurs. Les amis, on aime bien Maxime et on aime bien notre personne sur le plateau. Il y a Vince, il y a qui d'autre? Il y a. Zoltan, le maître. Une fois Zoltan, il présente la pile. Beau temps avec Maxime. C'est ça que j'ai vu. Oh non, t'as pas ressorti si, ça. Si. En fait. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai pas joué de tout extrait. Il vient de me dire, t'as pas ressorti ça. C'est lui qui m'a envoyé. Non, mais en fait, mais là, attends, parce que tu m'as dit envoie. Et je savais plus. Et toi, dans ta tête, t'avais l'émission en mode, ouais, t'étais en pull de Noël juste avant Noël. C'est vrai. Il me ressort ça 8 mois après. T'étais beau ton pull, moi. Ouais. En fait, on avait une séquence dans l'émission qui, moi, personnellement, me manque pas des masses. Ouais. C'était la météo qui, parfois, avait des petits moments un peu.
hausse, mais souvent cette fois-ci. Mais ouais, là cette fois-ci. Alors qu'on pensait vraiment que ça allait mal partir. Là, partir parce que sur le papier, on s'est dit. Sur le papier, tu mets Maxime Chao, Rakai, Zoltan, c'est moche. Et en vrai, il y a eu la meilleure séquence de l'année. Il y avait une des meilleures séquences de l'année, encore une fois avec Maxime Chao. C'est parti. Toi. Ok, vas-y. Ah, c'est vendu ça. C'est pas vendu ça. Allez. Moi, oh, je t'ai vu, c'est quoi ce ton de merde. Non, mais le mec, c'est le mec qui est méchant. La vue, c'est qui là? Putain, il a une tête de mort là, vue, c'est pote. Non, et lui là, putain. Oh, eh. Alors, tête de mort, c'est plus actualité. Ah merde! Non, mais c'est de mort. Et lui, Bab tout fragile, lui, c'est Bab tout fragile. Bab tout fragile, mon pote, un petit nuage sur sa gueule, vas-y tranquille. Vas-y, bien. Quant à lui, bien là, t'as vu tête, il se prend pour là. Il se prend pour qui là? Ça, il est moche. Il est chemin, mon pote. Il n'y a pas de meuf ici, c'est quoi ce matin? C'est quoi ce matin? Vas-y, Zoltan, viens là, Zoltan, vas-y. Je me mets devant là, comme ça. Vas-y, la casquette. Eh, vas-y, continue. C'est ton tour. Il y a un mec avec une tête bleue chelou là. Ouais, là-bas, il fait moche au nord. D'où tu me parles comme ça? C'est WAM. Si c'est bleu, tu sais pourquoi c'est bleu? Parce que j'ai pas Ken, mon pote. J'ai pas Ken depuis 10 ans. J'ai des couilles bleues, tu te rends compte ou quoi? Ouais, vas-y. Et du coup, il y a Jules au sud, t'as vu, il apporte un peu de soleil quand même. Ouais, mais c'est un fragile. T'as vu ça? Il est vraiment fragile. Lui, c'est un fragile. Mec, tu lui mets une coque là comme ça sur la tête. Il tombe direct. Genre coup de glace là, direct. C'est bon, les morts. No joke, les amis. Il le fait trop bien. No joke. Moi, je veux une mini-story. Une mini-série. Zoltan. Les deux là, c'est un peu le Lascar du 99. Ils m'ont régalé. Tu sais quoi? Magnifique. Mais il le fait bien ce qu'on l'a. Putain. Hein. En tant que t'as du vécu, t'as du bagage. Hein. On est là. On est là. Maxoum, vous êtes un peu. On s'entend super bien, ouais. Ah, il est top. En plus, il est dans son vignoble et tout. C'est lui. Bah, tout frappe. Tu sais, la tête, genre. Tu sais, la vieille gueule et tout. Il le tient bien. Il y avait Adibou aussi. Il nous avait régalé, je me rappelle, en Lascar. Franchement, c'est vrai. Adibax. La météo, oui, on a tenu un an de météo. C'était pas tout le temps facile. Ce qui était dur, c'était l'infotrafic. Oh, qu'est-ce que c'était horrible, ça. En vrai, on passait de temps en temps. C'était bizarre. Ça dépendait de ce qui se passait. Mais toi, tu t'en sors très bien. Ça dépend qui t'envoie devant la météo. En fait, là où tu voyais que c'était un petit moment un peu particulier, c'est que souvent, il faisait. Moi, je le faire. Je vais regarder dans le plateau. Le casting, j'ai fait. J'y vais. Je préfère y aller. Les amis, vous savez, il y a eu des. On a tenté des trucs cette année. Et on a tenté des trucs. Il y a eu beaucoup d'émotions dans cette émission. Merci d'être aussi nombreux. Ça fait plaisir pour la dernière du matin. Je rappelle, c'est la dernière saison en plateau. Les meilleurs moments et souvenirs. On a eu déjà des mots de certains viewers. Et là, encore une fois, il y a une autre lettre d'un ami, Star of Bethlehem, un habitué de la maison. Juju, qui est dans le chat, émotionne-moi. Je vais t'émotionner jusqu'au bout des ongles. Exactement, Star of Bethlehem, Julien pour les intimes, Juju, hein, évidemment. Et Juliette. Il me dit, excusez-moi si jamais ma diction n'est pas bonne. Avec la musique, avec la petite musique, j'adore. On dirait que c'est l'émotion. On dirait que c'est l'émotion et pas que j'ai des problèmes de diction. Ça n'a rien à voir avec ça. Bonsoir Jules, j'espère que tu vas bien. Alors, sache que je me suis débrouillé comme un sgeg, je ne pourrais pas vous envoyer le colis que je souhaitais vous envoyer pour célébrer cette fin de saison. Ça, c'est... T'avais à bouffer ou pas? J'ai eu 2-3 accros, enfin bref, compliqué. Ceci étant, je n'exclus pas l'idée de vous rendre honneur pour le jour J. La fameuse fin de saison qui approche à grands pas. Et pour un viewer de la première heure, si, tu peux vérifier, j'étais là dans le chat dans la toute première émission. Je ne m'imagine pas aborder cette dernière semaine sans un petit message sort du cœur. Alors déjà, bravo. Bravo à toi pour tout le travail que tu as effectué autour de cette émission. Bien sûr, le profane ne saura pas voir, mais produire une émission, c'est un travail à plein temps et tu l'as honoré tout au long. Créer une matinale aussitôt, c'était un pari terrible, audacieux et casse-gueule, mais vous y avez cru, vos équipes ainsi que le stream et vous. Et regardez ce que vous avez fait, regardez tout le bien que vous avez répandu autour de vous. Non seulement vous avez su créer un rendez-vous sorti de nulle part, mais surtout vous avez réussi à fédérer des gens autour de cette matinale. C'était vraiment couillu pour une web-tv comme le stream, et pourtant les viewers sont là. Ils étaient là quand il fallait se lever à 6h du mat pour vous regarder. C'est bien, ouais. Tout ça, c'est la preuve du bien que vous avez su apporter. Bon, là je vais tirer un peu la couverture. Je t'avais dit que ça allait être long. Le matin a changé ma vie. Genre, t'es pas menti. C'est même pas une vanne. En fait, vous avez commencé l'émission pile poil à une période dans ma vie où ça n'allait pas fort pour moi. Le taf, c'était pas trop ça, la famille non plus, et je me levais à 11h et je passais le plus clair de mon temps à ruminer et à avoir les yeux dans le vide. Un gros passage à vide en somme. Il était def, quoi.
Et puis, ça c'est moi qui le rajoute. J'ai même vu. Et puis pour vous regarder, pour vivre l'expérience avec vous, j'ai commencé à mettre mon réveil à 6h15 chaque jour. Et quand le réveil sonnait, je savais que c'était pour retrouver. Alors là, dans ma tête, c'était la valse. Je me douchais, je mangeais un bon petit déjeuner. Et puis à 6h55, je rushais pour allumer ma PS4 dans mon salon. Et puis, je savais que j'étais sur l'autoroute du positif. Et ce, depuis la première émission que j'ai vue. Pour être franc, c'est depuis que j'ai entendu dire que c'était Norman qui allait driver l'émission que j'ai commencé à suivre cette émission. Ah, et le oui. Meilleur. Du fait de me lever tôt, j'ai trouvé un taf. Donc merci, ça ne me serait jamais arrivé sans vous. Ah. Bref, depuis que je t'ai découvert, j'ai découvert Maxime, Kyria, Olivier, Vince, Alix, Julien, aka Dibou, Sonia, Yannick et tant d'autres. Cette émission le matin, elle transpire l'amour par tous les ports. Et surtout, fait rare, vous avez su créer une communauté en moins d'un an. Parce que pour y être chaque jour, les viewers de le matin sont d'une bienveillance incroyable. Et je pense que bien des streamers-streameuses aimeraient se targuer de la même comparaison. Vous êtes des énormes amours. J'ai beau ne pas vous connaître personnellement, j'espère que vous réalisez combien vous êtes des personnes formidables. Je n'ai pas cité tout le monde, l'idée n'était pas de faire une liste ou un comparatif. De gros bisous mon Jules. Si tu pouvais envoyer de l'amour à toute l'équipe de ma part, j'en serais ravi. PS, bande de cons, vous ne m'avez pas appelé pour mes 30 ans le 2 novembre, alors que je m'étais inscrit sur la liste. Je vous pardonnerai jamais. Amour sur toi et tes proches. Bravo. Oh, cette petite pluie là. Et je vois dans le chat, oui, cette émission est faite pour s'auto-congratuler, évidemment, parce que c'est l'émission derrière remerciement. Et merci à toi, ça fait très plaisir. Bethlehem, qui est souvent là, qui est tout le temps là, qui est là vraiment aussi sur ça mérite des cœurs dans le chat. Ça mérite plein de cœurs dans le chat. Et bravo, il a trouvé du taf. Ça, je vais te dire, ouais. ça c'est pour t'es ça aussi qu'il fait des... Il dit que c'est grâce à nous, frère, c'est grâce à toi, hein, si t'as trouvé du taf. Nous, on a réussi à le remettre peut-être dans la Yes Life, et ça fait plaisir. Dans le droit chemin, c'est ça. On l'a remis dans le droit chemin. Non, mais c'est aussi ça, parce qu'on fait l'émission aussi pour vous, et franchement, si on t'a aidé à passer cette passe difficile, moi, ça fait plaisir. Eh, quelle belle lettre. Hein. Ça va, Jules, ça va aller. J'en ai marre, l'émotion. Ça va aller, que personne ne pleure avant moi. Le chat est en cœur, mon star. Qu'on merci envoie. Le chat. T'es un frérot. J'aimerais qu'on remercie évidemment avec chaleur et parcimonie mon Vince et mon Zoltan. Merci d'avoir été là. Vous avez régalé. Merci. Et on se voit tout à l'heure parce que tout à l'heure c'est Yannick. Moi, je peux pas. Tu peux pas. Bah non, j'ai 4 heures sur le stream cet après-midi. Oui, il stream cet après-midi. Petite séquence autopromo. Pour faire tourner la télé, en fait. Il a oublié de faire la promo de Vince, celui-là. Il a un spectacle en ligne, le Vinceau, tu sais, en ce moment. Je pensais que j'étais pas censé la faire. Mais si. Ah ouais, peut-être bien. T'as un spectacle en ligne et tu m'informes pas. Il y a écrit promo Vince, promo Zoltan. Mais non. Bah Vince, commence. Il y a une époque où il... Où il lisait le runner. Il y a une époque où pour relâcher la colombe, il passait... Je le vois à chaque fois, je sais qu'il y a Twitch, il y a machin, il y a les audiences. Putain, mais attends Vince, tu devais pas t'associer avec moi pour faire un spectacle? Je devais mettre 70. Je devais mettre 70 et moi 30%. Bon, ça se passe bien ton spectacle en ligne? Ouais, ça se passe bien. Surtout, en fait, j'ai créé autre chose aussi pendant ce temps-là, donc je suis très content parce que ça faisait longtemps que je voulais le faire et faute de temps, je ne le mettais pas en action. Et là, on a eu beaucoup de temps à disposition, j'ai concrétisé tout ça. J'ai enfin ouvert mon club de magie. Mais non ! Club de magie, parce que beaucoup de gens, au fur et à mesure des mois, m'envoyaient des messages pour me dire par quoi est-ce que tu me conseilles de commencer, comment faire, etc. Donc j'ai créé un club de magie qui s'appelle le Magic Social Club. Trop bien ! Oh là là ! Et c'est en honneur au live. Carte de Rophelos. Franchement, ça fait plaisir. C'est en honneur au live. C'est l'émission, putain, c'est bon. Donc alors, pour vous raconter brièvement ce que c'est que... Bon, vous aurez le lien sur ma bio Twitter, il y a un petit lien, vous vous inscrivez dessus, vous mettez votre mail, etc. Je pense que Suzy va trouver le lien, t'inquiète pas. Bon, trop bien. En gros, le concept, c'est que tous les mois, je vais vous faire un live gratuit où je vais vous apprendre la magie. Donc, on va faire des choses différentes au fur et à mesure des mois qui avancent dans l'année. Le but, c'est d'avoir un maximum de personnes, d'être très proche de vous pour pouvoir répondre à vos questions et pouvoir vous accompagner un maximum. À la fin de ce live, lorsque vous allez vous inscrire, vous aurez aussi accès au Discord, parce que le but, c'est d'échanger tous ensemble. Tu discuteras avec eux en temps réel. C'est ça, exactement. Donc, on échange vraiment, c'est hyper cool. Pour l'instant, j'en ai fait un, ça s'est extrêmement bien passé, les retours étaient super positifs. Je me suis dit, ok, go, on continue de lancer ça. Ah, j'ai vu ça sur LinkedIn, oui, réseau social de Boomer, mais j'ai vu ça, effectivement, tu as des commentaires super positifs sur ton Magic Social. C'est cool. Du coup, il y a le live. Lorsque vous vous inscrivez, vous avez... En premier, le lien sur le Discord, évidemment, pour venir échanger avec tous les autres magiciens aussi. Il y a plein de choses. Dans le Discord, je mets aussi la manière dont je prépare mes émissions, tout le contenu que je vais chercher, etc. Donc, vous l'avez en direct et je vais chercher plein de trucs pour vous. En deuxième, vous recevez un bouquin que j'ai écrit, un PDF, comment devenir un meilleur magicien. C'est des conseils basiques, mais qui sont le retour de mon expérience. Assez offert, le mec, c'est cadeau. Le confinement, il a créé un mec, club, il a écrit un bouquin. On était en caleçon dans mon salon. Et il est devenu papa aussi. Ouais, c'est vrai. Merci.
Il a même créé la vie, le mec. Moi, je croyais que c'était ça qu'il allait dire. Ouais, j'ai créé un autre truc. Ouais. En mode, c'est mon club de machine. Le mec, pour moi, de confinement, c'est devenu Elon Musk. Le mec, bientôt, il envoie des gens dans. Non, putain, c'est beau. Ouais, l'enfant, je t'ai félicité sur WhatsApp. Ouais, c'est vrai. Et merci beaucoup. J'ai apprécié. Normal. Le beau geste. Tout le monde m'a félicité. D'ailleurs, vous étiez tous des amours. Merci. Ah non, mais c'est super tout ça. Ouais. Attends, ouais, on n'est pas fini. En troisième, je vous offre une expérience de mentalisme. Une des expériences de mentalisme que j'ai fait en plateau ici. Oui. Juste génial. Ça, c'est cadeau. C'est offert pour vous. Ok. Quel est live? Il y a les cadeaux. Mars prochain, 2021, je vais organiser un énorme séminaire avec des conférences de magiciens professionnels avec qui je travaille. Ah, tu repasseras pour moi, parce que c'est 10 ans, on fera un truc génial. C'est toi en live, voilà. Un séminaire en live. Un vrai non, truc. Non, ça sera en physique quand les choses vont reprendre, enfin, en live, etc. Voilà, si ça reprend, on fera un live. Super truc en mars. Voilà, le club de magie est ouvert. Si ça vous intéresse, vous venez nous rejoindre. Les lives, c'est gratuit. On vient partager. Toutes les infos sur son Twitter ou pas man, il est bon. C'est ça. Il y a dans la bio Vince Twitter. Vince Magicien. Alors là, putain, là, j'ai envie de te dire applaudissements. Parce que ça, c'est un confinement rude bien mené. Rudement bien mené. Moi, à côté de ça, j'ai rien branlé. Et d'ailleurs, petite anecdote, pourquoi j'ai dormi que 3 heures cette nuit, hormis le fait que mon fils soit malade. Mais en plus de ça, toute la soirée d'hier avec mon meilleur pote, qui est aussi magicien pro, avec qui je travaille depuis 15 ans, on a tourné de 20h à 2h du matin une masterclass sur le pickpocket. Sur comment voler l'attention des gens pour voler les portefeuilles des mamies. C'est ça. Comment piquer les portefeuilles, les montres, les téléphones portables. Alors le but évidemment est de rendre les accessoires, qu'on soit bien d'accord. Dans le métro, Covid, c'est un peu, tu vois, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, j'ai pas trop lui dire, vas-y, retire ma montre, je m'en rends compte, mais on peut pas se toucher. Ah oui, oui, évidemment. Donc on s'est fait un super truc et on a préparé ça et plein d'autres cadeaux pour vous et voilà. Le Covid, très mauvais bail pour les pickpockets. Très mauvais bail pour les magiciens aussi, en vrai. On va trouver des astuces. C'est les gens qui nous les donnent d'eux-mêmes. On n'est pas les derniers à trouver truc. Et de l'autre côté, Zoltan, il a twitché. Il a streamé. Enfin, Zolti, tu peux annoncer ce que tu m'as dit tout à l'heure ou c'est secret? Non. Il y a des quelque chose, mais j'étais tourneboulassé. Non. Alors, est-ce que tu peux teaser? Tu peux teaser? Non. D'accord. C'est une belle promo. En tout cas. Non, mais c'est une belle promo. Je peux te parler du confinement si tu veux. Ouais, bah, t'es belle chose. On sait que tu twitches, tu cartonnes, t'as des dedans de ouf. C'était incroyable. J'ai cru vraiment quoi? Un 9000? 11500. Il a le chiffre. 11543. Ouais, 3 exactement. Il a dit 11500 comme toi quand on fait un compliment. Ouais, c'est normal. Non, mais c'était. En fait, sur ma chaîne, on a reçu le patron de World of Warcraft en interview. Donc il y avait 11500 personnes, on était rediffusé par Asmongold devant 50 000 et tout. Enfin, franchement, il est sympa. Ouais, c'était. Plutôt Horde ou Alliance ce mec? Je peux pas se prononcer, c'est ça? Ouais, enfin, les deux. Mais en vrai, c'était ouf. On est en train de créer une belle communauté là, sur la chaîne. Il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de soutien, de subs, tout ça. Ça régale. Et c'est la folie, quoi, tu vois. Mais je te dis, je rebondis ce que j'ai. Je disais un peu la blague, évidemment, sur la chronique. C'est vrai que Zoltan, je l'ai vu il y a 3-4 ans. À l'époque, j'étais chez JV. Et tu traversais une période difficile. Ouais. Tu commençais machin. Et moi, franchement, si tu bosses, et je sais que t'es un bosseur, tu y arriveras, tu peux aller loin. Et aujourd'hui, voilà, tu fais partie d'un des gros streamers de Warcraft. C'est le plus gros représentant. Et tu ça commence à être pas mal, mais c'est pas suffisant pour moi. Il va loin. Mais tu sais quoi? Ce sera jamais suffisant pour toi. Lui, plus tard, il sera sur le télésiège, mais il sera au-dessus de toi et tu auras détrôné. Je pense que c'est lui qui pilotera le télésiège. Il animera une émission. On verra. J'ai demandé une chronique manette. Il l'a pas fait. C'est un con. En tout cas, applaudissements pour Zoltan et mon Vince. Merci beaucoup d'arrêter là. Restez tout à l'heure, évidemment. 13h-15h, dernière lunch play, et 15h-19h, voilà. Zoltan qui a des audiences. Je vais faire Ghost of Tsushima, je pense. Ah, allez, c'est parti, ça part en prod. Ouais. Ghost of Sushi Shop. Magic Arena, peut-être, tu vas essayer. Avec toi, peut-être. Ah, c'est Les genres de cartes, attention. Point trop d'infos, ça rigole. Les amis, on va évidemment les remercier. On va lancer un petit extrait. Alors, c'est quoi? C'est l'outil ou salon d'agriculture? C'est du l'outil, mon. En plus, tu m'as dit tout à l'heure, attention, c'est pas ça, c'est l'outil. L'outil, vous savez, c'est un petit peu notre pièce maîtresse, notre pièce de secours. Exactement. On l'appelle. On l'appelle la clé de 12. Parce que franchement, ça dépanne plus. On l'adore. On va un petit extrait de Luthi. En gros, c'était la première de Luthi. Parce qu'au début de la saison, Luthi était chroniqueur. Et puis au bout d'un moment, il est venu. Et en fait, Luthi avait des chroniques qui s'appelaient Les improvisations de Luthi. Aujourd'hui, ce jour-là, notre premier invité, c'était Michel Dallociné, Johan Sardet, entre guillemets. Ouais, Luthi a fait une chanson sur Johan Sardet. Et puis après, vous la connaissez un peu si vous regardez le matin depuis un bon lustre de temps. Après, c'est la. Libre du matin, si vous voulez. On regarde ça et puis on se retrouve juste après, les amis. La légende. Je pas de mes souvenirs, du coup. Quand j'étais petit. Ça va vite, là. C'est Kenji. Kenji Girac. C'était seul gars qui faisait des vues sans être sur YouTube. Dailymotion, il connaît pas, il est sur Allociné.
je vais vous parler d'un duo qui a percé. Maintenant sur YouTube, bébé à 40 ans, c'est grave OP. Michel, dans le game depuis si longtemps, rédacteur chef d'Allociné. Ouais, t'entends, on l'a vendu du, mais lui c'est pas invendu, c'est fait racheter, jeter. Mais il a des gros nénés. D'où c'est venu, désolé, c'est de l'impro. Michel, depuis qu'on est tout petit, il voit tous ses taraclos. À chaque fois qu'il voit un film, il cherche les perches, les projecteurs, un reflet dans le miroir. Yes, ça va dans le faux raccord. Michel et Michel, Michel et Michel. À eux deux, ils ont fait plus de thunes sur Allociné que tous les articles qu'il a écrits. C'était grave au P. C'est Michel et Michel. C'est Michel et Michel. Ouais, ouais. Oh, il est lourd! Je dois faire une émission comme ça! D'accord, on va prendre sur le stream un pour lui de 2 heures. Franchement, il nous régale. Oh là là, hey. il est. T'es vu? Non, est-ce que la régie peut m'isoler ce petit, ouais, ce petit segment et on va. C'est vrai que t'étais quand même. Vous étiez les seuls gars à faire des vidéos sur Allociné et vous deviez raquer le nombre de pubs à cause de vous. Parce que, en fait, Adblock marchait sur YouTube, mais sur Allociné, ça n'a jamais marché. Et le nombre de pubs que je me suis tapé sur Allociné à cause des faux raccords. Et puis surtout, vous étiez les seules vidéos que j'allais voir ailleurs de Dailymotion et YouTube. Voilà. Franchement, ouais, quand tu chantes, t'as un petit côté Christophe Maé, t'as vu. Ah, ouais, ça fait mal. Mais moi, là, je suis en mode, j'imagine des trucs et tout. On va tourner un clip. Il a envie, Jules, de chanter. Okay. C'est le matin, la matinale. Donc je peux parler de mon expérience, du fait d'être arrivé ce matin, de lever à 5h30, voilà, de voir le soleil qui se lève. C'est pour toi. Un plaisir. La dernière, et après, il y aura le Gen Game juste après, les amis. Il est 7h44 et c'est lui qui en impro, il nous régale. Désolé. Mais bon, c'est quoi, ça pourrait être cringe avec n'importe qui, mais avec toi. Avec toi, ça passe. Parce que vous êtes des bons potes aussi. Ok, let's go. Non, ce sauf Maxime. Normalement, c'est une musique joyeuse. Ah bon? J'ai choisi une musique joyeuse pour la fin. Ça fait très tan tan tan. C'est le matin. C'est le matin. Aujourd'hui, je me réveille à 4h30 parce que Jules m'a donné rendez-vous à 5h30. Je prends la trottinette, il fait froid, y a personne dans les rues. Je veux griller les feux rouges. Oh yeah, ça fait déjà deux matins qu'ils ont commencé. Ils ont réussi, oui, à se réveiller. Mais t'inquiète pas, Genius, il va, oui, en rater. Les réveils, il va les louper. Le soleil se lève à peine, on arrive chez Webedia. Y'a personne à part une femme de ménage et moi. Et moi, qu'est-ce que tu fais là, Genius? T'es habillé comme hier. Heureusement que t'as mis un pull pépère. Et c'est le matin. Parfois ils boivent, parfois ils font rien. Un peu en retard, c'est le matin. La météo, personne n'arrive à lire le texte. C'est le matin. Et on sait pas tout ce qu'on fait le matin. Le runner est bien prêt, mais on n'a pas le temps. Vite, vite, on enchaîne. On peut cuter un peu de ta news. Yes, bravo Lucy. Ok, je veux pas de mes souvenirs du coup. C'est le matin. On sait pas tout ce qu'ils font le matin. Il est bon, ok, mais je suis quand même là en impro. Ouais. je connaissais les chansons les paroles de Lutti par cœur et il me regarde pendant le magnéto. Il me fait, c'est moi, t'aimes mes chansons à moi. Ouais. Hier, il a fait Catherine Monroe, il était au taquet et full impro de Lutti. Ouais, c'est pas mal. Non, moi Lutti, vous savez, c'est quelqu'un. Je suis pas le seul, je l'adore, c'est quelqu'un d'extrêmement doué, énergie de ouf, impro de ouf, franchement, il mérite, et il nous avait régalé l'hymne du matin, c'est lui qui l'avait composé, bien entendu. Norman Genius. Dis donc, on a retrouvé Kaoui Kaoui. Hein. Ouais, elles ont apparu. Les reines du tour de magie de Vince, vous avez eu le tour de magie de Vince, les filles? Non, on voyait pas très bien avec le retour. Ouais. Je la connais celle-là. C'est ça, bien joué. Bon, il y a des surprises là. Il y a des surprises. J'en veux encore, Norman. Comme tu le sais, et vous le chat, si vous regardez souvent l'émission, aujourd'hui on a vu pas mal de membres de l'équipe le matin et aujourd'hui il y a quand même 2-3 absents. Oui. Et il y a d'abord une personne, une fille de l'équipe qui n'est pas là aujourd'hui, Norman, c'est. Didi, la dinette. Bien évidemment, championne du monde Just Dance, enfin vice-championne du monde Just Dance. Oh, championne. Animatrice. Ouais, streameuse, youtubeuse, 125 000. Hein, 125 000, presque 130 hein. Là sur YouTube. Exactement, allez vous abonner. Et Dina, bah, en fait, elle est en vacances en ce moment et elle tenait à nous faire une petite vidéo, un petit coucou, regardez. Nice. Salut la famille. Oh, les lunettes. Je suis en plateau en train de travailler. Moi, je suis en train de travailler très très dur. Regardez mon bureau là. Saloperie. Très difficile. Mais votre André préféré pense à vous également. Bonne dernière de le...
Oh, ça elle est trop mignonne. Ah non, elle est derrière. Nous, on elle nous nargue trop, mais elle est trop mignonne. T'as comment il s'appelle? André. André. Il pousse la bouée. T'as derrière André qui fait le matin. On le mérite pas, André. On le mérite pas. On envoie. Merci Didi. Franchement, repose-toi bien. C'est la rentrée, ça va. Ça va. Elle profite. C'est la piscine. On part tous en vacances. On va tous. Tu sais quoi? Finalement, je voulais pas partir en vacances, mais finalement, je suis content. Elle est avec ton nombre en vacances. En plus, en plus. Attends, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Oui, oui, elle a de, l'ombre de moi, de machin, etc. Attends, c'est ton nombre ou c'est l'ombre de. Bon, j'ai raté ma balle. En plus, je te regarde, si je l'attends, il a rien. Le principal, c'est d'essayer, c'est bien. C'est le moment d'enchaîner très rapidement. Attends, oh, c'est moi qui. Non, on enchaîne, c'est toi. Attends. Là, Norman, t'as juste à fermer ta gueule jusqu'à la fin de truc. Pourquoi? Tu laisses Rofello, c'est moi, gérer. Si tu veux intervenir, tu interviens. Non, la couverture, c'est vous. J'ai pris un an, ça va, je peux bien vous laisser. Vous savez, quand on a demandé donc, de faire des vidéos à ceux qui malheureusement ne sont pas là, il y a Dina qui se filme derrière sa piscine avec André qui passe en bouée et Denver qui coule au fond. Mais on a Sam de Stock qui lui a tenu à faire une lettre manuscrite. Oh. Alors, vous a posté. Il faut savoir un truc. On raconte. Je reçois la lettre, je regarde Rofellos, j'essaie de lire une phrase. J'y arrive pas. Tu comprends? Le style est un peu empoulé, hein, je vous ne cache pas. Ah bah là, à mon avis, rappelons un peu qui est Sam Ostock, pour ceux qui découvrent peut-être. T'as maintenant un directeur d'université. Un directeur, je sais pas. C'est pas nous que ça arriverait. Responsable pédagogique de C'est pas nous que ça arriverait. Exactement. Et donc, a priori, il ne sera plus. Ancien chroniqueur et bibliothèque de le matin. Voilà, un grand monsieur de lettres, un grand monsieur historien, un grand monsieur. Et la doublure officielle de Renault. Donc c'est exactement. Plutôt. C'est bon. Florian. Jean la banane. Chers amis, chers chroniqueurs, chers animateurs, chers producteurs et même, n'ayons pas peur des mots, chers régis. Oui, pense même à la plèbe. Ouais, ça en pratique. Oh mon Dieu. Oh, ça. Dommage. Bah non, ça fait très froid ce que t'as fait. Malheureusement, être des vôtres aujourd'hui. Michel. Et ce, en raison des centaines de lieux qui nous séparent et qui le font d'une manière encore plus irrémédiable que le serait le refus qu'essuierait Norman s'il candidatait à l'Académie des sciences morales. Rien compris. Ce qu'il me dit là, il m'embrouille. C'est pas quoi. Remerciement, je comprends pas. Je ne puis être des vôtres physiquement, mais je le suis par le cœur et par l'esprit. Aussi fort de la modernité qui me caractérise, j'ai pris ma plus belle plume, directement prélevée sur un fan d'Apple. Mon parchemin le plus luxueux, encore plus cher que les chouquettes à 35€ de chez Kaiser, et dopé l'un de mes pigeons encore plus radicalement qu'un cycliste le serait à l'insu de son plein gré. Tu vois ce que je veux dire? Je le fais, il faut s'accrocher. Je le fais, car je voulais tout simplement vous témoigner mes remerciements aujourd'hui. Mes remerciements pour m'avoir accepté au sein de la bande du matin, enfin, de la fin de matinée. Pour toutes ces tranches de rire, pour ces heures de sommeil à jamais perdues, comme le serait goût de Jules pour la musique de Jules s'il avait deux oreilles parfaitement fonctionnelles pour en savourer l'entièreté. C'était une parenthèse. Vous remerciez ensuite. Non, pas ensuite. Vous remerciez ensuite. Oh, merci, ensuite. Il n'y a pas d'aise. Car nous sommes réellement une famille et que vous m'avez définitivement fait réaliser de manière absolue que, en effet, on ne choisit pas du tout sa famille, sinon Maxime aurait au moins laissé par politesse quelques-unes de ses chouquettes à 35€ pour les autres. C'est vrai, que j'ai payé. Enfin, et sur une note à présent plus honnête, avec la musique qui monte, vous allez vraiment manquer. Les nuits de 3 heures, les fringues brûlées après le salon de l'agriculture et les regards menaçants de la régie parce que les visuels étaient mal nommés en valaient la peine. J'ai été parmi vous en famille, j'ai découvert nombre de gens formidables à la bonne humeur contagieuse et il me tarde de vous revoir. Je vous dis, je l'espère, à très bientôt, à vous, à tous ceux qui œuvrent pour cette émission et au chat, évidemment, vous régalez. Ah putain! Qu'il est chiant! Non, je rigole. Hey, ouais. Sam Bostock. Il a supprimé une partie celui-là. Le mec, elle le prend toujours dans le rôle. T'as fait pareil pour la lettre de Captain Ichiro. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Vous embrouillez pas les deux prods là, ils ont pas dormi de la nuit, ils vont se mettre sur la gueule là. Pas du tout, en vrai moi je Il y a de conduit que j'ai tout cassé. T'as peut-être loupé une page récommerce. En fait, je crois qu'il a fait une vanne à un moment, mais c'était une vanne du style vous êtes mort pour moi, bande de. Bande ah ouais. De ah merde. Ah ouais, je l'avais occulté, mais parce qu'effectivement c'était méchant. Tout ceci est maintenant dit et je peux vous l'avouer.
et qu'on prend la lettre. Waouh. J'ai un truc à vous dire. Je sais pas pourquoi j'ai sauté une ligne. Tout ceci est maintenant dit, et je peux vous l'avouer grâce aux 500 bornes et aux millions de cutéreux de province qui nous séparent et qui m'empêchent de risquer quoi que ce soit. Sachez que désormais, vous êtes mort à mes yeux. Ça monte et ça redescend. Tiens qu'à moi ça, la rafale. C'est un mec, tu vois. Alors lui, il avait tout pour être chiant. C'est maintenant, mais je le dis sincèrement, il avait tout pour être chiant. En fait, à chaque fois, c'est passionnant ce qu'il disait. C'est un mec en plus hyper drôle. Et moi, je suis très content de l'avoir eu, très fier de l'avoir eu. Il aurait aimé être avec nous aujourd'hui. En vrai. Il aurait aimé, ouais. Il nous a envoyé vraiment un petit texto. Il est à Bordeaux, malheureusement. Il fallait qu'il trouve un appart parce qu'il vient de prendre. Ouais, franchement, à Bordeaux. C'est que ça conserve un peu le froid ou le chaud, tu vois, ouais. C'est vraiment pas mal. Voilà, très bien. J'embrasse Maxil là dans le chat. Oui, mais là, t'as bouteille derrière. Et ouais. En fait. Bah oui, c'est ça, la bouteille, elle est quête, plein d'appareils, c'est la terre, en fait. La boisson, tu sais. Ça va juste rester. Mais juge pas, ne me regarde pas comme ça. T'es pas censé mettre du lait. Mais pourquoi? Non, mais tu le disais. Non, ça va. Non, en tout cas, ouais, Sam Bostock, merci beaucoup. Et ils ont de la chance, évidemment, ceux qui ont bossé avec lui. Franchement, grand monsieur. Et dédicace à Louis VI, le gros, évidemment, qui est mon préféré. Bon, moi, je bosse plus. Ancien rédacteur en chef de Millennium. De Millennium. Eh, la moi, je bosse plus. Je vois Jules. Moi, je vois Jules, en fait, Jules machin. Putain, allez, oh. Non, mais c'est à vous, là. Ouais. On a une autre surprise pour toi. Eh, je me régale, là. Mon papa. Si je te dis ton papa de. Ah, de télé, de cœur. Télé, de cœur. Maxil Dan. Qui est en chat, j'en profite. Non, Marcus, évidemment, il m'a envoyé un message tellement gentil. Ah, la même. Il m'avait dit, vous savez quoi? Ah, je sais pas si je peux le dire en vrai. Vas-y, dis-le. Tu vois l'écran là, hop là. C'est Maxil Dan, il est devant l'écran. Non, il m'avait dit, quand j'avais fait le. Non, c'est trop de millage. C'est trop de millage, je peux bon, pas. Bon, tiens, après, On verra si j'ai le mood après. Non, vas-y. Les amis, Marcus nous a laissé un petit message, Norman, c'est pour toi. Écoutez, on se retrouve. Tonton Marcus, bah voilà, je voulais vous faire un petit coucou pour la dernière de la saison. Une belle saison, franchement, vous avez cartonné là tous les trois. Là, c'est des pieds nickelés du jeu vidéo, de la pop culture. C'était génial, donc bravo Max. T'as beaucoup vu manger, c'était en pleine santé. Jules, toujours en forme, évidemment. Ancien vendeur chez Decathlon, donc évidemment la forme, le muscle, la puissance, j'ai envie de dire. Et puis le génius, le meilleur, bien sûr. Donc voilà, bravo pour cette très belle saison. Je suis avec quelqu'un qui est d'habitude très discret, qu'on ne voit pas. C'est votre sponsor qui, pour une fois, a accepté d'apparaître à la caméra. Votre sponsor des produits laitiers, Jacqueline 314116. Jacqueline, est-ce que vous avez un mot à dire à nos amis? Elle est très discrète, en plus je crois qu'on les dérange, c'est l'heure de l'apéro. Donc les petits amis, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, passez de bonnes vacances et on se retrouve l'année prochaine. On remet ça tous ensemble avec... des produits laitiers, nos amis pour la vie. Oh. Elle est bon. On ne lui a rien demandé. Il a tartiné. Il l'a envoyé. C'est adorable. Je l'ai re-signé. C'est bon. Tu sens le pro, franchement. Il met un coup d'OP, un coup de machin, un coup de truc. Allez, t'as vu? Elle est en train de lui manger la pie. Le pi ou la pie? Le pi. 314, les maths. C'est pour ça que je m'en souviens à chaque fois. J'aime bien que Morgan fait. Le pi. Marcus, moi je vous dis, Marcus, j'ai souvent, on n'arrête pas de s'envoyer des fleurs. Moi je vous dis, c'est mon papa de cœur et quelqu'un que j'aime énormément. Oui. Il t'a envoyé. Allez, raconte. Moment émotion. Ah, le message, d'accord. Moi, il m'a envoyé un texto il y a pas longtemps. Est-ce que tu veux savoir ce qu'il me dit? Non, dis-moi. C'est quand même assez extraordinaire. Je reçois un texto de Marcus. Dis-moi. Je n'ai pas de nouvelles de lui depuis pas mal de temps. Il m'envoie, c'était vendredi à 21h06. Il m'envoie une photo de lui. Regardez, c'est cette photo-là. Je sais pas si. Ben voilà, c'est Marcus devant un vélo, quoi, gros merdo. Ouais. Et il me fait « Monsieur le vendeur Decathlon, c'est un scandale. Je n'arrive pas à fixer ce satané rétroviseur sur le guidon de ce vélo franchement acquis dans votre établissement. C'est une vraie question, mais c'est surtout l'occasion de vous faire un petit coucou. » Je réponds « Mort de rire, mon Marcus, ça me fait plaisir ce petit message. Tu veux que je te mette en contact avec un vendeur cycle ?» La bise. Il me dit « Non, t'inquiète pas, je vais aller en magasin, je vais régler ça. Bon, » Ça parle loin, c'est ça. Ça parle loin. C'est parti très loin. Ah, putain, il est bon. Il est bon. Celui-ci, il est bon. Et toi, il t'a dit quoi, là? Non, attends, j'allais partir sur un autre truc. Ouais, non, déjà, moi, je suis fier parce que moi, j'ai grandi, on a comme beaucoup, avec Marcus. Marcus, à la téloche. Game One et tout. Déjà, le fait de travailler avec lui sur Game One, c'est fou. Et le fait de l'avoir comme chroniqueur... dans l'émission, c'est encore plus intéressant. Non, il m'avait dit, j'avais posté un petit message, un petit peu de philosophie d'amour sur mon père, 10 ans de ma vie, tout ça. Bon, des fois, je me livre un peu. J'ai le cœur ouvert. Et puis, ça fait du riche. Donc, livrez-vous plus souvent. Et non, il m'avait fait un message. J'ai toujours dit que Marcus, si j'avais le choix, ce serait mon papa de cœur. Et il m'a dit, si je peux postuler à ce job, eh ben, j'en serais ravi.
Trop mignon. Oh, KO. J'avais dit que j'en ferais chier au moins. C'est t'as doux, encore, c'est tellement doux. T'as vu la lettre d'Edouard, KO. T'as pas encore. On le garde pour la fin. Non, mais voilà, du coup, et Marcus, je lui dis, franchement, c'est un modèle. Deux, c'est un modèle, il aurait pu être. Je vais pas pleurer, j'ai pissé tout à l'heure. Évidemment, l'émotion redescend très vite. Le cap. On rappelle cette émission, j'ai cap sur l'élégance, je suis le capitaine, il y a des icebergs de la disgrâce, vous les avez esquivé les icebergs. Patron. Oui, oui, non. C'est bien, petit. Alors, j'ai reçu un texto de la Pépoutre, Pépé Garcia, qui me dit l'émission régale complètement. Oh, ça, mais Pépé, et on embrasse le chat La Famille, on est 2007. Merci à vous, chat. Merci, le chat La Famille. La dernière aujourd'hui. Aussi, il y a pas mal de copains du stream qui sont passés. J'ai vu Zari, j'ai vu du Max Hildan, j'ai vu du Zulu. Tout le monde, merci. Mais avant de parler de tout ça, moi, je voulais te parler encore d'un invité qui voulait laisser mon normal un petit message, un petit bisou, un petit poutou. Un petit puti. Et j'ai envie de te dire un truc juste avant, Norman. Ta gueule, la 5G. Regarde ça. La 5G. Toc, toc, toc. Vous, là. Oh, il a Lyon. Vous, l'équipe de matinale. Je sais que c'est la dernière de la saison. Je tenais à vous féliciter parce que vous avez assuré comme des malades. Vous avez régalé de ouf tous les matins. Je me réveillais tous les matins, moi, avec les cheveux dans les yeux et tout. Je voulais passer une bonne journée. Bah, c'était simple. Je regardais Norman. T'es la famille, t'es comme un cousin, t'es comme un père, t'es tout pour moi. La team est géniale. Tous les jours, des sujets variés. Il y a vraiment des tas de folies. Bref, vous avez vraiment, vraiment régalé. Donc, je voulais vous féliciter. Je sais que c'est pas facile de faire comme ça le matin. Je crois que même un animal le ferait pas. Se lever comme ça. Moi, je l'aurais pas fait dans tous les cas. Et je tenais à vous remercier également de m'avoir convié à participer à la matinale. C'était vraiment génial avec Dina, avec tout le monde. Tous les matins, on s'attache vraiment à vous. Les sujets sont top. Il y a de la rigolade, de la vulgarité, tout ce que j'aime, de l'hilarité même. Et c'est une famille, c'est la team. Donc voilà, je voulais vous faire des bisous, vous souhaiter un bel été. Et en même temps, bien sûr, faire des coucous aux viewers ainsi qu'à tous les petits loulous du chat que j'embrasse très très fort. Bel été. Portez-vous bien et prenez soin de vous, des gens que vous aimez, de tout le monde, de mon crâne. Prenez soin de tout. Allez, des gros bisous. Allez, ciao. Oh là 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 là, quel choix de vivre. Et c'est pas lui qui a fait le montage. Hein. C'est lui qui a. Ah, mais il a pas besoin, c'est Pépé. C'est arrivé à 2h du matin, il s'est excusé, mais en même temps, il s'est buté le cul pour faire un montage. Ah, oui, il est à Lyon. Pépé, quelle joie de vivre quand même à chaque fois. Il est à Lyon là, t'as vu ? Ouais, on voit la statue. C'est tellement beau. On voit Fourvière derrière, c'est magnifique. Au-delà de la beauté de la ville, il y a surtout un club de foot incroyable. Ça va. On le sait qu'il est fan de Lyon, on le sait. Toi, ce que t'as dit, je m'en fous complètement. J'adore. En tout cas, merci à Pépé. Tu peux pas t'en foutre, t'y es pas allé, t'as regardé par procuration. Oui, bah. T'es même pas venu à la Lyon e-sport ni rien, toi. Mais rien, pardon, mais. Laisse tomber. Non, c'est bon, tu m'intéresses. Non, je disais juste. Parce que Lyon, c'est bien. Ouais, Pépé Garcia, tu sais que je le connaissais à l'époque, je le suivais sur Energy Games. J'avais pas forcément. Avec Bamar. Ouais, c'est pas que je sentais pas, mais j'avais vraiment qu'une envie sur lui. Je disais, mais c'est qui ce mec et tout, je sais pas. Et le ah jour, ouais, ouais, vraiment. Parce qu'en fait, je voyais rien de lui. Et je sais pas, j'avais. Il est trop petit, ça n'a rien à voir avec lui. Et puis un jour, je l'ai vu vraiment, ce qu'il faisait et tout. Et je me dis, putain, quel mec en or, franchement, il régale. Et, Ta gueule, Magic News. Merci, mon peps, en tout cas, il me régale. C'est un amour, en tout cas. Oui. Magic News. Il y a de la vidéo encore. On parlait d'un mec en or. Ouais, on parlait. On a en platine. Un deuxième mec en or. Ouais. Mais c'est pas possible. Un deuxième mec en or. Alors, on en a chié. Ouais, c'est un peu l'arlésienne. Ah là. Attends, l'émission. Quelqu'un qu'on voulait avoir tout le temps qu'on n'a jamais eu. Ouais, exactement. Oh. Oui, non. Tony Parker. J'avais oublié le délire sur Tony Parker. Ouais, on a forcé. Attends, au début. Ne me dites pas. Pendant deux mois quand même, on a forcé tous les jours. Ne me dis pas que c'est un mec qui a quatre lettres dans son pseudo et qui a un qui a un cul à faire frémir les. Alors les hommes et les femmes. On a réussi à l'avoir, mais. Mais. Ah mais. Ça pouvait pas bien se passer. Fous de ma gueule. Qu'est-ce qui se passe ? Attends. En fait. J'ai de m'envoyer un petit texto avec Zav. Zari, que j'embrasse. Mais Zari non. Télévision. Je lui dis, mec, c'est la dernière vendredi, est-ce que tu nous ferais pas une petite vidéo ? Pas de soucis, il me dit ok. Alors moi, je lui renvoie un roman, il me répond juste ok, tu vois, mais ça fait plaisir. Ok. Au moins, il a pas juste le lu. Oui. Ouais, le lu. Hier, moi, il a répondu un truc. Hier, il commençait à se faire tard, toujours pas de réponse. Du coup, le Jules me dit, envoie ton petit texto, toi aussi. On va être deux à forcer comme ça à gratter. J'envoie mon petit texto. Il envoie dans la minute à peu près, hein, sur mon portable. Oui, mais parce qu'il paye toujours des desserts. Donc, il t'aime bien, c'est pour ça. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ouais. On voit que la vidéo, elle est en x3 et qu'elle est inexploitable. Ouais, tu sais, de ma gueule. Ouais, tu sais que ça fait un an qu'on veut la voir et pour le coup, qu'il en fait un. Et hier, comme un connard, j'ai teasé en disant il sera là, Et bah, regarde, si tu veux l'extrait, regarde, on va le passer rapidement. Ouais, voir, c'est très rapide, c'est 3 secondes. Regardez ça. Oh. Voilà. Regardez pourquoi. Voilà, merci beaucoup à
Alors, l'avantage quoi de Norman Genius, c'est que, bien sûr, Norman Genius... La meilleure pub pour Xiaomi, ceci dit. C'est, ouais, c'est ça, la vidéo. Ouais, je te jure, il n'y a pas de blague. C'est, en fait, la vidéo était en... Je ne sais pas pourquoi, l'image est en accéléré, le son non. Mais et donc, du coup, comme elle se finit trop vite... En fait, Zary, il est trop fast. Donc, oui, en fait, le son est en avance sur sa vidéo. Ça, sur vidéo. Norman Genius, ta gueule, Norman Genius. Me permets rapidement, avant de te montrer, de te faire écouter le message de Xari. J'ai reçu un texto de Junpei, la famille, on embrasse. Oh, il me dit, je me fais vraiment chier perso sur la dernière. Non, il dit GG, j'ai adoré tout le monde sauf Norman, bien évidemment. Ouais, parce que je le congratule un peu trop. Il est gêné, le Brésilien. Xari Télévision, je vous fais juste écouter. Ouais. Alors, après. Vas-y, fais-le dans le écoute, micro. Vraiment, ça marche. Dans le micro, en son, ça marchait, mais pas en image. M'a demandé pourquoi je venais pas dans le matin, c'est simple, je dors les bouffons. Voilà. Ah, je préfère la version là. On aura réussi à avoir un peu de Xari. Un quart de Xari. On a un peu de Xari. Merci Jumpay. Le fast. Ouais. Le fast. Xari, j'adore. Des fois, on a un petit moment. On rentre en trottinette. On a fait ce voyage en Tunisie, lui et moi. Et on avait pris un petit plateau repas dans l'avion. Moi, j'aime bien causer avec Xari. C'est mon petit Xari. Je l'aime bien. En tout cas, voilà. Après un an. On a eu la vidéo, les gars, sur la dernière. Et tu sais qu'on a une autre surprise pour toi, mon Norman. Pas possible. Et ça sera... Attendez, mon petit cœur, il peut pas supporter. Il peut pas le cœur qui est là déjà, là-bas. Kiki, KO, Rof, j'ai une question pour vous, les amis. Vas-y. Norman Genius nous raconte tous les lundis que le week-end, il s'est promené en poussette avec qui ? MV. MV. Non, j'ai dit que c'était une des personnes que je rencontrais le plus à chaque fois que je sortais. Et c'est vrai, dès que je sors une fois sur deux, je tombe sur lui, son épouse. Tu l'aimes bien ? MV ? Ouais. Oh, j'adore MV. En tout cas, il t'a répondu, mon Norman. On a une vidéo d'MV, c'est très gentil à lui. Attends, et maintenant, on va dans la vidéo. si, maintenant, on la passe pas. À toi de voir, mon Norman, je vais juger. Ouais, Norman, bon, j'ai bien reçu ton 80e SMS pour passer dans le matin. Bon, j'aime bien, donc je vais pas te dire que tu me casses les couilles, mais quand même, le matin, c'est pas mes heures. Hein, voilà, ça me saoule. En plus, tu sais très bien que pour repasser chez Webedia, il faut que ça soit 6 chiffres par heure minimum. Donc, je sais que vos commerciaux me relancent régulièrement pour faire des OP à 50 euros par heure. Je sais qu'il faut marger, mais il faudrait peut-être arrêter de se foutre de la gueule du monde. En tout cas, je vous souhaite quand même beaucoup de bonheur. J'espère que vous serez reconduits, bien sûr, pour la saison prochaine. Voilà, donc je vous souhaite du courage. Peut-être que je reviendrai lors de votre prochaine saison si vous avez un budget... Tant soit peu correct. Enfin, voilà. On est entre professionnels tout de même. Ah, pardon, elle est magnifique. Cette tête ultra sérieuse à la fin était parfaite. L'argent, c'est important. Ça décompte. Alors, apparemment, il n'a pas les mêmes commerciaux que toi chez Webedia. Je crois pas, ouais. Alors, je pense qu'MV, niveau commerciaux, il n'est plus à ça. Hein. Okay. Après, je pense qu'il vient. Bon, c'est un rôle, hein, il m'adore. Hein. On s'adore, on se tombe dans les bras. En plus, il m'a envoyé un mail trop gentil. C'est vrai. Avec la vidéo et tout. Mais j'adore. Franchement, Xavier, j'adore. Et puis, sa fille et mon fils, là. C'est peu que plus tard, là. T'imagines si l'ADN du vieux monsieur et l'ADN du meilleur stream animateur du PAF font comme ça. Oh là là. T'imagines, Norman Genius. Il se peut que j'ai réservé déjà 2-3 églises. Un peu d'avance. Non, merci. Allez, merci, MV. Franchement, il sait que je l'adore. Et franchement, on ne précise plus que c'est un boss, évidemment, au niveau du streaming. Est-ce qu'on peut remercier le chat de la famille? On est 3000. Oh là là, c'est ça. Oh. Rofel, il m'a fait. Il est en tout 3000, 3000 ou rien du tout, il m'a fait. Merci, chat de la famille, pour la dernière. Vous êtes là. Déjà, vous avez été. De toute façon, il y a 10 minutes. Je vais faire 10 minutes de tartinage là. On était là toute la saison. Ah non, mais préparez la biscotte parce que je vais me mettre là. Préparez, parce que là, le tartinage, il va durer 10 minutes facilement. Là, on va être bien avec tout le monde. Apparemment, il y a un final remerciement, une final lettre, une final émotion qui apparemment a fait chialer ces deux hier. Moi, ça va. Mais j'étais fatigué. Il était 5h du matin. Quelqu'un, l'homme. Enfin, j'étais fatigué. Moi, il y a Rof qui m'a lu un tout petit extrait parce qu'Edouard m'a demandé de ne pas la lire. Oui. Donc, il m'a lu juste les deux dernières phrases. Mais ça, c'est l'homme qui. C'est une surprise pour tout le monde. L'homme qui, évidemment, fait partie de ma vie. J'espère qu'il remercie Genius pour sa manette aussi. Hein. J'espère, je ne sais pas. En tout cas, je le remercie pour les vignettes et mes montages. On rappelle, Edouard, depuis le premier temps. Il était à Paris Games Week sur le salon de l'agriculture. C'est un viewer de jeu actuel, apparemment. Ouais. On m'a dit, et du coup, après être viewer du matin, mais inconditionnel, et sur nos Twitch, franchement, oui. c'est un ami, je vous dis aujourd'hui, de ma vie, parce qu'on discute vraiment tout le temps. Et voilà, je le tartine déjà. Vas-y, tu peux y aller. Non, excuse-moi. Vas-y, tartine. T'es un peu touché, la fin. Salut la team le matin. Ici Edouard, le compteur officiel des tics de langage de Norman et viewos assidu de le matin. Petit message à l'occasion de cette fin de saison afin de simplement vous remercier, vous tous, pour cette année passée en votre compagnie.
D'abord, un peu de contexte s'impose. Quand l'émission a commencé en septembre 2019, j'étais en train de vivre un moment un peu compliqué dans ma vie, marquant l'accumulation de beaucoup d'événements assez tragiques, ayant forcément eu un impact sur mon moral au quotidien. J'étais ainsi dans une période où il était devenu difficile pour moi, ne serait-ce que de me divertir, m'amuser ou encore simplement sourire. Et puis le matin a débarqué avec ses gros sabots et il a balayé d'un revers de la main toute cette négativité. Vous avez réussi, en l'espace de quelques heures, à me faire retrouver cette positivité et cet entrain que j'étais en train de perdre. À partir de là, vous avez commencé à bouleverser mon quotidien, car depuis que je suis tombé amoureux de cette émission et de chacun d'entre vous, en plus de retrouver un moral plus encourageant, j'en suis même arrivé à m'aménager de nouveaux horaires de sommeil afin de pouvoir me lever plus tôt et être là en votre compagnie chaque matin. Bon, je vous cache pas que j'ai perdu au passage quelques heures de sommeil chaque jour, mais en vrai on s'en fout, parce que c'est un réel bonheur pour moi de pouvoir vous suivre au quotidien. En effet, votre bonne humeur, votre bienveillance et votre énergie positive sont le meilleur des moteurs pour entamer mes journées avec la banane. Comme je le dis à chaque fois que je tartine l'émission à des proches, vous êtes un peu l'entité qui nous envoie tous les matins des bonnes ondes en Wi-Fi à travers notre écran. Votre énergie est communicative et vous avez un vrai impact sur l'état d'esprit dans lequel on entame notre journée. Alors, si je devais choisir quel est le petit plus de l'émission qui la rend si charmante à mes yeux, je pense que je dirais que c'est sans conteste ce lien qui vous unit. Votre complicité transpire l'authenticité et c'est assez flagrant que l'émission évolue en groupe, voire même en famille. Et cela vaut aussi pour les membres de la technique comme Pierre Lecoul, Jane, Guillaume ou encore Vivi, Roméo et tous les techniciens de l'ombre que les viewers ne connaissent pas forcément. My man. Comme je l'ai toujours dit, la technique de Le Matin est un peu l'ultime chroniqueur de l'émission. Chacun participe à son succès et chaque fois que l'un d'eux est absent, il nous manque tout autant que vous. Et puis cette proximité, vous la partagez également de bon cœur avec vos viewers. Vous interagissez toujours avec le chat, vous vous rendez toujours disponible sur les réseaux sociaux et vous n'hésitez pas à mettre en avant dans l'émission les messages des viewers qui vous ont le plus marqué. Grâce à cette bienveillance et cette ouverture d'esprit qui sont les vôtres, j'ai le sentiment de faire un peu partie de cette grande famille qu'est Le Matin. Vous savez, un peu comme ce cousin éloigné qu'on voit pas souvent, mais qui continue régulièrement de prendre de vos nouvelles avec un regard toujours bienveillant. Bref, tout ça pour vous dire que vous faites désormais partie intégrante de ma vie et que je suis très heureux d'avoir fait la connaissance de chacun d'entre vous. Parce que oui, hormis Marcus, Norman et Maxime, vous étiez tous des nouvelles têtes pour moi, un grand ignare du stream game que je suis. Chacun d'entre vous apporte sa pierre à l'édifice et vos personnalités aussi marquées que différentes ne font que renforcer la plus-value de cette émission. En parlant de plus-value, je tiens d'ailleurs à saluer tout particulièrement Jules, ce producteur si jeune et pourtant si talentueux qui a œuvré pour le bien-être de Le Matin. Il a été au four et au moulin toute la saison et je pense que c'est en grande partie à lui qu'on doit le rayonnement dont bénéficie Le Matin aujourd'hui. Jules, c'est un peu le genre de gars qui aime faire briller les copains en les mettant le plus possible dans la lumière, notamment avec ses 1v1, mais qui est un peu mal à l'aise quand les projecteurs sont braqués sur lui, alors du coup, il ne se met jamais en avant avec ses propres qualités. Je me retrouve un peu en toi au travers de cet aspect de ta personnalité et c'est pourquoi je ne sais que trop bien que tu mérites d'avoir toi aussi la couverture sur toi. Alors si je peux le faire, je le fais. Merci à toi pour ton implication, pour le travail que tu abats et à titre personnel, pour ta disponibilité envers de simples viewers tels que moi. Je ne peux pas non plus ne pas remercier personnellement Norman pour son talent incroyable d'animateur, sa gentillesse et la confiance qu'il a pu m'accorder pour ses projets perso. Et puis il a fini par me l'envoyer cette manette après. Enfin voilà, à présent est venu le moment des au revoir. J'ai l'impression de n'avoir abordé que la moitié de ce que je voulais vous dire, mais au même titre que la saison, il va bien falloir que ce message se termine. Vous avez tous me manqué cette fin d'été et je repenserai non sans nostalgie à tous ces moments qu'on a pu vivre avec vous cette année, comme les goinfreries de Maxime, les impros de Norman, les maquillages de Cinderis, la matinée hypnose de Vince, les vannes piquantes de K.O., l'électrocardiogramme de Jules, les fous rires d'Adibou, les questions de merde de Marcus, l'arrivée en grande pompe de frère Ange, les anecdotes forestières de Kyria, le bon maître Zoltan, la culture de Sam Vostok, les séances de torture de Dina, les compétences de cuisine de Rofolos, les retards de Nanix, le regard langoureux de Jane à Norman, les samples sonores de Pierre Lecoul, l'invisibilité de Guillaume le caméraman, la météo de Vivi, les mauvais numéros de Roméo, les passages de Nao et Yuna, la ribambelle d'invités qui se sont succédés, vos passages à la PGW et au Salon de l'Agriculture, la surprise de la piste de Coyote ou encore l'expédition dans l'hôtel Kyrian. Bref, cette année fut riche et on s'est régalé comme jamais. J'ai adoré vivre cette saison en votre compagnie. Comme dirait l'animateur phare de l'émission, vous êtes des frères et des sœurs ou des grands-pères. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous tous mes vœux de bonheur et d'épanouissement. Profitez de vos vacances bien méritées et revenez-nous en forme à la rentrée. Vous pourrez toujours compter sur nous pour vous accueillir à votre retour. Avec mes amitiés les plus sincères, Doudou. Alors là, franchement,
j'ai pas de vanne. J'ai pas de vanne. Mon Juju. Oh, mon Juju. Et ça fait 100 euros. Je suis fatigué. Ah, elle est fatiguée. Mais je comprends, tu craques parce que c'est très touchant. Et franchement, Snake, aujourd'hui, on l'a dit, hein, c'est vrai que nous, on fait ce métier, ce boulot, parce que les Vios, il y a beaucoup de Vios qui sont aujourd'hui nos amis. Et Snake, c'est quelqu'un de hyper généreux, c'est quelqu'un de hyper sympa, qui connaît pas mal de choses en plus. Hein. Je discute avec lui, il connaît pas mal de choses. Et franchement, il nous a régalé, il nous a aidé. Personnellement, évidemment, pour les vignettes et compagnie, mais au-delà de ça, il a toujours été là, tout le temps, pour nous, hyper sympa, hyper bienveillant. Il y en a plein, hein, évidemment, je dis ça à tous ceux qui ont écrit les lettres, mais hey, il a mis tout le style là-dedans, j'étais à deux doigts. L'année prochaine. S'il m'avait plus tartiné. Il est un peu allé partout. Non, mais il a raison. Et il a raison, encore une fois, je vais faire un petit remerciement après, on parlait de tout, essayer d'oublier personne, mais ouais, mon Juju, je comprends. Ce que je trouve cool, en fait, c'est que souvent, on se demande. Enfin, moi. Bordel. Allez, il reste 10 minutes là, faut tenir. Ah, il a raison. Non, mais voilà, refais. Tu verras après. C'est quoi, on passe sur Kikiche là. Kiki, un petit mot sur la lettre de. Elle était vraiment touchante pour le coup. Ouais, c'est vrai que moi, du coup, je l'ai jamais vue IRL. À chaque fois, je suis pas là sur les rencontres et tout ça. Et donc, forcément, j'avais pas plus que ça son histoire. Mais juste, l'histoire du début, en fait, était extraordinairement touchante. Et moi, je sais que c'est une des raisons pour lesquelles je suis contente, en fait, au final, de faire du streaming. Ah, c'est ce que pour je voulais dire. Tout ouais. ça, en fait. En fait, on est là, on ne sait pas forcément le lien qu'on peut créer avec les viewers, parce que voilà, on est là tous les jours, on essaye d'être autant, enfin, aussi présent qu'on peut. Ce que je trouve difficile parfois dans notre taf, c'est qu'on a du mal à trouver du sens à ce qu'on fait. Ouais. Et là, quand je vois. Mon Juju, putain, il est touchant. Non, mais c'est vrai que le fait de te dire que tu sais, genre à ta hauteur, à ta manière, tu contribues à rendre des gens un peu plus heureux, un peu plus joyeux dans leur vie. Bien sûr. C'est un sentiment incroyable en fait. Ah, bien sûr. C'est ça qui te booste et qui te fait tenir. Je comprends, mon Juju, l'émotion. Raphaël, tu veux rajouter un petit truc. Bah écoutez, oui, moment touchant. On a hâte de revenir l'année prochaine. Le gros regret qu'on a cette année, c'est quand même, on tape. C'est pas non plus à nous qui est arrivé le pire, mais clairement, ce virus, ce confinement, le fait de devoir se séparer au moins temporairement d'une bonne partie de l'équipe, c'était quand même un grand coup. Oui, bien sûr. Le fait que c'est pas fini, ces mesures un peu drastiques, et c'est normal d'ailleurs, hein, on essaye de se protéger un maximum. Donc voilà, j'espère que ce sera possible de retrouver des moments comme ça. Moi, à chaque fois, ce qui me frappe le plus dans les vidéos qu'on a vues, c'est les moments d'embrassade, c'est le contact physique vraiment qui transpire justement le côté authentique dont parlait Edouard et d'autres. Et ouais, même nous, quand on s'est vus, on était là comme ça et on est bloqué. Et ça, c'est vraiment. C'est-à-dire que quand on dit que Norman est un peu fou, qu'il fait le show, etc., il faut savoir que quand la caméra coupe, c'est encore pire. Avec lui, il est à 10%. Avec nous, il est à 10% de son potentiel. Hein. Il se bride lui-même en émission. Sinon, on s'appelait l'antenne depuis longtemps, les amis. Ça, c'est bien vrai. On nous met un plafond de verre, vous savez bien, c'est normal. Parce qu'on est sur Twitch, parce qu'on est à Webedia et que du coup il faut tenir le cap de l'élégance. Bien sûr. Alors des fois, il y a un petit encéphalogramme. On l'a dépassé un peu. De temps en temps. Mais ça reste toujours bienveillant. Et en fait, c'est ça qui est cool. C'est que je trouve qu'on a réussi à créer une équipe qui est déjà très très grande par rapport aux autres émissions. 18. On était 18. On était 18. Ouais. C'est Popstar, ils étaient 18. À la fin, il n'en restera qu'un. Et on a réussi un horaire qui était vraiment pas facile à rassembler comme ça. On peut le rappeler quand même, il y a quand même pas mal de gens qui n'y croyaient pas au début. Ce que tu dis, en fait, je voulais que tu remercies les remerciements, c'est moi. Depuis tout à l'heure, il pique mon speech, quoi. Non, mais tu sais quoi, parce que je vais pas penser à tout, donc continue, t'as raison. Non, mais je vais pas penser à tout, donc t'as raison, dis-le. Les gens y croyaient pas. Vas-y, je crois. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Edouard a de toute façon bien résumé, et encore, la lettre était quand même suffisamment longue pour mettre pas mal de petits détails, remercier tout le monde. Évidemment qu'on veut remercier tout le monde, même ceux qu'on ne voit pas, et surtout ceux qu'on ne voit pas en régie, ou même que ce soit au staff, etc., les équipes d'Alexandre Nassar et autres. On a eu beaucoup de techniciens. On a surtout eu un fidèle, je crois, dans cette histoire. C'est Pierre Lecoul. Pierre Lecoul. Il n'est pas depuis la première, celui-là ? Si. Si. Ouais, c'est ça. Ce con-là. Inétonnasse. Et pourtant, on essaie de s'en débarrasser. Ah, y a rien. J'ai dans son dos. J'ai dit que c'était un drogué. À chaque fois qu'il y a un rappeur qui partait, tu veux pas l'accompagner. J'ai essayé de l'enfiler. Quand Kilimea est parti, on a dit à Pierre, ce serait bon de partir. Quand Gilou est parti, pareil. Quand Jane est parti, pareil. Il y a eu un autre gars, je crois, au milieu. Putain, Julien Strong.
Oh, mais Julien, on a eu Julien. Si t'avais fait un message pour ton anniversaire. Non, mais j'étais, ceux qu'on a eu en confinement, on a eu Sully, on a Rémi là actuellement, ouais. On a eu la petite Lucine. Lucine hier. Qui était très bien. Et puis on a eu Jules en réalisateur. C'est vrai, si, j'ai réalisé. Et Trim Deck. Toujours là. Et ben c'est beau. Bon, je me mets où pour les remerciements là. Allez, lève-toi, vas-y. On sait que t'as envie d'être devant, vas-y. Je suis passé dans le truc, c'est pas grave, c'est excellent. Alors, je me dis. Fais attention à pas t'asseoir sur le bureau parce que je sais pas si t'as vu qui y a là. Il y a la case. Viens dire un bonjour là, c'est cool. Il y a la case. Non, est-ce qu'ils sont tous prêts? Attends, regarde. Peut-être qu'on peut voir la case. Je touche la zénithale et je m'assois comme ça. Non, oui, que dire? Alors, Rofel, c'est bien que t'aies entamé parce que je pense que j'ai oublié du monde. Déjà, je remercie. On va remercier plein de gens. Déjà, mine de rien, c'est quoi? Je vais remercier Max Hildan. Parce que Max Hildan, il y a trois... C'est la musique, ça va, on n'est pas à la mission. Il y a trois ans, Max Hildan, c'est lui qui m'avait parlé déjà des tout débuts, des tout vraiment prémices de la matinale. En fait, je devais rentrer sur le stream pour faire la matinale. Je suis arrivé sur le stream, mais il y a eu tout sauf la matinale, en fait, donc c'était un peu fou. Et Max Hildan, il a cru en moi, il s'est dit, cette émission, elle est faite pour toi, tu dois la faire, etc. Donc merci à lui. Merci à la direction, déjà, de base. Merci à Alex Nassar, qui m'ont mis cette émission dans les pattes. Cette émission, c'était... J'avais d'autres trucs de prévu, J'avais un truc à 20h, mais bon, il l'a mis à 7h, quoi. Non, cette émission, c'était un grand moment. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens. Vous le savez, moi, je dis à tout le monde, t'es le meilleur, t'es la magie, etc. Mais je fais ce métier pour rencontrer des gens qui sont non pas connus, non pas famous, non pas riches, non machin. J'ai aucun des trois. J'ai aucun des trois ici. Autour de toi, là, c'est sûr. Non, tu regardes comme ça. Ouais, non, vraiment. Il y a personne. Et voilà. Sacré remerciement. Bah, rencontrer des gens qui sont aujourd'hui des amis, qui sont aujourd'hui des bons streamers et qui seront, j'espère, encore de plus grands streamers. Voilà, des Kiki, des Kao, des Rofel, des Jules que je connaissais évidemment avant, mais on a plus travaillé encore aujourd'hui cette année. C'est cool. Franchement, c'est fou. Donc voilà, Maxime Chao, des gens qui sont aujourd'hui des amis et dont je suis fier vraiment parce que c'est c'était dur, encore une fois, les gens n'y croyaient pas, c'est vrai, pourquoi? Parce que déjà c'est dur de faire des horaires, de faire des bons stats à cette heure-ci, et franchement on a fait des stats au-delà des espérances, on l'a fait, franchement il y en a qui disaient, ouais bon, si vous faites 500, entre 500 et 1000, franchement, ça sera pas mal. Le mec il me disait, mais en plus moi je connaissais pas bien les stats de Twitch, moi je viens de la téloche, on me dit 500, je dis, bah bon c'était bien, et je vois qu'on commence à faire 1000, 1005, 1007, 1008, à partir de janvier, on faisait du 2000, franchement, 2005, 2006, on grimpait, bon le Covid est arrivé, donc hop, à quoi boulevard, on est retombé dans le truc, voilà déjà, donc voilà, merci beaucoup, merci au chat La Famille, parce qu'encore une fois, je remercie tout le temps le chat La Famille, j'ai tartine, mais... Tu finis sur plus de 3000 viewers. Ouais, 3000 viewers, c'est beau. Non mais cette émission, pourquoi je fais de la télé, pourquoi je fais de la scène, pourquoi je fais du streaming, c'est pour communiquer avec les gens, parce que vous savez ce que j'aime le plus dans la vie, à part les billets verts, bien entendu, c'est communiquer et rigoler avec les gens. Je le fais devant la caméra, mais je le fais toute la journée, tout le temps, hors caméra. Et je pense que ça se voit. Voilà, j'essaie de pas jouer un jeu. Je suis aussi fou et taré devant l'écran que je ne suis hors caméra. Il ment aussi dans la vraie vie. Je mens tout le temps. Il triche. Il est mauvais joueur. J'essaie. Il est un peu arnaqueur de temps en temps, mais c'est pour ça qu'on tient. Tu l'as vu, je suis là. Et c'était un défi pour moi parce que je suis le mec le moins matinal du monde. Franchement, c'était un défi pour moi, un défi de vous présenter, animer l'émission le mieux possible. Voilà, j'essaie d'être le plus marrant, le plus généreux, le plus à l'écoute, le plus fou, voilà, pour vous. Et encore une fois, dans ma vie, j'ai eu la chance de faire beaucoup de projets. Ça fait 10-15 ans que je fais ce boulard, que je fais ce showbiz. Et j'en ai fait des projets dans ma vie, je vous l'ai dit, j'en ai fait beaucoup, j'ai eu la chance de faire ça. Et franchement, le matin, c'est un des plus beaux projets que j'ai la chance d'avoir dans ma vie. Et je suis très fier de faire cette émission. Je suis très fier, encore une fois, d'être avec vous, parce que cette émission, je suis animateur, tout ça, mais et ça, je le dis vraiment... Sans rigoler, l'émission s'est construite grâce à Jules beaucoup et grâce aux autres, parce que si on fait qu'animer, s'il n'y a pas de contenu, franchement, l'émission, au final, c'est de la merde. Et c'est pour ça que cette émission a autant plu. C'est pour ça que j'ai reçu autant de messages privés de DM des gens, des personnalités même connues, qui ont cru en nous, qui nous ont remerciés. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci d'avoir été là, vous tous, tous les matins, depuis le début, 7h, 8h, 10h, 13h, midi. Vraiment, ça a changé, c'est la caravane. Oui. C'était un plaisir, un honneur, vraiment une fierté de faire cette émission. Et je suis content qu'on revienne ensemble fin août. Je l'avais dit dans le Vérité, je voulais faire autre chose. Je voulais évidemment faire d'autres émissions. J'ai d'autres projets, d'autres trucs importants dans ma vie. Du coup, je voulais confier la matinale à Jules. Voilà, je me suis dit, je voulais qu'il anime à ma place. Voilà, ça s'est pas fait parce que, bon, évidemment, il y a d'autres projets, et la direction est en moi, etc. Tu restes aussi. Au-delà de ça, tout ça. Et je vous dis, le stream, ça fait 2-3 ans que j'y suis, j'ai fait 10 ans de télé, mais en 3 ans de stream, j'ai appris beaucoup, et c'est un plaisir de rencontrer tous ces gens-là, tout le chat, toute la famille, j'espère que ça va continuer vraiment longtemps, donc voilà, bravo à vous, on peut applaudir évidemment l'équipe, tous ceux évidemment que j'ai pas cités, qui sont avec nous dans l'émission, que j'ai pas cités, qui sont en dehors,
le chat, la famille, je vous dis, c'est un plaisir. Et on part qu'un mois non plus. Tu vois, on sort pas de 10 ans. Tu vois, l'émotion est là. Et un grand merci encore une fois à Doudou qui, encore une fois, c'est arrivé pas mal de fois dans ma vie. Je sais que Marcus et moi, on se lie d'amitié facilement avec les gens. Mais rencontrer des gens aussi généreux et aussi à l'écoute et aussi ouverts, sympathiques que Doudou, franchement, c'est rare. Et moi, ça me fait plaisir, je dis. Rencontrer des gens gentils, c'est tout ce que je veux. L'argent, au final, c'est une couverture. c'est une couverture. Moi, je veux rencontrer des gens, je veux m'amuser avec eux. Ta gueule, et voilà, je vous dis, première fois que j'ai rencontré Kiki, première fois que j'ai rencontré K.O., Rofel sur un jeu de société, Maxime, ciao, jeu actu, Jules, on faisait récapisport, mais on bossait un peu ensemble. Et le fait de les voir déjà grandir eux-mêmes, parce qu'évidemment, ils sont encore tout jeunes dans le métier, les faits de les voir évoluer et de les côtoyer chaque jour, eh ben, je peux vous dire, ils m'apportent quand même beaucoup de choses, bien plus que moi je leur apporte. Et je peux vous dire, ça, c'est vrai. Donc, je vous fais des gros bisous. Il est 57, on se fait une discute. De toute façon, on se retrouve le 31 août, les amis. Ouais, Soyez là le 31 août, on vous prépare une deuxième saison. Là, pour l'instant, on manque un peu de visibilité, donc on vous dira pas forcément ce qui se passe. Ouais, ça sert à rien de vous dire un truc. Là, aujourd'hui, à la rentrée, on est là et on fait la même chose, mais on a d'autres aussi envie. Donc, on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, merci. Encore une fois, ils l'ont dit à la rédaction. Merci à la régie. Merci à la direction. Le stream, ça ne fait qu'évoluer. Et franchement, putain, mais putain, mais je l'ai pris dans la gueule. Ça fait merde. Et merci à Vivi. Tu vas te prendre un saumon. Putain, putain. Merci. On est encore à l'antenne là. Ouais. Oui. Des bisous. Des gros merci. Profitez bien. Bonnes vacances. On revient le 31 août. Et je peux vous dire, la saison 2. Vous pensez que la saison 1 c'était ouf, saison 2, ça va être incroyable. Des bisous et bonne journée bye bye. Sur le stream.